Bonjour tout le monde, enfin bonsoir. Je suis aujourd'hui avec deux invités et nous allons parler d'un jeu qui s'appelle Taste of Heaven. C'est un jeu qui est en finale de la Game Cup. Donc je suis aujourd'hui avec Rodolphe Bax, qui est le directeur artistique. Bonjour à toi. Salut, salut tout le monde. Et je suis avec Thomas Gamer, qui a été traducteur sur ce projet. Comment ça va, Thomas? Très bien, et toi? Bonsoir tout le monde. Alors, normalement, en vrai, l'équipe, vous êtes trois. Il manque une personne aujourd'hui, donc il manque Pierrick, je crois, qui est le développeur, je crois. Autour des quatre, il y a Pierrick le développeur et il y a aussi Brian qui fait des super musiques aussi. Ok, donc vous êtes quatre. Absolument. Donc, comme je Ouais. disais, ce jeu Beaucoup est. complimenté en ce moment d'ailleurs. Ouais, Donc, complémentaire. Bah, il faut. comme je disais, ce jeu, il est en finale de la Game Cup, donc on reviendra dessus après. Yes. Pour l'instant, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table pour se présenter un petit peu et voir un peu vos profils. Donc, je commence par Rodolphe. Donc, est-ce que tu peux nous dire ton parcours, ton profil et quelles sont tes compétences? On t'écoute. Alors, moi je suis du coup directeur artistique sur Taste of Heaven. Alors, j'ai une double carrière. Moi, je fais de la BD. Je fais une super BD, mais je vais pas en parler. Et du jeu vidéo. Alors, moi, mon parcours en fait, c'est que j'ai fait Lillois il y a. Je compte plus les âges parce que je commence à être vieux, mais. Il y a 15 ans, je crois 15-16 ans. Et j'étais dans la première section jeux vidéo au port. Et ben du coup, j'avais pas le choix en fait. Je devais soit rester à La Réunion, changer de taf, soit aller en France pour retrouver du travail. Ouais. Et donc du coup, je suis parti à Lyon et j'ai bossé un bon moment. J'ai bossé un bon moment dans le jeu vidéo pour pas mal de types de jeux et de supports. Et après, je suis revenu parce que j'ai une petite fille. Donc du coup, moi, c'est pas concevable qu'elle mange pas de rougail saucisse. Donc c'était obligé de revenir. Voilà, et puis bah, maintenant je suis de retour à La Réunion, et moi mes compétences, bah, c'est vraiment bon, de la DA, de là ça veut un peu tout dire, mais tout et rien dire, c'est plutôt de la 2D, donc plutôt artiste 2D, voilà. Ok, C'est-à-dire, ta donc là, tout spécialité. Taste of Heaven, moi j'ai tout fait, hein, visuellement, quoi, Ok, les animations aussi ou t'as fait que les... voilà. Ouais, toutes les animes, tout quoi. Ok, alors même question pour Thomas. J'ai ce profil qu'on aimerait tant savoir, celui qui a bossé sur la trad du jeu vidéo. Donc je t'écoute Thomas. Moi, écoute, à la base, j'ai toujours voulu être dans le, on va dire, quelque chose de créatif, mais je savais pas trop quoi. C'est-à-dire, je voulais faire de la bande dessinée, à un moment donné, je voulais écrire. Enfin, la bande dessinée, j'aimais bien, mais j'aimais pas faire tout le temps le même dessin du même personnage, parce que j'arrivais pas bien à les faire pareil. C'est-à-dire, j'étais pas trop dégueu en dessin, mais la régularité, c'était pas trop mon truc. C'est chiant, Après, il y avait aussi le côté, par exemple, on fait un gag, on fait une blague, et puis ok, on a une blague en tête, mais quand on a fini de faire la BD 5 heures plus tard, bah du coup la blague on la trouve plus drôle. Ce genre de petits problèmes. Et donc finalement je me suis rendu compte que j'étais plus dans les lettres, que c'était plus facile pour moi d'être, par exemple, scénariste. Du coup j'ai commencé à écrire des trucs de part et d'autre comme ça, tout en suivant mon niveau d'études, c'était des études littéraires du coup évidemment. hein. Et puis petit à petit, je suis arrivé jusqu'à la fac, j'ai continué à faire des études d'anglais. Donc toujours un peu dans la littérature, en continuant à faire un petit peu de musique, à raconter un peu d'histoire, jamais publié, mais toujours motivé. Et on est arrivé pas loin d'être publié, pardon, à quelques reprises, avec une histoire avec un kangourou dans la forêt, une histoire de truc, il va chercher des truffes, et puis enfin bon, tout un festival, on pourra en parler un autre jour. Et Il a inspiré Thomas. des petites brèves. Et finalement, au bout d'un moment, je suis devenu traducteur pro. Voilà, j'ai fait Ouais. mon bac plus 5, je suis allé donc traduire des jeux vidéo comme genre le Scrabble, une version un peu spéciale de Tetris. Ça, je peux pas trop en dire plus parce que il y avait des clauses de confidentialité, mais en gros, si c'est les triple A que j'ai eu l'occasion de traduire à une époque, mais OK. c'est plus du tout ce que je traduis aujourd'hui. Au contraire, moi, je vais pas dire que je suis contre les hautes sphères de l'industrie du jeu vidéo, mais je vais dire que je suis plus pour les plus petites sphères de l'industrie. Genre les jeux indépendants avec beaucoup plus d'honnêteté intellectuelle, comme Taste of Heaven par exemple, ou comme Phenotopia Awakening que j'ai traduit du coup un petit peu avant, ou enfin comme tout un tas de trucs. Je pense qu'il y a vraiment déjà beaucoup plus de liberté d'action, et puis même en fait c'est beaucoup plus gratifiant à tous les niveaux d'être en contact direct avec des développeurs plutôt qu'avec. Plutôt qu'en fait avec des middle cuts, en fait, des managers, d'agences de traduction, tout ça, qui eux-mêmes vont référer enfin, c'est un peu, je trouve ça un peu couillon.
Et donc, j'ai fait ça, c'était mes études, mais finalement, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait pendant les 5 années qui ont suivi l'obtention de mon diplôme. Je suis devenu prof. À un moment donné aussi, rue Charles Gounod, là, il y a un petit magasin d'épices arabes où j'ai mis des épices dans des sachets. Ah ouais. À un moment donné, du coup, enfin, j'ai fait pas mal de trucs. Après, j'ai atterri dans un magasin réunionnais bien connu qu'on ne citera pas. J'y ai fait 4 ans et ensuite, quand ça s'est terminé, évidemment, à l'issue du Covid, parce que il y a eu des tirages à la courte paille et j'ai tiré sur la plus petite. 5 jours plus tard, en fait, un ancien client que j'avais démarché il y a très longtemps, voilà, m'a donné la possibilité de traduire son jeu. Puis c'est comme ça que vraiment je me suis remis le pied à l'étrier. Ok. Et aujourd'hui, j'adore ça. Mais je traduis les jeux vraiment à. Je me contente pas de les traduire, c'est-à-dire que je les localise. La différence, c'est que lo la localisation, c'est traduction et adaptation à un public cible. Ouais. Et cet exercice, dans ce qu'il a de plus complet, en fait, il va jusqu'à la communication, éventuellement le marketing. Et comme aujourd'hui, où voilà, sur Taste of Heaven, par exemple, j'ai passé 2 semaines là sur Twitch à récupérer du monde pour faire connaître le jeu et pour que les gens votent pour lui. Voilà. Ah oui, enfin, je Alors, parle du vote parce que c'était. du coup, on va en parler Ah ouais, après, donc je vais ça sera pas. après. Alors, c'est bien parce que tu as très bien détaillé ton Voilà. profil, du coup. Donc là, c'est très détaillé, Voilà. c'est cool. Tu vois, pourtant, on parle avec Thomas, hein, t'as vu, Ah, c'est il est bien, il trop limpide, est. moi, il me vend tout, il peut C'est tout bien, vendre, c'est ce gars. bien. Je Alors, l'écoute, j'achète tout. c'est ce que j'avais demandé, du coup. En fait, traducteur de jeux vidéo, c'est pas quelque chose où tu t'es dit, je vais faire ça. T'es tombé là-dedans un petit peu, je t'ai dit pas par hasard, mais par la force du destin, en fait, j'ai envie de dire. Il y a des opportunités qui sont arrivées, tu t'es dit, allez, tu testes. Et au final, t'as aimé, et puis t'as continué. Non, vraiment, c'est par formation. Ça a toujours été un peu pensé, c'est-à-dire, Vous voulez pour faire moi, ça c'est être vraiment. créatif avec filet, en fait. C'est-à-dire, j'arrivais pas à me dire que bah voilà, je vais être un créatif qui va publier des choses et puis qui va vivre de ça, ou alors qui crée en fait quelque chose, qui crée une histoire, un contenu intégralement. Pour moi, au début, disons, pour démarrer, ça me paraissait peut-être un petit peu complexe, genre écrire un bouquin, quoi. Tu vois, c'est lourd en fait comme responsabilité de se dire je vais prendre tout ce temps pour écrire quelque chose. Par contre, si c'est quelque chose que quelqu'un a déjà écrit et qu'en plus du coup ça permet de se forger là une patte sur un style préexistant en essayant de le reproduire d'une certaine façon, en essayant d'adapter à sa propre façon avec sa propre plume dans une autre langue, c'est un exercice plus sécurisant, plus. Puis vraiment agréable à faire, quoi. Par exemple, quand j'étais gosse, à un moment donné, je voulais être testeur de jeux vidéo. C'est-à-dire, quand j'étais tout petit, je voulais être entomologiste, parce que j'aimais bien les petites bêtes, les insectes, tout ça. Et mon papa, un jour, qui m'a dit « Pourquoi tu fais pas testeur de jeux vidéo, parce que t'aimes bien les jeux vidéo? » Et je lui ai dit « Quoi, ça existe, ça ?» Il me dit « Ben ouais. » Il me dit « Mais non, c'est comme testeur de matelas, c'est une connerie, ça existe pas pour de vrai. » Et en fait, là, j'ai appris que bêta-testeur, c'était un vrai métier. Ouais. Sauf que bêta-testeur, je pense que bon, faut quand même avoir. Déjà, faut pas être sujet à la migraine, quoi, parce que bon, faire des collisions pendant 8 heures dans le même truc, ça doit être. Voilà. Je dis pas que c'est un métier. Ça doit être un métier super intéressant, mais je pense que c'est pas le côté expérience de jeu vidéo qui domine. Je pense que c'est plus un côté mathématique, un côté. Voilà, alors que moi, de mon côté, c'est vraiment, je suis vraiment plongé dans l'atmosphère du jeu, dans son histoire, et voilà, je trouve que tout ça, c'est vraiment satisfaisant, quoi. Bon, Mais aussi, alors on. j'ai toujours visé ça, en fait. J'ai toujours vraiment visé ça. Mes études étaient plus ou moins dirigées vers là. J'avoue Ok. juste avoir eu un petit moment Complètement. d'illumination après mon master 1, qui était plutôt axé recherche, où je me suis dit, mais en fait, testeur de jeux vidéo. C'est à ma portée. J'ai fait des études littéraires, j'avais totalement oublié cette idée-là de quand j'étais gosse. Mais là, si je deviens testeur linguistique, du coup, c'est-à-dire relecteur par exemple, de traducteur et relecteur, en fait, techniquement, je peux tester des jeux. Ouais, en plus, ce qui est Donc cool, c'est que effectivement, toi, dans mon stage. en plus, c'est que en faisant ça, tu plonges dans le cœur du projet, donc tu vois vraiment toute la construction du jeu, donc ça, c'est vrai que c'est un plus. De toute façon, sur ce sujet-là, on y reviendra parce que je pense qu'on fera une autre vidéo axée là-dessus. Donc, vous l'aurez compris, hein, les deux personnages que j'ai en invité ne sont pas des débutants, ça fait sûrement plein de projets multimédia où ils ont déjà travaillé dessus. Et donc, ils se sont lancés dans la Game Cup. Alors, il y en a peut-être peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. Je vais mettre à l'écran le site. Donc, ils ont présenté un jeu, du coup, à la Game Cup. Alors, déjà, on va essayer pour les néophytes,
parce que c'est eux qui peut-être qu'ils savent pas ce que c'est. Est-ce que Rodolphe, par exemple, pourrait nous décrire ce que c'est que la Game Cup? Ouais, carrément, carrément. Alors, la Game Cup, eux, ils le décrivent comme la première Coupe de France de jeux indépendants. Donc, c'est en gros, c'est un concours, en fait, de créateurs de jeux vidéo indépendants. Donc, pour les néophytes, du jeu indépendant, c'est vraiment un jeu qui va être fait par une équipe plutôt réduite, et souvent sans budget, en fait, et sans soutien d'éditeurs ou de gros, on va dire, de gros publishers. Et voilà, donc si je devais comparer avec le film, on va dire, c'est un peu le film d'auteur comparé au triple A Marvel, quoi, tu vois. Si on devait vraiment avoir un rapport entre le cinéma et puis le jeu vidéo. Donc eux, ça fait 3 ans qu'ils existent. Donc c'est la troisième édition cette année de la Game Cup. Ils ont deux catégories, donc la catégorie newbie qui est un peu la catégorie espoir, c'est-à-dire la catégorie pour tous les premiers jeux ou en tout cas les entreprises qui sont pas encore structurées. Donc nous par exemple on est dans la catégorie newbie parce qu'on n'a pas, on n'a pas 10 employés. Donc quand je parle de jeux indépendants, voilà, il faut remettre en contexte, c'est-à-dire que des jeux indépendants, nous on est deux principalement qui bossent sur le jeu. Après on a étoffé l'équipe avec le super taf de Thomas et de Brian. Mais voilà, de base, ça reste une petite équipe pour le jeu, alors qu'il y a des équipes indépendantes qui sont 10 ou 20 en fait, et qui ont des entreprises déjà. Donc c'est voilà. Donc nous voilà, on est en catégorie newbie. Il y a une autre catégorie, c'est une catégorie boss. Donc, voilà. Et donc nous, on fait partie des. Donc là, on est lauréat des quatre finalistes. Et là, c'est les votes, hein, qui décident qui vont être le grand gagnant, quoi. Alors, vous êtes combien au début? Quand ça commence le concours, vous êtes combien? Eh ben, je suis pas certain, mais de ce que j'ai demandé, dans notre catégorie, on était minimum 50, ils m'ont dit. Ça, il y a donc Et 50 projets alors. 50 projets d'équipe, et je sais pas les dimensions des équipes. Ça peut être une à deux personnes, ça peut être 10 personnes. Ça dépend un peu vraiment des équipes. Et la catégorie boss, je sais pas, elle est composée de combien de personnes. Donc nous, on était 50 au début, et ça a été le jeu. Donc tous les jeux ont été testés par un jury de professionnels. Donc c'est que des mecs, si tu regardes un peu sur le site, il y a des le jury, c'est des DA des grosses boîtes, les directeurs techniques, les marketing, etc. Donc c'est des gens qui sont dans l'industrie du jeu vidéo. À mon avis, ils sont tous à Paris, hein, sans spoiler. Et donc voilà, donc nous on est super contents, on s'y attendait pas trop. On était à un stade en fait du jeu où on avait une démo jouable de 2-3 heures. Qui est cool, où on voulait vraiment, voilà, on avait montré tout ce qu'on voulait, donc qui présente vraiment l'univers, qui présente le gameplay, qui présente vraiment la base du jeu. Et moi, je trouvais ça con de. Ça fait 2 ans que je voyais passer un peu le concours. Et on a un peu toujours ce. Voilà, moi je suis parti en France, je suis revenu, j'ai vu un petit peu de pays et des projets, d'autres équipes et tout. Mais on a toujours au fond de nous, à La Réunion, ce côté, ouais, non, mais c'est un projet qu'on fait à La Réunion, jamais ça passe en fait. Tu vois, jamais ça Ouais. passe, il y a toujours un peu ce truc-là en fait. C'est un peu inscrit, malheureusement, dans le fait aussi qu'on est pas mal éloigné du compte. De la métropole et des voilà et on n'a pas le même réseau quoi mais par Ouais. contre nous on a comme la ferveur rayonnaise et le voilà l'envie aussi de on a un territoire qui est assez petit mais alors nous j'en parlerai peut-être un peu plus tard avec le collectif Wolfgang Ouais. et le collectif des professionnels du jeu vidéo à La Réunion donc nous on essaie de structurer un peu la filière. En fait, on se rend compte qu'on a un petit territoire en fait, mais les gars sont dangereux quoi. Tous les gars sont motivés et ça peut aller aussi très vite quoi. Et moi, j'ai super confiance pour la Game Cup parce que j'ai vu là sur la première phase de vote qui se termine demain. Ouais. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui sont mobilisés et ça fait vraiment plaisir quoi. Ça fait vraiment plaisir. Et nous, après notre but, bien sûr, c'est de développer un projet. Donc on va pas embosser 40 personnes parce que nous, ça reste dans l'idée toujours que c'est un jeu un peu indé, donc un jeu un peu d'auteur. Ouais. Mais notre but, c'est d'étoffer au maximum l'équipe ici, parce que voilà, le but, c'est de faire bosser les gars à La Réunion et comme j'aime bien le dire, rayonner à l'international, quoi. Alors, je suis d'accord avec Voilà. ça, et ça c'est quelque chose que j'entends très souvent. Et on a déjà eu quelques invités à cette émission-là, et c'est un sujet qui revient souvent. En fait, ici à Ouais, La ça Réunion, passe. le truc, c'est qu'il y a beaucoup de talents dans plein de domaines différents en vrai, hein, mais c'est juste que je pense qu'ici, les Réunionnais, ils ont besoin qu'il y en a un qui fasse le premier pas et qui y arrive pour se dire, ah, il y en a un qui a réussi, on peut tous le faire.
En fait, c'est ça le truc à la Réunion. Alors que les compétences sont là, tout est là en fait. Il faut C'est juste ça. un peu la lueur d'espoir, un peu quoi. Donc C'est ça. nous, on espère être cette lueur d'espoir. Après, on a pas la prétention de porter tous les espoirs locaux, créoles ici, mais parce que voilà, comme vous verrez, le jeu, il est un peu typé, un peu asiatique, parce que il est quand même ciblé pour l'Asie, parce qu'on sait aussi. Bon, moi, je suis hyper fan de bouffe asiatique hein, de base, hein, la base, mais. C'est un marché qui est hyper incroyable en fait, l'Asie. Pierrick, lui, il a été au Japon, il a été en Chine, il a beaucoup bougé. Et c'est vrai que et on a aussi des influences un peu à la Ghibli, donc tout ce qui est le voyage de Chihiro, Mononoke, ce genre de truc. Et nous, on aime bien faire ça, mais en remettant un peu la sauce, tu vois, notre sauce, refaire un réchauffé avec ça. Créole. Et c'est ce que je trouve super cool en fait ici, quoi. Donc, ouais, on espère que ça va passer. Et on a bon espoir. Ok. En termes de. Bon, là, comme. Non, alors, je tiens à préciser, hein, du coup, c'est la troisième édition de la Game Cup et c'est votre première participation. Donc, déjà, bravo, parce que pour une première Merci. participation, arriver en finale, je trouve ça top. Franchement, hein, je trouve ça top. On découvrira le jeu après. Maintenant, j'aimerais savoir, en fait. Comment vous avez vécu ça de l'intérieur? C'est-à-dire que là, vous êtes participant, donc vous avez le point de vue des participants. Est-ce que le jeu déjà, est-ce que vous avez eu des difficultés à le faire? Combien d'heures ça vous a pris? Est-ce qu'il y a eu des imprévus? Est-ce qu'il y a des choses? En fait, c'est ce qu'on aimerait savoir, nous, parce que on n'a pas ce point de vue Là, des le participants. croustillant du jeu vidéo, là, tous les fails qu'on a eus. Vas-y, je Alors, t'écoute. oui, en fait, tu as un peu répondu à la question. Il y a toujours, en fait, le jeu vidéo de base. Alors, déjà, tous les médias, tous les produits un peu créatifs et tout, voilà, on prend toujours un peu des murs, hein, peu importe où on se lance. Mais le jeu vidéo, en fait, c'est un truc, on peut avoir une super idée, on peut commencer à faire l'idée. Et on peut se rendre compte que le travail piègue de ouf, en fait, ça marche pas du tout, en fait. Donc, Ouais. Tales of Heaven, par exemple, à la base, le pitch était, t'sais, on joue un gars, il est avec son restaurant sur le dos, et lui va combattre la faim dans le monde. C'est qu'il y a des ennemis, c'est des créatures comme des ennemis, ils viennent et tu les totoches à coups de bouffe, en fait, tu vois. C'était ça le truc de base, en fait. Le Ouais. travail est devenu beaucoup plus poétique, le truc est devenu beaucoup plus mystique, il y a eu un scénario plus poussé, on a caractérisé plus les persos et tout, mais évidemment on a eu plein 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 de ratés à faire. En plus nous on a, vous verrez tout à l'heure, mais on a un jeu qui est pour le coup super original quoi, super original, ce qui n'est pas toujours une bonne chose hein, pour les joueurs en général, parce que les joueurs ils sont habitués à avoir un moule de jeu ou qui connaissent bien, ils connaissent bien les contrôles, ils connaissent bien comment ça bouge, ils peuvent un peu faire péter un peu le skill dessus. Et Ouais. il y a aussi beaucoup de joueurs, la plupart des gros gamers, qui aiment les jeux qui sont très populaires, parce que très populaire, évidemment, il y a plus de vues, etc. Mais il y a aussi voilà, tous les PES, tous les jeux de foot, les jeux de sport et tout, qui sont hyper intéressants. Donc nous, on est sur un jeu de niche, on pourrait dire. C'est un jeu vraiment de cuisine, sauf que ce n'est pas un jeu de cuisine, parce qu'il y a beaucoup de jeux de cuisine sur le téléphone. Ouais. Mais là, on est sur un jeu de cuisine sur PC, c'est assez exigeant et qui est mélangé avec un jeu d'aventure, quoi. Donc, pour revenir un peu à ta question, ouais, on a eu plein de ratés. Nous, ça fait 4 ans qu'on bosse sur le jeu. Ah Ça fait ouais. 4 ans qu'on bosse. Alors, attention, 4 ans, c'est pas 4 ans, je lève 8 heures, je travaille jusqu'à 18 heures et après, comme ça pendant 4 ans. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai travaillé sur une BD à côté, je fais de la prestation aussi, parce que je fais de la DA pour d'autres jeux. Ouais. Donc, c'est du 4 ans sur du temps, du spare time, du temps, C'est que tu peux quoi. ouais, dès que je peux, donc le soir et tout. Donc, ça, c'est un truc. Donc, tu peux faire plein de trucs sur ton temps perdu, c'est juste qu'il faut être vraiment solide mentalement. Parce que, disons que quand tu sors ton taf, parce qu'au final, moi, j'ai comme un taf au final, tu vois, quand tu sors du taf et que tu te dis, bah, ok, là, il est 20 h. Quoi fait là? On bosse 3 heures sur le projet jusqu'à minuit, tu vois, 23 heures. Et ça, pas un peu tous les soirs, tu vois, mais il y a eu des moments de rush un peu pour Ouais. pouvoir finir la démo potentiellement. Donc ouais, c'est ça. On passe par des phases qui sont pas hyper hyper faciles, mais au final, on arrive à un produit et à un univers qui est cool et qui commence vraiment à être réel, parce que là, on a fait un petit peu tester par des streamers et tout, et j'espère que tu vas kiffer, mais il y a vraiment, les gens se mettent dans l'histoire, les gens rentrent dans le train, tu vois, et ça fait plaisir, quoi. Voilà. Ok. Du Bah coup, du à coup ce cette sujet, est-ce que je peux en attends. profiter pour Vas-y, passer juste un vas-y. petit mot? Vas-y. Je me fais un peu d'autopub ce faisant, mais en gros, si vous voulez voir des streamers qui jouent en fait à Taste of Heaven, il y en a eu beaucoup dernièrement, des gens que j'ai raid, des gens en fait qui font partie de ma communauté sur Twitch.
En fait, voilà, n'hésitez pas, il y a donc Toto Roll Mob dans le chat, voilà, c'est moi. Et donc, si vous avez envie de lâcher un petit follow ou quoi, n'hésitez pas, vous pourrez suivre un peu comme ça l'actualité du jeu en temps réel. Et on s'éclate, hein. Depuis une semaine et demie, là, les cernes, elles arrivent jusqu'en bas du menton, mais on a beaucoup, on C'est a passé de clair. très très bons Toto, il moments. a ramené vraiment, vraiment plein, plein de streamers de qualité, quoi. Vraiment, les gars, ils étaient hyper motivés. Alors, c'est tous une bonne partie des joueurs de Binding of Isaac, donc il y a un super jeu, Et puis c'est un passé dans la super presse jeu qui est aussi. réputé pour être difficile. C'est quoi? Et c'est passé dans la presse aussi, parce que moi j'ai même vu ça dans la presse Oui. passer, la presse Ouais. locale. Donc c'est cool, ça, le son a bien tourné. Et j'espère que ça donnera envie au prochain aussi de se lancer. J'ai te poser une question sur ce que tu avais dit. Alors, quelqu'un qui me dit dans le chat, la voix de Thomas est un petit peu plus faible que tout le monde. Donc Thomas, il faut peut-être parler un petit peu plus fort, mais moi je t'entends bien, donc je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. D'accord, bah je peux me rapprocher du micro. Si je parle comme ça, je pense que c'est un petit peu mieux, mais. Là, je pense c'est mieux. Rapproche. J'allais dire à Rodolphe, cette phase-là où vous saviez pas trop vers quoi vous allez partir sur le jeu, ça a pris combien de temps ça? Où vous testez des trucs, vous vous dites non, ça c'est pas bon. Le moment pile poil où vous dites ah, c'est bon, là on tient un truc et là on y va, il s'est passé combien de temps de... Honnêtement, on a dû passer 2 bonnes années ou au moins 1 an et demi à avoir la première base. Et une fois qu'on a la première base, c'est-à-dire le premier stand, le premier client, les premiers ingrédients qui ont beaucoup changé, qui ont beaucoup bougé. Donc ça a pris au moins un an ou deux, quoi. Voilà. Après, on a eu 2 années derrière pour peaufiner la démo. Donc on savait où on allait. Mais par contre, je peux pas sortir une page Steam. Je peux pas dire aux streamers, bah les gars, vous pouvez tester mon jeu si le train il fait 5 minutes, quoi. Tu vois, c'est pas possible en fait. Tu es obligé de faire un minimum, quoi. Tu vois. Bon, là, non, on est allé beaucoup plus loin que le minimum parce qu'au final, on a à peu près 2 heures, 2 heures, un peu plus de 2 heures de jeu. Parce qu'en fait, finalement, on s'est emballé, on a fait un boss, on a fait plein de trains, quoi. Quoi, On a dans la démo que j'ai là, ça dure 2 heures? la démo. Alors, nous, on l'a fait en 2 heures, mais d'expérience, là, en regardant un peu les streamers jouer, c'est plutôt 2 heures et demie, hein, 2 heures et demie, Ah 3 heures. ouais, je pense que c'est pas si long. Ouais, non, mais en fait, Bon, si tu es obligé de tout faire, hein. Après, c'est juste, voilà, il y a plusieurs types de phases de jeu qui vont un peu aérer le gameplay, et il y a ouais. aussi un bébé de boss à la fin, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Je spoil un peu. Alors, est-ce qu'il y a une question du coup que je n'ai pas posée sur tout ce qui est production de jeux vidéo que tu aurais aimé que je te pose du coup, qui te semble intéressant à donner avant qu'on passe sur le jeu? Production de jeux vidéo, alors non, pas spécialement. Alors, nous, ouais, on est sur un jeu qui est, comme je dis, bon, un peu de niche, mais on est sur de la 2D HD. Donc, moi, c'est pour parler un peu de ma part en paroisse, on va dire. Tous les dessins sont faits à la main, c'est-à-dire sur tablette. Tout est animé avec un soft qui s'appelle le Spine. Et j'espère que vous avez aimé parce qu'on a mis, j'ai mis plein, plein, plein de temps. Parce que l'animation, c'est un truc qui peut être vraiment très cool, mais il faut vraiment passer du temps dessus. Et je pense que peu importe le type de média. Tu es obligé en fait de. C'est vraiment un truc qui est. Voilà, tu peux pas plus vite que la musique, quoi. Il faut prendre le temps d'animer les trains. Et voilà, donc sinon, non, pas plus de questions que ça, mais ouais, plus sur la production. Donc c'est vraiment de la 2D HD, c'est un style qui est assez rare dans les jeux vidéo. En général, on est plutôt sur des jeux 3D quand même. Parce que c'est plus facile à produire sur de grosses équipes. Ou sinon, si on a des jeux 2D, on est plus sur des jeux qui sont en pixel art. Donc pixel art, ça va vraiment être des jeux qui font un peu comme s'ils sont un peu rétro, quoi, un peu d'époque. Alors moi je vois une question quand même dans le chat qui parle de production de jeux vidéo, qui parle de alors crowdfunding, je pense dire crowdfunding peut-être. Yes. La question c'est est-ce que le jeu a été fait en crowdfunding? Donc à ma Alors non, le connaissance, jeu, du non. coup, le jeu n'a Parce pas qu'on été fait en peut. crowdfunding parce que du coup il a Alors, été est-ce qu'on peut décrire ce financé. que c'est que le crowdfunding? Parce qu'il y en a peut-être qui savent pas. Ouais, alors je vais faire un petit panel général. Alors le crowdfunding, c'est en fait c'est le, en gros c'est crowd c'est la foule et funding c'est financement. Donc financement par les gens en fait, bon, en gros. C'est-à-dire qu'au mieux de passer par des grosses entreprises qui vont payer pour faire le jeu, pour nous aider à faire le jeu, c'est toutes les petites mains, tous les gars qui vont suivre le jeu, qui vont donner je sais pas 5, 10 euros, 100 euros, tu vois, pour aider à faire le jeu. Et après ça va permettre d'avoir assez d'argent pour payer l'équipe de production pour que les gars puissent prendre du temps pour faire le jeu, voilà. Donc c'est de l'investissement en fait particulier, on va dire. Et donc nous, non, on n'a pas du tout eu de crowdfunding parce que c'est des donc pareil pour moi, hein, personnellement j'ose pas faire un crowdfunding si j'ai juste une idée, quoi. Tu vois, dès que j'ai une idée, je largue un coup de pète, je mets une idée sur un cahier, allez, on fait un crowdfunding, tu vois. Il y en a qui font ça. Moi, c'est pas trop mon truc, je préfère avoir un truc un peu poussé, un prototype un peu cool.
Donc non, ça n'a pas été fait en crowdfunding, ça a été autofinancé, Test of Heaven. Mais par contre, là où je rebondis sur le crowdfunding, c'est que la Game Cup, en fait, gagner la Game Cup, ça nous fait aussi gagner le premier prix, qui Ouais. est 25 000 euros, qui est offert par la Banque Postale, je crois. Enfin, je Ouais, crois que c'est ça, la Banque Postale. j'avais vu ça tout à Et l'heure. donc ces 25 000 euros, c'est pas genre ça va direct dans ma poche comme ça, c'est 25 000 euros qui sont mis sur une campagne de crowdfunding. C'est-à-dire qu'au final, à l'issue de cette Game Cup, en fait, on va faire un crowdfunding. Donc ça fait partie du deal, hein, en fait, avec KissKissBankBank qui organise la Game Cup. On va faire un crowdfunding et là, en fait, on pourra mettre à contribution les gens. Et ce qui est bien, c'est qu'on aura 25 000 euros déjà cadeaux en quelque sorte, qui seront offerts par en tant Oh, que c'est grand ça. prix, quoi. Et ça, c'est pas négligeable parce que, Voilà. alors, tantôt, à La Réunion et partout, hein, c'est pas que La Réunion, c'est vraiment dans le monde entier, dès qu'il y a un projet un peu sympa, il y a beaucoup de gens qui sont OK, en fait, pour follow, pour lâcher des likes, ou pour voter. J'espère que vous irez voter pour nous. Mais quand on parle de passer à la caisse pour vraiment aider financièrement un projet, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pas Même moi, je veux dire, c'est, j'ai pas de problème pour aller acheter trois samoussas. Par contre, pour donner 5 € à un projet, bah, je suis un peu réticent quand même. Et je pense que tout le monde est un peu comme ça. Et donc, ce qui est bien là, c'est que quand tu fais un crowdfunding, bah, tu dois quand même te dire, je vais fixer par exemple 30 000 euros pour faire le jeu. Et bah, il faut que tu trouves quand même 30 000 euros. Il faut quand même qu'il y ait, je sais pas, 1 000 personnes qui mettent 300 euros. Je sais pas si mon calcul est vrai ou pas. Bon, en tout cas, il faut que tu aies un certain nombre de backers, des gens qui suivent ton projet, qui vont mettre assez d'argent pour que tu arrives à la cagnotte qui était demandée. Et là, comme on a déjà, disons, j'ai gagné, hein, pas du tout fini, mais là, comme on aura déjà les 25 000 euros, potentiellement, c'est une campagne qui sera beaucoup plus facile à faire. Et nous, ça nous permet derrière, après, de demander des aides à la région, parce que la région Réunion, elle nous suit. Il y a beaucoup trop de sujets, mais la région Réunion nous suit à Oh, La c'est cool, Réunion vas-y. C'est depuis un cool, vas-y. moment, en fait. C'est qu'avec le collectif Bouffetang, nous, on travaille pour structurer la filière ici. Et grâce aux super équipes de la direction numérique à la région, on a créé des aides, comme les aides à l'audiovisuel pour les courts-métrages et tout. Nous, on a des aides au prototypage, on a des aides à la conception et on a des aides à la production. Et donc, c'est des aides qui vont, en gros, si tu mets 1 € sur ton jeu et que tu demandes une aide, eux-mêmes, ils vont remettre 1 € par-dessus. Donc, potentiellement, si on a les 25 000 euros ou un peu plus, bah, on peut aussi utiliser cet argent-là pour demander à la région de nous soutenir. Pareil, toujours, la région, ils ne soutiennent pas n'importe qui, ils soutiennent les projets qui sont intéressants et aussi qui vont embaucher des Réunionnais. Hein, c'est le seul intérêt, quoi. Donc, si l'argent reste sur le territoire de la Réunion. Donc nous, c'est voilà, c'est avoir les 25 000, doubler potentiellement, en tout cas en avoir un peu plus avec la région, et avec ce budget-là, payer des professionnels ici, des jeunes de Lillois qui ont du talent. Je dis Lillois parce que c'est ce qui est à côté de chez nous, mais en tout cas des gens qui veulent travailler dans cette industrie-là et qui sont bien ciblés pour notre projet, et puis développer le jeu sur une année ou selon le budget, bien sûr, parce que plus on a budget, plus on pourra faire des trucs cool. Moins on a budget, plus on va faire le minimum, on va dire, syndical pour pouvoir sortir le projet, quoi. J'ai répondu une question, mais j'en ai posé trois en même temps, Non, peut-être. mais c'est cool parce qu'il y a des détails, du coup, ça, on apprend des trucs, donc moi je trouve ça cool. Et du coup, je rappelle les trois, donc le premier lauréat dans ta catégorie, donc la catégorie newbie. Donc il y a les 25 000 euros, c'est grâce à la Banque Postale. Après, vous avez une campagne de pub dans Jeux Vidéo Magazine, Très joli ça. qui est quand même une presse assez connue dans le jeu vidéo, avec Momo, du coup, si je me rappelle bien du nom du gars. J'ai vu dans le jury, en plus, je crois que c'était Momo. Et un accès privilégié au plateau technique du CNAM. En juin, je sais pas, je prononce bien, de motion capture, son et salle de test en joueur. Ça, c'est Et le. plutôt pour les étudiants qui sont encore au CNAM, parce que le CNAM, c'est une école qui est à Angoulême. Ouais. Et le second lauréat, donc où il y a deux prix, donc le second lauréat c'est 7 000 au lieu de 25 000. Tu as quand même la campagne de pub du Vidéo Magazine et tu as pareil l'accès au plateau au CNAM. Donc c'est quand Yes. même des beaux prix, donc en espérant que les joueurs Carrément. vont plaire. Alors, je peux rebondir sur ce que tu as dit, ça te dérange pas. Vas-y. Les prix, tu vois, c'est bon. Évidemment, hein, je pense que pareil, toutes les industries, si on n'a pas d'argent, c'est difficile d'embaucher des gens, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est pas la langue de bois, c'est pas le plus important au final. Pour moi, le plus important, c'est aussi la com, en fait, parce qu'au final, Ça tu fait vois, de la je peux faire pub. le meilleur jeu du monde avec l'équipe ici. Je peux faire vraiment le meilleur jeu du monde. Si personne ne cause pas du jeu, en fait, eh ben, personne n'achètera le jeu, en fait. Donc la visibilité, elle est
quasiment aussi important que l'argent, même si évidemment sans argent difficile de faire grossir l'équipe, mais si on n'a pas de visibilité, même si on a un bébé de jeu, ça servira à rien. Donc y a là, même... gagner la Game Cup, c'est vraiment un gros coup de pub, un gros coup de spot en fait. Dans cette, vous imaginez, hein, là, il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins de jeux. Maintenant, il y a des jeux qui sortent tous les jours, des centaines de milliers de jeux qui sortent tous les jours, et des bons jeux, il y en a partout. Donc là, ce qui va être important, c'est réussir à gagner ce coup de projecteur là pour pouvoir être visible, même si c'est pas longtemps, pour dire ah, il y a un jeu qui existe, pour que les gars qui aimeraient ce jeu là puissent prendre connaissance que ce jeu là existe en fait. Donc c'est vraiment rencontrer nos joueurs, et ça c'est vraiment vraiment hyper hyper important. Donc c'est, t'as bien fait de parler des prix, parce que moi je parle direct le 25 000, mais en fait parce que on aime l'argent, normal quoi. Mais au final, c'est se faire connaître et connaître, que les gens connaissent le jeu, c'est hyper hyper important. Bah ouais, surtout le j'allais dire l'exemple le plus récent qu'il y a eu en ce moment au niveau jeu vidéo, c'était le jeu Stray avec le chat là. Et ça a eu une com de ouf. Bon, après, c'est même les gens qui ont alimenté la com parce qu'ils faisaient plein de vidéos et tout. Parce que c'était, bon, c'était le chat un héros, c'est normal. Et du coup, ben, ça a fait une com de ouf. Et je mets au défi quelqu'un qui aime les jeux vidéo qui n'a pas entendu parler de ce jeu-là. Donc, j'avoue, le côté coup de pub, il a son effet. Alors, je vais lancer le jeu. Note, si... Il a une note dithyrambique. Hein. Il a une meilleure note que God of War sur Steam, apparemment, je crois. Ben, moi, j'ai fini, moi, j'ai fini le jeu en plus. Le jeu, il est vraiment cool. Après, c'est vrai qu'il est un peu court. J'ai fini en une soirée. Mais il y a vraiment de bonnes idées. Je te jure, j'ai fini une soirée. J'ai fait un live dessus vendredi. Je suis parti manger. J'ai continué ma partie le soir. J'ai fini le jeu. Et j'ai pas fini. Bon, j'ai pas fait à 100 poissons. Parce qu'à un moment donné, t'as des trucs à récupérer dans le jeu. Je crois que j'ai fait à 77 poissons, les souvenirs. Mais j'ai fini en une soirée le jeu. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi 4-5 heures, c'est ça? Ou quand je te dis. Après quand je te dis une soirée, j'ai pas dormi tôt non plus, tu vois. J'ai dormi. 5-6 heures. 2-3 heures du match, je sais plus. Mais après, c'est des mécaniques, tu vois, c'est des mécaniques. Comme tu disais tout à l'heure, quand tu parlais de jeux pas forcément original, tout ça, c'est des mécaniques de jeu où moi, il y a plein de mécaniques que j'avais déjà vues dans plein d'autres jeux, tu vois. Donc, dès que j'arrive dans les phases d'énigmes, ben, mon cerveau comprend tout de suite, ah, il faut faire ça, faut sauter par là. T'as déjà fait, par exemple, t'as déjà fait de la filtration de Metal Gear ou d'autres trucs, tu sais que là, faut faire comme ça. Tu vois, il y a plein de petites idées que t'as déjà vues un peu partout. Mais je pense que voilà, son coup de pub, bah, le jeu il va faire un Stray 2, c'est bon, ça va partir. Et ben, vous faites pareil du coup. Donc je vais lancer le jeu du coup. Comme ça, on verra un petit peu le projet parce qu'on en parle. Stray, c'est son pitch. Hein. C'est le fait de jouer un chat là, ça a cassé Internet. Hein, je te dis. C'est intelligent quoi. Le fait sur de. Reddit, sur Facebook, tout ça, les gens ils voient un chat, ils mettent des vidéos de partout. Tu vois, tu as des chats, tout le monde est là. Oh, c'est trop mignon. Si, nous aussi on a des chats dans notre jeu, mais c'est des chats, ils sont alcooliques par contre. Je vous le dis tout de suite. C'est ça. Surtout, il y en a un derrière les poubelles, là, on le voit pas sous son meilleur profil. je ne précise pas ma pensée, vous le verrez par vous-même le jour, vous découvrirez le jeu, bien sûr. Alors, je mets le jeu. Alors, le jeu se joue clavier et manette. Alors, moi, je pensais jouer à manette, parce que, en fait, si je joue mode clavier, c'est un peu le mode Asian, quoi, c'est plus difficile. Quoi. Alors, on va passer en. Vous dites si le son est pas trop fort ou si c'est ok. Attendez, je vais baisser un petit peu le son. J'ai peur d'exploser vos tympans. Ah. Voilà. On a une question sur le jeu physique. Les éditeurs nous ont-ils autorisé à suivre au niveau jeu physique? Alors je pense que ça, c'est en fait c'est quelque chose qui intervient après, une fois que le jeu est déjà publié. Après, effectivement, il y a des possibilités de le faire, notamment par exemple, faut être sur une console par exemple. Donc déjà, première étape, ce sera d'être publié par exemple chez Nintendo, chez PlayStation. Et alors après, il y a des éditeurs qui font arriver ça. Ça peut arriver très rapidement. Mais par exemple, moi, mon précédent projet, c'est vrai que la Phenotopia, bon bah il y avait eu un éditeur qui était arrivé et qui a dit, je ne sais plus comment il s'appelait, mais le jeu s'est retrouvé dans les rayons du magasin d'où je venais à peine un an avant, très 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 vite quoi, très très vite. Alors je suis donc sur le menu principal du jeu. Donc alors avant de lancer le jeu, on va aller d'options. Alors, donc, comme il y a de la trad, évidemment, il y a du français, il y a de l'anglais. On l'a traduit vers l'anglais, mais du coup, j'ai relu le français, en gros. C'est-à-dire qu'il y avait tout ce qui est vérification, assurance qualité du texte, de la ponctuation, d'un certain nombre de choses. Bon, bah, je me suis occupé de ça dans la VF. J'ai rajouté quelques blagues là où j'en voyais qui pouvaient faire mouche et qui pouvaient être pertinentes, à mon sens, mais toujours en contact avec Pierrick. Pour vérifier que du coup ça correspondait bien à sa vision au niveau du scénario que lui-même avait. Un truc que t'as bien relu et que t'as vraiment bien su
vraiment mis en lumière, hein, c'est vrai. Ajusté, oui. C'est... Non, mais après, c'est la question de l'harmonisation. En fait, la traduction, c'est un boulot où il y a plusieurs passages qui se font. Dans un premier temps, bon bah c'est un truc très très inspiré, très intuitif, où vraiment on essaie d'avoir le texte le plus pertinent par rapport à l'image, par rapport au jeu, par rapport à l'atmosphère globale. Et en fait, après, on va avoir beaucoup de petites corrections, beaucoup de petites pattes de mouche, beaucoup de vérifications des commandes avec Alt plus 0, 160 pour les espaces insécables, pour faire qu'avant la dernière lettre de la phrase et la marque de ponctuation, la ponctuation puisse pas partir toute seule à la ligne, des petits trucs comme ça. Des petits détails tout à la fin. C'est agréable à lire, quoi. Oui, voilà, c'est des détails. Et ben là, il reste encore, par exemple, faut que j'en parle un petit peu aussi avec Pierrick, justement, dans l'intégration de certains mots de couleur qui proviennent, du coup, justement, d'une base de données spécifique. Faut arriver à remettre l'espace insécable derrière, sauf que des fois, ça peut bousiller la commande et tout. Enfin, c'est des trucs, faut vraiment entrer dans les détails. Mais alors, à la fin, il y a cette relecture d'harmonisation où là, vraiment, faut être calme, quoi. Faut attendre un petit peu avant de la faire, celle-là. On se comme prend la un petit prog. Café, c'est comme la prog. Bien. Voilà. Il ne faut pas être fatigué, il ne faut pas avoir faim. On va essayer de percevoir l'œuvre comme quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire qu'on essaie de voir ça comme si on n'était pas quelqu'un qui avait participé au truc. Et une fois qu'on fait ça, bah, c'est vraiment à ce moment-là que ça se fluidifie vachement. Il y a un mot anglais qui est valable pour parler des mécaniques de jeu en général, mais qui s'applique à presque tout l'univers du jeu vidéo, c'est « seamless ». Je veux dire fluide en français, mais en anglais c'est beaucoup plus parlant, parce que ça veut dire on ne voit pas les coutures. Tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'on voit pas les ficelles, en fait. On voit pas. C'est comme un pantin dont on ne verrait pas les fils. Il faut arriver à faire ce boulot de voilà, pour que le joueur puisse vraiment, pour que l'immersion soit possible, c'est important de voilà faire en sorte qu'en tant que spectateur, on puisse soi-même se laisser emporter par l'histoire. Il a vu qu'il manque un accent en résolution. Ouais, c'est ce que j'allais lui dire. Si tu veux donner une correction, il manque un accent en résolution. Si tu veux, on t'aide pour la prog. On t'aide pour la prog. Je vous cache pas que sur la relecture, c'était un travail assez. Enfin, c'était un travail autre parce qu'il y avait beaucoup de choses, justement, en fait, à corriger. Il y a eu pas mal d'orthographe. Et c'est vrai que comme dans certains cas ça va pas compter comme une faute, en fait, certains trucs, soit c'est le correcteur orthographique qui dit bah non, ça c'est pas une faute et il va laisser un mot parce que ça va être comme ça, soit ça va être que du coup c'était resté ça prenait les deux langues en compte ou des trucs comme ça. Honnêtement, il y a eu beaucoup de contenu, beaucoup de choses à voir, et en général, quand c'est comme ça, il reste toujours un ou deux petits trucs à la sortie, quoi. C'est ça, on va spoiler. En fait, il y aura des bugs, sûrement. Nous, on a détecté des bugs. J'espère qu'il n'y aura pas de bug manette, d'ailleurs. Mais il y aura aussi des petits problèmes dans le texte, aussi. Ce qu'il faut dire aussi que le jeu vidéo, c'est qu'il reste toujours des trucs à faire. Ouais, moi, j'ai pas lancé le jeu. J'ai juste lancé le jeu pour voir si ça fonctionnait bien. Mais j'ai pas joué au jeu, en fait. Dès que ça marchait, j'ai coupé le truc. C'est pour ça qu'il y a le bouton continuer qui est affiché en haut. Mais j'ai pas lancé de partie encore, donc je sais pas à quoi ça ressemble. Allez, bah c'est parti. Alors, avant que je lance le jeu, du coup, Taste of Heaven, ça veut dire quoi? Le goût du paradis? Ok, bon, allez, c'est parti. Donc, je vous laisse commenter. On va faire sauvegarde, parce que du coup, on fait une nouvelle. Du coup, je vous laisse commenter en même temps que je joue. Normalement, vous avez sur le stream, vous avez peut-être une seconde de retard ou quelque chose comme ça, mais je vous laisse. Voilà, par exemple, en fait, le cadre en français, le cadre de texte, il y a eu un retour à la ligne qui manquait, du coup, ça dépassait. Bon, voilà, ça fait partie des trucs. Après, de mise à jour en mise à jour, ça va de mieux en mieux. Une version démo, hein. Ça va. Oui, c'est ça, c'est ça. Et j'ai même, enfin, par là-dessus, en fait, le fait d'avoir des mises à jour à faire, apparemment, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué, c'est une bonne chose. C'est-à-dire faire des mises à jour, peut-être pas trop fréquentes, mais quand même un peu régulière sur un jeu, ça le remet en vitrine, en fait, sur Steam, c'est par exemple. Donc c'est pas un bug, en fait, c'est une feature. Mais... Voilà, je lance la partie. Allez, c'est parti. Alors, je vous laisse commenter. Okay. Donc là, on peut pas aller vers l'arrière? Que vers l'avant? Okay. Pas aller vers l'arrière, non. Ouais. Non, on a eu ce retour aussi. Voilà, on voit Pierrick là, du coup. C'est des jeux qui sont bien aussi pour les streamers, parce qu'il n'y a pas de doublage. Il y a des petits bruits, en fait, qui accompagnent le texte. Mais si on veut se livrer à l'exercice du doublage, c'est tout à fait profit à ça, quoi. Vraiment, on peut. Moi, je l'ai fait. C'est pas localisation. Anglais, mais... Alors, t'en as pas parlé, mais Thomas, je crois qu'il a une vocation cachée. Hein. C'est,
C'est doubleur, hein. Doubleur de voix. Avec son super micro, là, franchement. Moi, je dis, si on a vraiment du budget, il faut que tu redoubles toutes les voix, hein, c'est tout. Ah bah, écoute, parce qu'en plus, en anglais, là, moi, j'ai vu ses streams un peu en anglais, quand il lit les textes et tout. Alors, ça m'achève, oui, hein, franchement. Vas-y, je suis dans le monde direct, quoi. J'étais en train de regarder The Boys, alors forcément le personnage d'Allium, en fait, le petit oignon qu'on voit là à droite, c'est The Boys quoi, lui il est, c'est comment il s'appelle, Willy je crois, celui qui a la grosse voix et l'accent anglais là. Est-ce qu'on est mort? Ouais, on est mort? Ouais, désolé, le gamer. Du coup c'est par ici, de mauvaises herbes aussi. C'est fini, allez hop. Moi c'est très bon, et lui là c'est Zito. Alors les noms, je pense qu'il y a des petits canadiens, non? Je viens de net, espèce. Alors en fait, de les noms, ouais, c'est des vrais noms d'oignons, en fait. Parce que les persos, c'est les oignons. Ah, un peu fait, c'est des vrais noms scientifiques, des noms. Et un peu comme Dragon Ball Z, là, on met des noms de... Il y a drôle de bazar qui s'appelle l'univers. Kakarote. D'ailleurs, moi, très bon, je voulais l'appeler Johnny à un moment donné. Parce que de là d'où je viens, en Bretagne, en fait, il y a une variété d'oignons rosés, qui est assez connue, les oignons rosés de Roscoff. Vous pouvez trouver des paquets de chips, hein, ici, avec des oignons rosés de Roscoff, j'en ai vu. J'aurais été très content parce que, avec ma femme, en fait, on est parti visiter Roscoff, tu vois. Voilà, c'était comme des yabs, en fait, un peu, tu vois, genre, ah, trop belle et tout. Et en fait, il y avait ces oignons-là, mais ces oignons-là, c'est une tuerie molle. Hein. C'est super bon, ces oignons-là. Ah, les oignons de Roscoff, là, c'est un truc de ouf, hein, franchement. Hein. Bon, c'est une musique que je fais t'empêcher. Le côté itinérant, en fait, du coup, c'est drôle parce que le côté itinérant là du restaurant, bah eux, ils le faisaient aussi, les oignons, les bretons, allaient les vendre en Angleterre à vélo. Ils tressaient des oignons sur le cadre de leur vélo, ils prenaient le ferry pour aller en Angleterre, ils allaient vendre leurs oignons là-bas à vélo, quoi. Ouais, franchement, tu serais arrivé plus tôt, tu aurais dit, les gars, on l'appelle Johnny, je crois que j'aurais été dans ton équipe, je pense. Oh, après, c'est... très bon, c'est très cool aussi, parce que genre, il est très bon, tu vois, et c'est un oignon, c'est quoi, très bon, c'est très très chelou. Alors, mais on arrive maintenant. Mais l'animation est cool en plus, hein. Là-dessus, j'ai l'anime, je connaissais juste pas en fait, mais c'est vrai que c'est cool, ça lui va bien. En arrière, ouais, c'était juste pour l'intro, mais bon, après, il n'y a pas d'intérêt réel. Il n'y a pas de truc caché, comme tout le monde essaie de regarder dès le début. Mais par contre, dans le jeu final, il y aura un truc caché, hein, je te le dis, c'est sûr, parce que tout le monde repart en arrière. Vous avez des petits conseils dans le chat, là, je sais pas si vous avez vu. Il y a des gens qui vous donnent des petits conseils dans le chat. Fleur bleue fait très le God Warframe. Yes, l'oignon bleu du coup. Attends, secret du back office. Et petite correction. Ouais. Petite question. Ah oui, chargement, c'est peut-être sans aise vu qu'on met une seule. L'astuce. Oui, non, bah après, ouais, c'est ça. De toute façon, il y a des relectures. Enfin, il y en a déjà eu pas mal, mais effectivement, c'est important de les faire à froid, les relectures aussi, des fois. Et donc, quand il y a un petit rush à un moment donné. On n'a pas forcément le temps de le faire. Là c'est un peu couillon parce que ça a été un problème de date aussi. Genre j'avais prévu d'en refaire une toute dernière justement basée là-dessus. Et quand je les ai recontactés pour dire est-ce qu'on peut réutiliser la version la dernière version pour bosser pour faire une dernière relecture, Rod il m'a dit bah en fait c'est déjà parti à l'éditeur. Alors que ça devait être à peu près une semaine ou 10 jours plus tard et du coup la toute dernière je suis passé à côté. Mais bon voilà ça reste. Ils ok ouais. Quoi, mais c'est vrai que quand on va arriver sur la version finale, je vais largement, je vise le zéro faute. De toute façon, c'est ce qu'on fait. Le traducteur, le relecteur, c'est zéro faute. Sinon c'est mort. On n'y arrive jamais, mais dans notre tête, c'est ça ou rien quoi. C'est vrai que l'astuce, c'est rigolo, parce que quand nous on écrit les astuces, en fait, on a un doc où on écrit astuces, donc il y en a plusieurs. On met toutes les astuces dans une base de données. Et en anglais, astuce c'est tips, avec un X à la fin. Et du coup, c'est des trucs qui deviennent un peu normal en fait. Et oui, non, en fait, c'est pas, il y a pas de S en fait, mais il faut créer de la comme bouffe. Disait Thomas, c'est vrai, il faut vraiment faire ça à tête reposée. Nous, au bout d'un moment, on est tellement dans le jeu, on sait même plus si le jeu est piègue ou s'il est bien, en fait. Et pareil pour la relecture, quand on relit 15 fois d'affilée... C'est pour ça qu'il faut montrer aux gens. C'est pour ça que le tester avec des gens, c'est cool, parce que au moins, tu sors de ta bulle et eux, ils peuvent te dire « Ah, ça, c'est pas bon, ça plane. » Donc là, du coup, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire, il y a trois types d'ingrédients dans le jeu. Il y a les ingrédients qui sont salés, d'autres qui sont un peu plus doux, donc sucrés, et d'autres qui sont pimentés. Et voilà, donc après l'idée, ça va être de composer des plats avec ces ingrédients, et selon les types d'ingrédients qu'on va mettre, ça va créer plus ou moins des recettes, quoi. Donc on va essayer de viser de faire des recettes un peu... et surtout matcher les commandes, en fait, du... Alors ouais, donc du coup, par exemple, n'hésite pas dès le départ, tu verras que tes ingrédients, ils vont s'afficher à gauche en vertical.
La logique veut que, en fait, de haut en bas, l'œil il lit de haut en bas, donc on va chercher les trucs dans l'ordre, en fait. Bah, juste petit conseil, sois plus dans la découverte et essaie de les faire un petit peu dans le désordre pour voir. C'est ça qui va peut-être te permettre de découvrir des recettes. Et au fur et à mesure. Ah, ok, il faut tester des combinaisons alors. Ouais, après, on va essayer avec Thomas aussi de peut-être pas trop t'influencer aussi parce que. Mais on va pas te vacciner. Ouais, alors là, de la cuisson. C'est plutôt cool aussi, tu vois, que tu apprennes en fait à ce qui se passe, tu vois. Ce que j'ai compris, c'est que t'as des ingrédients salés, pimentés, sucrés. Et là, on parle de cuisson. Donc, pour l'instant, je sais pas, hein, mais là, ça me rappelle un jeu que j'ai déjà joué. Bon, c'est pas pareil du tout, hein, mais c'était Overcooked, où du coup, tu dois essayer de faire la bouffe, mais dans un timing précis, un truc comme ça. Je pense que je dis pas que c'est pareil le gameplay, mais je pense que ça se rapproche peut-être de ça. Là, on me dit si la cuisson est mauvaise. On a quelques atomes crochus qui est le stress. Le stress des clients quand il y en a trop. C'est-à-dire que Overcooked, c'est un jeu qui est basé sur le temps, un time-based game, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des jauges et on va devoir servir avant que les jauges se terminent, qui va peut provoquer un peu de stress. Alors j'ai une question du coup. C'est à peu près le seul truc qu'on a avec Overcooked notamment et après la nourriture. Alors j'ai une question du coup, c'est quoi en bas où s'écrit bouger LB et AB. J'appuie sur le pareil, ça c'est on n'aurait pas dû le mettre tout de suite, mais en fait après tu auras plusieurs places et tu devras bouger le client à droite et gauche. Ok, d'accord. Mais pour l'instant. Voilà, j'ai fait. Là j'ai fait, j'ai mis n'importe quoi dedans, je sais pas si c'est bon du coup. Non, je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense que t'as mis un de chaque, donc c'est ce qu'on a besoin au début, donc c'est ok. Mais là, c'est genre un tuto, du coup. Ouais, c'est on va dire que c'est les... Tu fais un peu tes armes pour bien appréhender le... Parce qu'on s'est rendu compte, hein, ça, c'est pareil, ça s'est arrivé au fur et à mesure de la production. On s'est rendu compte qu'au début, on débarquait, il y avait plusieurs clients, ils te demandaient plusieurs trucs. C'était complètement perdu, en fait. Donc, on s'est dit, ok, on va commencer avec un stand qui est plus petit. On n'a qu'une seule place, avec juste trois ingrédients pour donner le concept et habituer le joueur à faire des recettes, quoi, voilà. Là, c'est vrai qu'il y a un petit côté très japonais dans les décors. Alors, c'est quoi ça? C'est l'excès des ingrédients? Ouais, ça, c'est pour... Tu as une liste d'ingrédients, et à un moment, tu n'en as plus, en fait, donc il faut que tu en commandes, voilà. Et, tu peux en recommander maintenant, si tu veux. Ok. Là, pareil, je fais ce que je veux, du coup, là. Bon, je vais mettre sucré. Pourquoi ils foutent ça dedans, là? Ah, il me donne les trucs, là. Ouais, mettre sucré, ouais. Piment. Et quand la barre est vide, ça fait quoi? Il y a une barre qui descend. Hein. Il s'en va, le et client. Ben, je vais te laisser découvrir. Osmo potage. Alors ça, c'est marrant parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même approche. Pierrick, Rod et moi-même dans la relation en fait au créateur de contenu. Parce que pour eux, en fait, il y a énormément de valeur en fait à laisser effectivement chaque joueur créer sa propre expérience, découvrir en fait, parce que c'est beaucoup plus intéressant pour eux de voir en termes de mécanique, de game design, quelles vont être vos réactions en live en fait. Ouais. Alors que moi, du coup, quand je vois ça, je suis là en train de me dire bon, on va essayer. Par exemple, la commu d'Isaac, moi j'ai voulu qu'elle joue à Taste of Heaven, c'est des gens avec qui je suis assez proche et je m'étais dit bah voilà, je vais leur en parler parce que c'est des hardcore gamers. Et dès qu'ils auront compris comment ça marche, ils vont faire des réussites tout le temps. Et ça, mais les mecs qui mangent. Attends, j'ai une question. Les mecs qui mangent combien de plats? Ah non, ils vont pas les manger. Comment tu sais quand le mec il a le ventre plein? Comment tu sais quand le mec il a le ventre plein? Bah là, par exemple, celui-là, il te donne. Il a fait deux plats lui, celui d'avant. Ok. Il y aura des fois qu'il t'en propose. En fait, il faut que tu arrives à satisfaire les clients à 50% minimum. Sinon, ils sont pas contents. Mais tu peux me faire autant de plats que tu veux en fait, hein. Tu peux en faire plein si tu veux. J'avais pas vu qu'il se tripatouillait la flamme à l'intérieur avec ses bébés. Regarde, je sais pas. Tous les jours des animations, c'est beau. C'est marrant, ouais. Ben les gars, je pense que là j'ai un bug. Là j'appuie sur les touches et il se passe rien. Ah non, en fait, on regarde en bas de ta poêle, tu as déjà des ingrédients sont pleins. Ah ouais, je croyais que ça buguait. Mais ça, tu vois, ça c'est peut-être un petit manque de feedback. Ça veut dire que même quand le client il a pas bouffé, même qu'il est pas encore arrivé, je peux commencer à préparer des trucs alors. Exactement. Là, tu gères ton service, peu importe comment les gens ils arrivent. Mais tu vois, ça c'est un retour qu'on a souvent.
et qui est pas prévu quoi. C'est-à-dire que pour nous en fait on voit qu'en bas il y a des ingrédients, mais comme les boutons sont encore actifs, tu vois, bah tu te dis bah j'appuie dessus, il y a rien qui se passe, tu vois. Donc là il faudrait potentiellement cacher ces boutons là. Ah frère, en plein il a mangé un truc infect. Ah oui. Ouais, mais c'est... ça arrive. Ah, il va pas être content. Le seul truc, je pense. Ah, pourquoi t'as fait ça? Bon, tu fermes, tu vois, pour un instant. Il y a une pièce là, du coup. J'allais dire un truc en fait sur le dessus, mais je dirai après. Du coup, je teste avant, après, je dirai mes retours. Tout ça. Ben, elle va bouffer un truc dégueulasse. Hein. Bon, je vais retenter le truc piment sucré. Ça va le refaire un peu, tu vois, elle va revenir prendre sa baraquette. Enfin, sa baraquette. C'est pas vraiment sa baraquette, mais... C'est exactement ce que j'aime, moi, tu vois. C'est quand les joueurs, ils font leur petit trip, en fait. Genre, allez, voilà pour toi. Un petit ça pour ça. En plus, les gars, en plus, j'adore, ils appellent les ingrédients un peu comme ils veulent, tu vois. Il y en a qui appellent ça... Et du coup, pourquoi vous êtes parti sur un côté plus japonais et du coup... Je sais pas si après t'as mis des clins d'œil à la Réunion, genre est-ce que t'as mis des trucs en rapport avec la bouffe réunionnaise. Alors actuellement il n'y a pas trop de rapport, il n'y a pas de vraies recettes locales dans le jeu. Il y en aura à la fin, ça c'est sûr. Mais en fait à la toute base en fait nous on s'est inspiré d'un dessin animé qui s'appelle Le Voyage de Chihiro. Je sais pas si tu connais, c'est de Studio Ghibli. Si, Ghibli. Et c'est vrai que c'est un peu l'inspiration première. D'ailleurs, au début, c'était assez monteux. Notre personnage principal, notre client principal, c'était le sans-visage, l'espèce d'esprit qui te demande de l'or à chaque fois. Donc, c'était vraiment carrément un plagiat de ouf. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu rester sur cette vibe un peu Miyazaki, on va dire, dans les designs. Mais après, tu verras un peu, il y a des... Voilà, des... Moi, c'est... voilà, mon but, tu vois, c'est pas de faire... des ethnies, tu vois, de la Réunion comme ça directement, mais c'est plus d'infuser les personnages, tu vois, dans ce que moi je connais, de les camarades que j'ai de toutes les religions et tout, et de réussir à les retranscrire un peu dedans, quoi. Donc il y a plein de petits clins d'œil qui sont plus des privés jokes que plutôt des trucs complets, quoi. Mais on me demande souvent si un jour il y aura un Pamuso dedans ou des affaires comme ça. Franchement, au final, ouais, je pense qu'il y en aura. Au niveau de l'interface, ce qu'il y a en haut, à gauche, c'est le nombre de pourcentage de clients qui restent ou c'est quoi Ouais, alors en fait, en rouge, en fait, c'est la vie de ton stand. Donc le stand. Ah, okay, ça pète. Donc quand les gars ils pètent, en fait, ça pète la vie de ton stand. Et en vert, en fait, c'est le temps en fait de la journée qui passe, comme une horloge en fait un peu. Ah, ça c'est que je vois 1 alors. Et le 18, ouais, c'est quoi? C'est les pièces qui m'a laissé tout à l'heure. C'est les gold que j'ai reçu. Donc le but après, ça va être vraiment d'optimiser tes plats pour pouvoir faire le plus d'argent possible, pour pouvoir acheter après des objets que tu vas placer à la place dans des emplacements un peu vides là, aux quatre coins du stand. Et tu vas avoir ça va te donner des avantages. Tu vas pouvoir servir un petit rhum, un truc comme ça. Tu pourras utiliser des objets qui vont calmer certains persos. Voilà. Donc, après, il y a le côté un peu RPG qui se met en place. Quoi. C'est quoi tirer? Il y a aussi, tu vois, il y a écrit tirer. Bon, remplir, j'ai compris, c'est quoi? Et tirer, j'ai pas pigé, c'est quoi par contre? C'est écrit tirer. On n'a pas encore besoin. Pareil, ça, on devrait pas le mettre parce que tu n'en as pas encore trop besoin pour l'instant. Attends, mais en fait, tu as des clients en fait, qui sont un peu chiants et tu vas le voir assez rapidement. Tes clients peuvent commander des recettes spéciales. Il faut leur balancer des petits coups de canon dans la tronche, quoi. Ah bah là, mais ça, tu vois, ça apparaît, ça reprend un peu ce qu'il y avait dans Overcook, tu vois. Là, j'ai des recettes précises à faire. Ouais, exact. Ok, alors du bleu. Là, il faut aller un peu plus au mètre pour trouver. Et l'autre, c'est piment. Mido a tout compris. Un petit canon le rhum, vous montez la barre de. Il y a bouillabaisse. C'est ça. Petit canon le rhum. Et donc par rapport à la question de la bouffe réunionnaise, par rapport à la bouffe en fait moi je sais pas du tout comment ça va se passer, mais faut pas oublier que le jeu va évoluer en fait au-delà de son côté un peu linéaire pour le moment qui est là en fait on a organisé par exemple un truc avec plusieurs streamers parce que chaque expérience reste vraiment la même, c'est-à-dire pour l'instant c'est tous les clients qui arrivent
sont les mêmes, dans le même ordre, mais après, le jeu va avoir des générateurs de nombres aléatoires pour créer du roguelite, en fait. C'est-à-dire, il va y avoir des runs, il va y avoir la possibilité de rejouer différemment, des choses, en fait, qui vont s'intégrer pour être, faire partie du jeu, enfin, pour faire partie de la partie qui vont rester partie run après run, d'autres qui vont se réinitialiser. Et du coup, il va falloir probablement enrichir, avec les années, ce concept de roguelite et avec des contenus téléchargeables. Donc, je pense qu'un jour, oui... Après, est-ce que ce sera vraiment tout axé, enfin, je sais pas ce que vous avez en projet, mais est-ce que ça sera vraiment axé tout réunionnais ou est-ce que ça va juste aller vers d'autres... Non, le but c'est pas de rester à La Réunion, c'est au contraire, c'est de partir de là, c'est là où on est né, tu vois, mais après, c'est d'aller taper un peu tous les types de repas un peu intéressants. Après, il y a un truc qui est un peu compliqué, c'est que on est un truc un peu magique, un peu mystique, on a des ingrédients un peu bizarres et tout. Donc en fait, moi quand je crée une recette, en fait, je vais essayer alors ça se voit peut-être pas encore beaucoup, mais quand on te demande une recette, tu as des indices visuels quand tu vois l'image de la recette, tu vois, pour deviner ce qu'il y a dedans, tu vois. Et ça, du coup, c'est hyper important. Et ça me bride, moi, créativement, parce que, par exemple, si je fais un steak frites, en fait, tu vois, je peux pas changer la couleur de mon steak, par exemple, tu vois. Je suis obligé de la garder, par exemple, rose, tu vois, parce que le steak, il sera rose, par exemple. Et comme il faut que je fasse comprendre aux joueurs que le steak, il sera un petit peu rose, il faut mettre un ingrédient rose, tu vois, si je fais cuire le steak un peu marron, par exemple, la vraie couleur devrait avoir un steak, quoi, du coup, je perds le joueur, tu vois, dans l'idée, quoi. Comment ça va dire, le petit pain DLC pain américain, déjà vous c'est pas... Bon, j'ai fini la journée 1, ça me dit que j'ai fait en C, et ça me dit... C'est quoi ta taxe temporelle? Eh ben tu vas la prendre là, c'est après. Je te laisse découvrir, ça arrive. Pour l'instant il y a rien, mais après tu auras ta taxe. Bonus de rang... Pour revenir à ça, c'est vrai que les plats, bon, ils peuvent avoir des origines, tout ça, mais qu'ils ont un côté aussi imaginaire, puisque, comme effectivement disait Rod, lui qui crée les trucs, c'est-à-dire que le rougail saucisse, par exemple, serait plus, je sais pas moi, un rougail solstice, par exemple. Et du coup, ce serait un truc avec des saisons dedans, tu vois, solstice, machin, enfin, je dis ça au pifomène, mais tous les trucs, ils doivent avoir un petit jeu de mots. D'ailleurs, tu verras les jeux de mots qu'il y a. Alors, Pierrick, il a été incroyable avec ça. Il a été incroyable. Moi, il a sorti des jeux de mots, ils m'ont laissé par terre, quoi. Putain, mais il y a les impôts et tout dans votre jeu, et ils viennent me taxer et tout là. Connais, alors. Même dans les jeux vidéo, même dans les jeux vidéo, les impôts viennent. Pas de problème, j'ai appuyé sur le nez. Ah, ok, donc ça veut dire qu'il faut que je les paye, sinon je suis dans la merde. Yes. J'ai pas assez? Ah non, demain. Demain, c'est bon. Du coup, ouais, là, vu que, je sais pas si ça va commencer à partir tout de suite, mais je profite qu'il y a un moment là pour donner une impression. Du coup, qu'on a commencé la partie, et que j'ai lu le tuto, en fait, j'ai réussi un petit peu, au début, en fait, hein, j'ai réussi un petit peu au hasard, parce que, tu vois, quand on met les ingrédients au début, tu vois, on nous montre les touches, on nous montre le X, Y, B, mais tu vois, on nous dit pas qu'il faut appuyer sur... Enfin, peut-être c'est moi qui ai mal vu, hein, mais j'avais pas compris du coup qu'il fallait appuyer sur la directionnelle O pour mettre le truc dedans. Et c'est après j'ai fait au hasard et c'est tombé dedans du coup. Donc je sais pas si dans le tuto c'était écrit ça, mais j'avais pas... On a eu quelques streamers, très peu, parce qu'en général, souvent les gens qui jouent assez peu, ils sont restés complètement bloqués, genre j'appuie ça marche pas. Après nous, tu vois, c'est pour ça que par exemple, ce genre de détails, moi je préfère pas le dire. Parce que, en fait, quand tu joues à un jeu, en général, hein, si le jeu est bien fait, en fait, même si t'es en fait, c'est pas grave d'être bloqué dans un jeu, tu vois, pour moi, en fait, mon avis, hein, c'est que des fois, tu comprends pas, ça marche pas, c'est pas grave, en fait. Ce qui est important, c'est que tu dis, attends, ça m'intrigue, le train m'intrigue, tu vois, j'ai envie de comprendre pourquoi ça marche pas ce que je fais, tu vois. Et le fait de chercher toi-même et de trouver le train, on va dire le plaisir, la dopamine que tu vas retirer sera plus importante que si tu es parti voir un tuto ou si tu avais juste lu basiquement le truc, tu vois. Maintenant, si tous les joueurs disent les gars, je suis bloqué, tu vois, ouais, là c'est un problème, tu vois. Ouais. Mais jusqu'à l'heure actuelle, tous les gars qui ont testé, ils ont pas compris au début, ils appuient, après ils ont fait attends, ils ont touché la touche, ah ouais, ok, ça marche. Après, c'est bon, ouais. On sait que ça passe, tu vois. Ça, ce que tu viens de dire là, c'est un truc qu'on avait beaucoup dans les jeux rétro d'avant. Ou des fois, moi je me rappelle, il y avait des RPG que j'ai joué, style Breath of Fire, ou même des jeux d'avant, tu vois, où tu galères sur un truc, mais qui en fait est simple, mais comme on t'explique rien,
tu galères pendant 20 minutes et quand tu trouves, tu dis, ah putain, c'était ça. Mais ça m'est déjà arrivé, mais c'est vrai que plus. Ouais, mais c'est vrai que plus les jeux de maintenant que tu vois, plus le tuto, des fois. Moi, c'est vrai que c'est un truc qui me saoule un peu. Des fois, les jeux japonais sont comme ça. Ça m'est déjà arrivé de jouer à des jeux japonais où dès le début, tu vois, ils nous bombardent, mais il y a trop de tutos. Il y a trop de. Il y a trop de tutos, en fait. Donc, ils sont obligés de mettre trop d'explications. C'est assez imbuvable, quoi. Mais c'est devenu une sensation aussi. Enfin, ça s'est développé au fil des années vers du tuto, en fait, un peu inductif. C'est-à-dire, c'est en même temps que tu joues. Tu vas avoir une phase tutoriel, bah un petit peu comme avec le Poltergeist tout à l'heure. Tu vois, finalement, il y a quelques cadres de texte, mais pas tant que ça au final. Et ça s'intègre directement, ça te donne la... Ça te fait faire le truc en te disant juste appuie sur tel bouton pour faire tel truc. Par exemple, se glisser dans une interstice ou voilà, faire la cuisine, des trucs comme ça. Souvent, c'est en même temps que le gameplay quoi, que tu vas avoir les tutos en général. Voilà, du coup, j'ai deux. Certains le font de façon plus fluide que d'autres, c'est sûr. Il y en a. Là, du coup, j'ai deux. En blanc avec des pavés tout texte, c'est pas terrible. Là, du coup, j'ai deux plaques de gaz maintenant. Ok, donc du coup, chaque fois, ça va augmenter. Il y aura des trucs en plus alors. Ouais. Ok. Enfin, chaque fois. Ah, il y a un objet. Attends. Il y a un objet en l'air. Il y a un objet de roman en l'air. Ouais, je vais le trouver au pire. Je vais tester un peu. Alors, manger une question. Ouais, dis-moi. Qu'on m'a posé. Plusieurs fois, c'est les poltergeists, en fait, qu'est-ce qui définit la couleur de la petite flamme qu'il y a chez eux? Parce qu'on voit qu'ils ont tous une flamme, je crois qu'elle est rouge, au début, là, dans la queue, dans la file d'attente. Et à un moment donné, il y a une maman avec son marmaille, ils ont deux flammes de couleur respectivement différentes. Ouais. Est-ce que du coup, tu as déjà réfléchi à ça, par exemple? Parce que ouais. Moi, c'est une question que je me posais. Tu veux la réponse politique ou tu veux la réponse honnête? Je pense que j'ai la réponse honnête, mais vas-y, donne la réponse politique, ça m'intéresse. C'est que la couleur de la flamme définit en fait le temps dans lequel est passé le poltergeist en temps de réincarnation. Parce qu'en fait, c'est des corps temporaires, et donc ils ont eu une vie, tu vois, avec un truc. Et en fait, plus leur flamme elle est bleue, en fait, et plus ils ont faim. En fait, plus, en tout cas, ils sont, on va dire, ils sont là depuis longtemps. Maintenant, la véritable raison. Bah, je te dis la vérité parce qu'on est là pour parler franchement. Quoi. En fait, au début, on avait un poltergeist, mais on s'était dit ce serait bien qu'on ait des variations sur les poltergeists et potentiellement, il y en a qui soient plus vénères que d'autres, tu vois, il y en a qui aient plus faim que d'autres. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est comme c'est des persos qui sont. Donc, ils ne sont pas noirs de base, hein, c'est juste des esprits, en fait, c'est une sorte de matière noire, en fait. Du coup, je me suis dit, ok, on va faire des petites flammes différentes et au moins, dès que tu vois une flamme rouge, tu sais que c'est un poltergeist un peu classique, tu sais qu'il va être facile. Un poltergeist un peu jaune, il va être un peu plus vénère, tu vois, il aura un peu plus faim. Et par exemple, le poltergeist bleu, il va être un peu plus maigre et du coup, il va être plutôt affamé, il va être impatient, tu vois. Donc, c'était l'idée en fait de faire des levels, tu vois, par type de perso. C'est une idée qui a été complètement abandonnée au bout de 3 ans, je crois, tu vois, parce que c'était super chiant en fait. Et donc, au final, tous les poltergeists maintenant ont des âmes rouges, donc ça, c'est venu la base un peu. Classique des armes, tu vois. Et les personnages qui sont un peu spéciaux, comme Luno et Suno, qui sont nos deux petits poltergeists préférés, là, qui nous suivent un peu, et ben eux, ils ont des flammes différentes. Et concernant la maman et l'enfant au début, en fait, il y a 2 ans, j'ai pris des stagiaires, en fait, de Lillois, qui ont fait un super job, et en fait, et moi, je leur ai donné comme mission, en fait, de faire des versions différentes de poltergeists. Donc, en fait, ils ont pris ils ont pris la base du polter en fait et ils les ont déclinés en fait tu vois ils les ont déclinés en maman, en enfant, en mec qui dort, tu vois, et donc c'est ce qui a composé en partie la file d'attente des poltergeists. Parce que dans l'idée des poltergeists, c'est vraiment des corps temporaires qui sont habités d'âmes, donc les âmes c'est ce qu'il y a au milieu là, donc habités d'âmes en transit pour passer en mode en réincarnation, tu vois. Donc l'idée c'était qu'on avait un peu des différents quoi. Mais on n'a pas encore enterré l'idée d'avoir des polters un peu différents quoi. Mais la couleur des âmes, parce que l'idée aussi c'était que si c'était comme ça avec les poltergeists, il aurait fallu que ce soit avec tous les autres ennemis, tu vois. Par exemple, à un moment dans le jeu, on a des Oni, tu vois, donc ils sont pas dans la démo encore, mais ils vont être très cool. C'est des sortes de gros démons japonais là, ils sont dans Mastok, ils prennent 2 places, ils sont Gaïa. Et moi je les avais designés pour être à la fois, parce que des Yoni, il y en a des jaunes, il y en a des bleus, il y en a des rouges dans le lore un peu japonais, tu vois, dans le folklore. Ça va vite.
Et du coup, bah, l'idée, c'était voilà, de transférer ça avec tous les autres persos. Mais du coup, c'était un peu réducteur et on l'a pas fait. Quoi. Non, mais on, peut-être ça reviendra. Je trouve ça génial, en tout cas, parce que c'est, ça pose là, vraiment un questionnement. C'est-à-dire, je m'attendais à ce que la réponse honnête, ce soit, bah, en fait, j'en ai fait un comme ça, puis j'ai trouvé ça joli et je l'ai mis là. Tu vois. Et en fait, ça m'aurait plu aussi, parce que parfois, tu vois des trucs dans les jeux, tu te dis, bah, là, il y a une dinguerie, c'est pas possible, il y a un easter egg. Et puis, ben, en fait, c'est juste que sur une impulsion, le truc est arrivé. C'est... Enfin, au final, c'est ça. Hein. Au final, c'est Ludo et Sono, ils sont jaunes et bleus parce que c'était cool. Tu vois, et parce que c'était des persos qui sont différents des clients classiques, tu vois. Mais t'as donné une explication complète et vachement détaillée. Et c'est trop bien, en fait. Il y a trop de lore, en fait. C'est ça qui est bien. Le jeu a énormément de lore, vous allez voir ça. C'est-à-dire là, par exemple, vous voyez, c'est genre, ah, c'est marrant, on est en train de jouer. Mais il mange combien de trucs, lui ? Le personnel, c'est des oignons et tout. Et sauf que bon, bah vous allez voir après que c'est pas anodin et que c'est hyper poétique, en fait. Après, il mangeait, t'as comment il gros oiseau là. T'es pas plus que. En plus, on bat son vie, toi. Faut me d'ailleurs en consacrer. C'est parce que y a un ingrédient en fait que tu lui as pas donné au début, tu donnais du poisson, mais en fait c'était un. C'est le petit. Allez, bon, il est barré. C'est pour ça. Bah d'ailleurs, saké pour la fait, mais. Par rapport aux oiseaux. Je vais vous poser une petite question, parce que finalement j'ai été autorisé donc par le développeur qui avait justement, par rapport à l'idée de s'être beaucoup inspiré de Miyazaki, un petit complexe qui serait lié à un éventuel plagiat dont il n'est absolument pas question du tout en vrai. Hein. C'est vraiment une libre interprétation et beaucoup de nouveautés. Enfin, il y a vraiment beaucoup de nouveautés. C'est surtout de la nouveauté. Mais donc il y a effectivement des refs qui vont être assez évidente. Par exemple, je pense que vous avez remarqué que le feu, le petit démon enflammé, il rappelle aussi le château ambulant, Calcifère, tout ça. Et donc les gros oiseaux, à un moment donné, vous voyez celui qui s'appelle des gros tories là. Et on se posait la question de comment on va les appeler en anglais. Donc on avait souvent des petits débats comme ça sur un nom précis ou quoi. Et moi j'ai dit, bah écoutez, j'en ai trouvé un. Je suis sûr qu'il va même vous faire vouloir le changer en français. Parce que vous allez voir, c'est une dinguerie, c'est tellement cohérent que je trouve ça parfait. Et en fait, je vous laisse essayer de deviner ce que ça peut être le nom de cet oiseau. Sachant que gros tori, ça veut dire gros oiseau. Tori en japonais, ça veut dire oiseau. Qu'est-ce que ça peut être, un truc lié à l'univers de Miyazaki qui correspondrait à peu près à ce personnage ? Je vous laisse mettre ça dans le chat, donc toi-même, du coup, Stéphane, si t'as une idée ou quoi, n'hésite pas. Il a mis tellement coup sur votre idée. Viens, le bite sound vite. Mais du mal. Mais là, du mal. C'est le midi, là, le gars, c'est un market. Putain, ça va vite, me trouve un. Ouais, c'est. La gars, explosé. Sa mère. Putain, on aurait dû d'aller au bout de ça. Bon, mais regarde, un simonier quand même. Déjà, le fait d'avoir deux, ça va plus. L'éditeur, en fait, je crois que c'est pas encore au goût du jour. Mais pour ce qui est du coup des développeurs, alors tu as déjà un des game designers, des co-game designers ici, qui est donc Rod, avec qui on est en train de discuter. Et par contre, c'est vrai que le développeur du jeu n'a pas pu venir là ce soir, c'est Pierrick Cheminade. On l'a vu, enfin, tu pourras voir en fait sur la VOD, son nom c'est sur le générique, les crédits du tout début. C'est pas l'irage déjà avec les cuissons. Non mais la cuisson. Ah putain, le gros miel réuni. Gros là il a réuni. Ils sont ça. Bah même d'ailleurs ça qu'est l'instant parce que ça fout la mienne que ça. N'hésitez pas à voter pour nous hein, pour la Game Cup. On déjà le parti m'a pouffé là et le parti. De... Ça va. Allez, mon piment, bien que piment manger, hein. Les pois qui sont au bout, je pourrais bien pensé au Otari-sama, et c'est exactement la rêve d'ailleurs, c'était presque trop proche d'eux d'ailleurs. Il peut exploser. D'ailleurs, c'est une version un peu malbar du Otari-sama. J'ai fini par laisser la petite tache au milieu du front du perso. C'est un de mes persos préférés d'ailleurs, c'est un de ceux qui est le plus préféré des autres d'ailleurs, des gens en général. Bah, super, super rêve du coup, mais pour le coup, non, c'est pas dans ce film là, c'était autre chose. C'est pas celui-là, ouais, c'est pas celui-là. Un autre Miyazaki. Il a annulé que le deuxième, je vois, mais il enchaîne beaucoup plus vite que le début. Hein. Oh. Alors, je te donne bonne chance pour la suite, hein, parce que ça va s'accélérer. Il y a intensité, mais le gars il bat trop vite. Mon ça. Ah. Et en fait, ouais, en fait, l'effet fait stress à vous. Et il paye pareil, ça va. Ça m'est. Hein. Et il paye pas alors.
paye de l'argent, voilà, les gars. Reste au basket, ouais, c'est... Au Paris, ça m'a mal barre, du coup. Non, ça, non. Pas mal. Oh, mais il trouve plus de recettes depuis tout à l'heure. J'attends jusqu'à la fin du jour 2 pour dire, pour dire ce que c'était. Non, c'est un nom d'une créature dans un univers de dans un des films de Miyazaki, donc pas c'est voilà, pas dans c'est pas dans Spirit Away là, donc dans le voyage Chihiro, donc c'est pas dans celui-là, c'est dans un autre. Et en effet, moi je l'aime toujours ce nom. Mais c'était non, mais c'est simplement qu'en fait le nombre de refs à Miyazaki ne pouvait pas être. Attendez, il y a mon fils qui vient juste de rentrer, je reviens dans un instant. Pas de souci, je vais imiter ta voix. Le nombre de rêves de Miyazaki ne pouvait pas s'arrêter là. C'est pas non. Ça qu'il voulait dire, mais je continue un peu. Poupée Adelie, ma poupée Adelie. Oui, il gagne fait là-dedans. Poupée Adelie, les gars. Rescap, un jour, on aura un item. J'aurai un item, c'est une épice. Putain, mais tout le monde est plat, c'est pas possible. Mes barquettes sont-ils aussi nuls que ça? Tout le monde est explosé là. Il rentrait et qui me demandait si je savais que Pikachu était électrique. Ah, c'est une bonne info. Ah, il passe des bonnes questions quand même. Ouais, c'est important quand tu combats un Rakaiu, c'est important. Ah putain, le gros là, il est ruiné. Ah bah, clairement, ouais. Je sais plus ce que je disais. Mais je parlais de l'anecdote, du coup, j'essaie de donner un petit indice. C'est-à-dire que c'est lié au fait que le nom, il devenait un peu trop Captain Obvious et qu'en termes de référence, on arrivait dans le. Quelque chose de trop directement inspiré de Miyazaki, quoi. C'est-à-dire que quand l'hommage commence à se transformer en parodie, c'est vrai que c'est pas idéal. Donc c'est ce qui a fait qu'on n'a pas choisi cette traduction. C'est-à-dire que le terme, il est suffisamment proche du nom d'une créature de Miyazaki pour vraiment être trop évident, quoi. What the f... Stéphane, il c'est dur, hein. C'est un peu dur. Alors, non, mais en fait, le truc t'es bizarre, c'est que m'étais sur Cosmo Potage et j'en mettais à plus, t'es fait pas rien. Et c'est au bout de la troisième fois l'attraper. Je viens de voir qu'il vient d'avoir le bug du infect alors qu'il a fait un al dente là. Oh merde. Ah, c'était un bug ça là. Une fois, ah, ça non. Nous est arrivé. Non. J'espère que ça c'est vraiment un sale bug de merde. Vraiment, le c'est qu'en gros. J'ai plus de saké. Quand tu. Quand tu fais vraiment au milieu, normalement c'est al dente. Al dente c'est la meilleure cuisson. Ça c'est quoi? En général. Les clients, ils aiment beaucoup ça et du coup, ils te donnent beaucoup de pourcentage, tu vois. Mais là, il y a un bug qu'on a vu, c'est que si tu fais un al dente et ça fait une nourriture infecte, quoi. Il reste 1% là, donc... T'es encore allié. C'est quoi le truc du pistolet, là? T'en as deux? En fait, c'est sur les... What the fuck? Le pistolet, faut pas l'utiliser à tort et à travers. C'est que si tu vois un gros tori qui essaie de bouffer un de tes oignons... Ah, il peut manger... Ok. Ouais, là tu l'utilises, mais sinon ça va enlever des pourcentages, enfin ça va les faire vouloir se barrer plus vite, ça va baisser leur jauge plus rapidement en fait. Ouais, la main avant quoi, c'est... Du coup il te commande des ingrédients... Ah, Mido l'a eu, GG, alors là gros GG, Totori, absolument, c'était ça, tout à fait. C'était celui-là. Tout à fait, bah gros GG, félicitations. Ah oh, je suis content, les gens sont d'accord. Oh, les chauds, les gars, c'est vieux deuxième partie. Ah, Game Movie direct. Accès anticipé à vie, du coup. Oh merde. J'avais pas prévu de faire gagner des lots. Putain, t'es chaud. En plus, à chaque fois que je dis, tiens, faudrait faire gagner des lots, je dis, faut que Rod y fasse des dessins là et tout pour les gens, mais en fait, ça se fait pas de dire ça. Faut les artistes. Ah, mais repas, mon joueur. Putain, mais t'es chaud. Bon, attends, bien, on commence. Je retraille. Mon avis, ce qui se passe, c'est que, tu sais, quand t'as les persos qui débarquent là pour te voir, ils te commandent des trucs à gauche, il faut que tu fasses attention parce que t'ai vu un moment, tu mettais des poissons, tu vois, des léviathons. Tu mets des poissons alors que les gars te commandent pas de poissons, ils te commandent juste des Ah, il y avait une recette Il y avait une recette à un moment donné. Ah, j'avais pas vu. Ouais, il faut. En fait, le personnage qui est à gauche avec la bulle, en fait, il va t'indiquer les ingrédients que tu as à donner pour chaque perso. Mais même si tu bouges à droite et à gauche, il va quand même te donner, en fait, les ingrédients qu'il faut suivre potentiellement, tu vois. Donc, par exemple, quand la recette y affiche, c'est pour les deux, pour la gauche et la droite, ou on a une recette, que ce soit la gauche et la droite, on a des recettes différentes à chaque fois. Alors, quand tu affiches une recette, il faut que tu trouves les ingrédients un peu au pifomètre, quoi. Voilà. Donc, là, tu peux mettre un ingrédient bleu ou un ingrédient orange si tu en demandes un. Bah, allez, bleu retry. Ou un orange. Mais après, tu sais pas c'est lesquels, par contre. Il faut que tu essaies. Allez, je retraille. Alors, attends, j'ai juste un petit truc parce qu'il y a un débat intéressant là. Yami Mélancolie a posé une question.
est-ce qu'il y a des plaintes pour plagiat par rapport à Miyazaki, des trucs comme ça? Donc ça, c'est une bonne question par rapport au plagiat. Faudrait juste... en fait, il faut arriver à distinguer la distance qu'il y a entre une référence, qu'on appelle aussi un intertexte, avec du coup du plagiat. Le plagiat, c'est quand c'est vraiment la même chose. Genre, à un moment donné, il y a eu une histoire dans le monde du jeu vidéo où c'était... je sais plus, un truc que j'appelais genre Pyramid Valley, je sais pas quoi, de chez Zynga, qui avait été... c'était Pyramid City, et puis c'était exactement le même genre de jeu, tu vois. Et là, c'était vraiment genre copier-coller, mais en fait, pour une œuvre de l'esprit, pour vraiment dire c'est la même chose, genre moi, par exemple, même le nom de mon entreprise, qui s'appelle Transcreatis, à un moment donné, j'ai regardé, et au moment où j'ai déposé le nom du le brevet, j'ai vu qu'il y avait une autre traductrice qui avait appelé ça, je crois que c'était Transcreatia ou un truc comme ça, et elle utilisait presque le même jeu de mots ou machin, mais en fait, chez les brevets, ça va, quoi, tu vois. En réalité, tu peux pas, pour dire que c'est vraiment un plagiat, c'est faut que ce soit exactement la même chose. Ce jeu n'est pas un jeu qui reprend les tropes d'un jeu de Miyazaki avec son univers à lui. Ouais, il y a pas Chihiro là-dedans, il y a pas Totoro, il y a pas machin. Il y a une libre interprétation. Et la référence, par contre, tout le monde peut faire des références. Par contre, il y a un truc, je sais pas si j'ai la mettre, tu vois, mais tu vois les oignons. Les petits oignons, pareil, j'ai déjà vu le design de l'oignon, mais pas d'un jeu, tu vois, dans soit des emojis ou soit d'un dessin animé, je sais plus. Ouais, mais il me semble que j'avais. Je crois qu'il y a des émotes, je crois que c'est sur Messenger avant, je sais plus. Ouais, je crois que c'est des emojis ou des animés. Il y a des oignons qui étaient assez cool, que j'ai bien aimé. Alors moi, j'utilise vraiment jamais de référence, c'est-à-dire que moi j'ai designé des persos vraiment from scratch, tu vois. Mais par contre, ces emojis-là, je les connais bien. Je les connaissais bien parce qu'elles sont super cool là, les petits oignons là, elles sont vraiment marrantes. Et ça a dû m'influencer, je pense, ouais, potentiellement quoi. Mais après, comme je vous dis, moi, en général, je prends pas de rêve précise pour un personnage quoi. Et ils peuvent devenir vraiment cool en fait pour des chaînes Twitch par exemple, tu vois, c'est idéal quoi de faire des emojis avec ça, parce qu'effectivement après quand sur Twitch tu peux faire connaître le jeu aussi en bonne partie comme ça. Hein. Genre si les gens ils se mettent à utiliser tes emojis et qu'à un moment donné Il y a un streamer qui dit ouais, ils sont trop cool les oignons, vas-y, je vais mettre mes emojis comme ça pendant un moment. Qu'après, il les garde un peu sur sa chaîne pendant un mois ou deux. Finalement, il se dit tiens, vas-y, je les garde. Et là, du coup, tu verras tous les gens qui sont abonnés à sa chaîne qui vont envoyer des emojis de partout. Enfin, ça peut faire monter la mayonnaise comme ça aussi. Hein. Maintenant, c'est marrant. Je pense qu'on passera un temps ensemble pour que je te file qu'on fasse des emojis ensemble, si tu veux, pour que je te les file sur ta chaîne. Et puis, on verra comment on va répondre à ça, ça va être cool. Voilà. Bon après moi je suis pas Mister MV, hein, c'est sûr, tu vois, donc ça va pas partir en mayonnaise comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est le but, c'est d'arriver à ce que quelqu'un réutilise un peu le même truc. Du coup, je sais pas trop comment on pourrait faire, mais. Toto, je regarde un peu la partie de Stéphane là. J'ai l'impression que il faut vraiment que tu suives les ingrédients. J'ai l'impression que tu mets pas mal d'ingrédients qui demandent pas, tu vois. Et, ben, ah bon? Ouais, en fait. Il y a mangé pourtant. Il y a mangé. Parce que tu lui files, en fait, il a mangé en tous les cas, tu vois. Mais voilà, là oui, là il y a la recette, mais là il y avait pas. Alors quand tu découvres une recette, en fait, il te l'affiche en fait. Si tu l'as jamais faite, en fait, il te l'affiche pas. Mais là dans ce cas-là, tu vois. Là oui. Est-ce que tu l'as j'ai peut-être un délai là. Je sais pas si tu vas la trouver ou pas. Ouais, tu l'as trouvé ça. Mais là c'est pas des recettes là. Là c'est le nombre de trucs que là, non. Là t'as eu le Apple Grid. Là c'est une recette spéciale, ça par exemple, tu vois. Et maintenant, quand on va te demander un Apple Grid, ben, tu vas avoir tu vas avoir les ingrédients qui correspondent. Et donc, par exemple, là, moi, je suis un peu décalé, du coup, mais il y a un polter qui demandait trois poissons, trois cosmonautes et une pomme. Ok, donc tout ça, c'est des recettes, alors. Donc là, c'est pas des recettes, c'est des orders, c'est des commandes, en fait, tu vois. C'est ce qu'ils veulent manger, en fait. Et l'oignon, ils te disent ce qu'ils veulent manger, tu vois. Moi, je croyais que le recette, c'est que quand t'avais les points d'interrogation et que ça, c'était genre... le nombre d'épices qui te restaient, en fait. Ah, ok, d'accord. Non, c'est pas ce qui te reste, ça, c'est vraiment ce qu'ils te demandent, eux, en fait. Ah, ok, mais j'avais pas compris ça, tu vois. Alors, tu peux influencer le score, parce que, par exemple, quand tu atteins 100%, voilà, no spoiler, mais je sais pas, il y a eu un... Il y en a eu un ou pas, ouais, là, j'ai pas encore pas vu. Encore, ouais. Mais, en fait, le but, c'est d'arriver au score maximum, en fait, avec ce pourcentage. Donc, quand tu vois que tu peux... faire une recette que tu connais parmi les ingrédients qui te sont proposés dans cette petite liste à gauche, et ben du coup tu peux le faire. Là par exemple, si tu fais une pomme et une noix, tu sais qu'il y a une petite recette toute bête qui marche, et ben tu peux faire ça. Là t'as qu'un seul client,
t'es tranquillou bilou, tu fais ça, ça va donner plus de points à ta recette si tu fais, bah, notamment si tu fais un bon score, mais dans tous les cas de figure. Et donc essaie de retrouver des recettes dans les choix d'ingrédients qui te sont proposés en fait. Un gros layer, oui. Voilà, t'as fait un boel dente, mais tu lui as fait un, tu lui as, alors c'est ah ouais, vous avez vraiment les trucs. En décalé. Il y a une stratégie quoi. Ah, il y a un petit décalage. C'est au moins 30 secondes, une minute de délai, non? Ah d'accord. Ouais. Attends, je vais recharger la page pour voir. Ouais, peut-être moi aussi. Hop. Deux. Même ça va avec des ouf. C'est pour ça en fait que tu, c'est pour ça que tu, ils explosaient tous en fait. C'est que toi tu pensais que c'était les ingrédients restants. Ouais, moi je pensais. En fait, du coup, tu mettais un peu de tout en fait. Tu vois. Ouais, du moi coup, je pensais, c'est ça. Ça hein. prenait trop de temps. Je pense que là, ça ira mieux. Moi, ouais, en fait, c'est que les recettes, c'est que quand t'avais. D'accord, là, c'était les deux gros théories de tout à l'heure là qui m'avaient venu avec, tu vois. Ouais. Après, ça, c'est un feedback qu'on a déjà eu quand même. C'est que le fait que la commande soit toujours basée sur l'oignon, donc c'était vraiment volontaire pour qu'on ait vraiment un œil toujours à gauche pour voir les commandes. Mais des fois, ça peut nous influencer dans le mauvais sens parce que des fois, on a plusieurs clients et on sait plus c'est qui a commandé quoi en fait. Donc, c'est ça que c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, et puis je trouve qu'en fait le truc c'est que c'est vrai que ça va, bah enfin le truc c'est que c'est vrai que ça va vite comparé à la première partie, mais je trouve que ça va, tu vois. C'est juste que j'avais pas bien compris moi du coup les histoires de recettes là. Merci Yami. Heureusement qu'on était là, hein. Peut-être que t'aurais rage quitté sinon. Non, bah j'aurais retry du coup, je pense que j'aurais retry, c'est tout. Ah, mais après tu vois, c'est là la frontière est fine, tu vois. C'est entre ah putain, j'ai pas compris, j'aurais try, tu vois, et ah ben là ça fait trop chier en fait, parce que là la différence qu'il y a entre les jeux d'époque qu'on a joué et sur lesquels on s'est cassé les dents, mais qu'on a kiffé parce qu'on a, réussi à tryhard le jeu, et la différence entre ces jeux là et les jeux de maintenant, c'est que les jeux de maintenant en fait, si t'en as marre de Tales of Heaven, tu te barres et tu as des milliers de jeux autour, tu vois ce que je veux dire. À l'époque t'étais baisé avec ta cartouche, t'avais ton jeu. Tu étais en week-end chez ton père, t'as pas le temps de faire autre chose, il n'y a rien à faire, dehors il pleut, ou t'as pas de transport, tu peux pas rien faire, donc tu étais bloqué avec un seul jeu, donc t'étais obligé un peu de tryhard, tu vois. Maintenant, de nos jours, si les gens ils ont pas envie de tryhard, bah, ils quittent, ils vont ailleurs, tu vois. Après, bon, ça c'est le... Mais après, je pense que c'est parce que j'ai joué, moi, du coup, au jeu rétro d'avant, du coup, moi, j'ai plus dans la mentalité je retry que je m'énerve, tu vois. Je pense que la génération de maintenant, s'il y a une trop une grosse difficulté, c'est bon. Partent, quoi. Mais après, ça dépend. Je pense que la composante roguelite, justement, elle redonne un petit peu de peps au Dion Retry. Ouh, le 14 spégayé. T'as tellement mangé le bon, 14 spégayé, frère. Voilà, le Taste of Heaven. Alors. Ah, voilà, donc ça, c'est tout le concept du jeu, c'est-à-dire que si tu vas aller. Tu vas tellement satisfaire un client en fait en faisant des super recettes précises, il va aller avec ses demandes, il va aller au-delà de 100%, et aller au-delà de 100%, il atteint le Taste of Heaven, c'est que le goût est tellement bon, le gars pète un câble quoi, et là il te donne un paquet de thunes. Ah, ça me rappelait mon gars ça en plus, tu vois, il y avait mon gars comme ouais. Ça, Food Wars, ouais. Quoi. Ouais, il y a Food Wars, mais il y a aussi, alors c'est pas plus cette génération là, il y avait aussi le petit chef, je sais pas si tu te rappelles ça. Ouais, le petit chef, ouais, je connais ça. Ouais. Ça fait partie des trucs que moi je voulais absolument mettre. Alors, je trouve que c'est pas encore assez présent. J'aimerais encore l'accentuer un peu plus, tu vois. Mais ce côté, le gars fait un plat, il dit oh, il a fait un plat, j'ai goûté, oh, et les gars ils tripent dessus sur le plat, tu vois. Et le gars, les vêtements ils déchirent. Tu sais, d'avoir une sorte de défoulement visuel, tu sais, alors que le gars il a juste kiffé le plat, tu vois. Mais ça, c'est un truc que explosé que ta mère. Ah bah y a des Taste of Heaven qui sont bien goldés, hein, je trouve. Franchement, moi je crois que mon préféré c'est du... Bon, enfin on l'a pas encore vu, mais le Crapula. Sweet Cosmos. Lui il fait jaillir du bonheur de partout. Bon, on finit le jeu à deux là, non? Alors là c'est... Bon, on va passer. Sweet Cosmos c'est deux ingrédients. Vous bien fini travail, ça peut y arriver direct. Philippe Aouin. En plus le gars il a vraiment une tête de chiasse, tu vois. La DA était bonne sur lui. Ah bah c'est pour ça que j'avais fait C au début, comme tu dis, hein. J'avais pas fait les recettes. Tu vois,
jour 2 A, tu vois, c'est nickel. Là. Parce qu'en fait, c'est ce qui m'a embrouillé, c'est qu'au début, dans le tuto du début, on te dit au début, fais tes combinaisons pour trouver tes recettes. Et à un moment donné, on te dit, il y a des clients qui vont venir, il y a des recettes spécifiques. Et là, il y avait des trucs avec des points d'interrogation, tu vois. Donc c'est ça, en fait, qui m'a embrouillé, et c'est ça qui fait que j'ai compris, moi, qu'au final, bah, tu peux faire un peu ce que tu veux comme plat. Et seulement quand tu as les points d'interrogation, c'est là que tu fais des recettes précises. Et je pense que si vous m'aviez pas dit, j'aurais peut-être pas compris ça, tu vois. Non, mais c'est vraiment une bonne. Moi, je croyais que c'était le stock qui te restait en épices. Mais c'est vrai que c'est pas cohérent parce que j'en ai 4 du coup là. J'ai deux d'ingrédients bleus et ils s'affichaient pas du coup. Donc c'était pas les stocks. Mais je pense qu'il y a. C'est une bonne remarque hein, parce que c'est pas la première fois que je vois des mecs un peu bloqués comme ça. Il y a peut-être des solutions, tu vois. Peut-être mettre sur toute la colonne à droite dans l'ombre là, de mettre tes stocks qui restent. Peut-être que si on t'affiche les stocks, peut-être que du coup tu vas moins te rendre compte que ça c'est tes stocks, tu vois, si t'as un autre endroit où tu vois tes stocks. Et puis après, il y a aussi. Évidemment, les codes colo, les codes couleurs ou les trucs comme ça qui peut-être posent problème. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la prochaine version qui sera peut-être un peu plus roguelike avec beaucoup plus de rejouabilité, on se tâte à faire des clients qui débarquent qui te disent bah vas-y, moi j'ai faim quoi. Tu vois, c'est à toi de deviner vraiment tout ce que tu veux. Tu leur fais ce que tu veux. Il faudra juste pas leur faire ce qu'ils aiment pas. Tu vois. Non, tu fais des modes différents. Sinon, tu fais des modes différents. Ça, à mon avis, on va travailler sur des modes un peu différents pour voir c'est lequel qui est le plus intéressant. Il y a un truc dans le fait de l'action. Je sais pas si j'ai pas fait attention du coup, mais tu vois, par exemple, quand tu demandes du nouveau stock d'ingrédients, le temps s'arrête. Donc tu peux mettre ton stock et j'ai remarqué que les barres s'arrêtent. Mais quand tu utilises des objets, par exemple le saké qui était en haut, est-ce que le temps s'arrête aussi ou pas? Le temps se ralentit vraiment beaucoup quoi. Il y a une sorte de slow motion, mais par contre le temps ne s'arrête pas complètement. Parce que là en fait tu dois appuyer sur la gâchette pour activer la roue, tu dois appuyer sur la directionnelle pour aller sur le bon objet, tu dois valider. Et du coup j'avais l'impression que le temps, déjà ça va super vite tu vois. Donc si t'as pas la bonne combinaison, ça stresse un peu, tu fais tac tac, ah merde. Je pense qu'à terme ça c'est, l'effet du temps ralenti, si tu le revois tout à l'heure, il est vraiment cool parce qu'en plus les musiques, moi j'entends pas parce que j'ai pas les sons du stream, mais les musiques moi je les trouve super cool. Mais quand tu bloques le temps en fait, les musiques s'arrêtent un peu quand tu mets pause par exemple. Donc il y a des trucs un peu comme ça qui sont assez sympas. Ouais. Mais oui, peut-être que bloquer le temps ça peut être une solution. Après je sais pas, c'est un truc aussi que je peux. Peut-être qu'il peut être cool, peut-être vous l'avez déjà fait aussi. Hein. Mais tu vois, par exemple, quand il y a les mecs qui viennent, ça peut aussi jouer dans la difficulté. C'est-à-dire que, imaginons, tu fais les plats, genre t'as des PSO qui débarquent, mais c'est une histoire en fait. Genre, dis une bêtise, hein, imaginons, il y a deux PSO qui arrivent, et ils font une fête, enfin, ils sortent d'une fête, ils discutent d'un truc, et dans la discussion, si t'as pas capté un indice dedans pour le plat, et ben ça foire ton truc. Ça pourrait être cool aussi, ça, tu vois. Ça t'oblige à lire. C'est une super idée. Ça t'oblige à lire le truc, à faire les plats. Et genre, si t'as zappé ce qu'il a dit et il t'a dit par exemple, ah, j'aurais bien mangé un truc pimenté, et ben du coup, tu foires le truc. Ça pourrait être. Mais là, je parle à un niveau difficile, tu vois, parce que c'est déjà chaud, tu vois. Vraiment de cette façon-là, mais ça existe. C'est-à-dire, par exemple, les gros tories, il y a des moments où t'as des recettes à leur faire faire avec des points d'interrogation et tu sais pas du coup ce que ça va être. Et donc, t'as le choix entre la cosmonaute ou un œuf. Ouais. Bah, du coup, tu peux pas lui donner un œuf à bouffer parce que c'est un oiseau, tu vois. Ouais, il veut pas lui. C'est un peu cannibale et ça l'énerve. Et donc tu as une logique en fait à ce niveau-là. Tu l'as aussi dans les recettes avec, comme Rodolphe expliquait tout à l'heure, les petites les miniatures que tu as au-dessus de la recette. Et t'as quand même t'as des petits indices visuels. T'en as pas partout, mais après effectivement, comme tu dis, ça peut être systématisé encore plus. Ouais. Mais c'est plus ou moins présent déjà d'une certaine façon, quoi. Ouais, en fait, c'est une version un peu édulcorée qu'on a fait. Mais ce que tu dis là, c'est un truc qu'on a vraiment considéré cette option là, parce que on voulait faire vraiment des persos qui arrivent sur le bar et qui te causent direct, tu vois. Ça, tu vois, c'est vrai. Imagine déjà, c'était hyper compliqué de suivre le train si en plus tu dois lire. C'est pour ça que je te dis. Moi, je pense que tu peux le mettre, mais à un niveau très avancé, tu vois. C'est quand vraiment, c'est pas le début du jeu, tu vois. C'est un petit peu phase avancée où les gars. Il y a déjà beaucoup de mécaniques et t'es censé dire aux joueurs, attention, là c'est un gros niveau qui commence. Ça pourrait être cool. Et surtout, une remarque encore que je trouve cool, tu vois, c'est qu'au début du jeu, on a vu le gars, alors si j'ai bien lu, il me semble que c'est ça, mais le restaurant, il portait sur son dos. Donc ça veut dire que potentiellement,
si le jeu, vous faites des suites ou je sais pas d'autres choses, il peut déplacer le restaurant où il veut. Et du coup, tu peux changer de décor aussi. Tu peux amener d'autres choses, je sais pas. D'autres ambiances, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est cool aussi, tu vois. Alors là, ce qu'il y a dans la démo, tu vas le voir, c'est qu'on va bouger d'endroit, on va bouger, ça va se passer. Ah, ok. Mais ce que tu dis, c'est cool parce que c'est ce qu'on aimerait faire pour le côté roguelike. C'est-à-dire que là, actuellement, on a un nombre de niveaux bien défini, tu vois. On a plusieurs villes et tu peux bouger de ville et après, tu as la boss et ça finit, tu vois. Mais à terme, ce qu'on aimerait faire, Il y a c'est des tu boss sors ton là-dedans? sac à dos, tu as une carte où ça tu barres, tu vois. Ok, bah là je vais à telle place, là je vais à telle place, tu vois. Ok, bah là je vais à telle place parce que je sais que il y a plein de clients qui sont pas mal, tu vois. Donc que tu aies un peu plus de liberté sur où est-ce que je vais aller pour aller faire à manger, tu vois. Donc ça c'est un truc qui va être mis en place, je pense, pour la prochaine version. Mais que tu Ok. verras que là déjà que tu vas pouvoir un peu bouger en plus, même si c'est un peu scripté, quoi. On va dire c'est plus un peu linéaire, quoi. Ouais. Alors c'est comment encore pour regarder l'inventaire? C'est quoi le bouton? Alors c'est en bas, c'est écrit c'est LB et RB si tu changes en fait. Bon, il y a aussi à la souris bien sûr, mais à la manette c'est RB LB. Bon, je teste un coup. Comment je quitte là? Comment tu quittes le truc? Attends. Donc là tu vas droite et gauche pour changer les endroits. Donc tu as le marché où tu peux acheter les ingrédients, tu as le Ah ouais. magasin où tu peux acheter les objets et l'inventaire où tu vois ce que tu as équipé, quoi. Ah Tout ok, ce qui on est à peut gauche dans acheter le magasin, aussi. c'est des boissons et c'est des consommables dont tu dois utiliser. Et ce qui est à droite là, c'est des. Alors pas tous, mais la relique et les yeux de Shinigourmet Gourmet par exemple. C'est des passifs. C'est-à-dire que c'est des objets qui vont te donner des buffs un peu passifs. Et tu peux voir un peu à quoi sert chacun des gâteaux ou chacun des trucs, quoi. Du coup, j'ai des clients qui vont être sous. Le gâteau tellurique, ça Et annule en fait, si tu donnes l'ivresse. trop à boire, en fait, ils deviennent sous, en fait. Tu l'as pas encore testé parce que t'as pas Ah. beaucoup donné à boire, parce que c'est un truc qui est assez Ah puissant, ouais, c'est que c'est en. dès que le gars il a plus de patience, tu lui mets un rhum ou un truc à boire, tu vois, bah, le gars il patiente plus longtemps, tu vois. Sauf Ok. si tu fais ça trop longtemps, les gars ils dorment après, tu vois. Alors la liqueur, ça Logique, hein. provoque une C'est hâte. logique, hein. Tu Le peux saké, consommer ça l'alcool avec ralentit. modération. Et la fée, ça Ça répare serait le marrant, stand. par exemple, tu vois, à un moment donné, de faire soit une mini phase, soit un mini boss, ou un truc comme ça, où justement tu dois Ouais. gérer l'éthylisme du personnage sur une certaine durée, tu vois, pour une raison X ou Y. Et comme ça, du coup, ça permettrait de faire comprendre que Et justement un gars cette bizarre. utilisation des boissons, moi je sais que j'utilise que les, enfin, il n'y a Ah, pas encore vu le truc, mais plutôt les passifs pour les calmer passifs, les ouais, gens, moi tu vois. aussi, ouais. Mais du Ah, coup, là, les les crapules, là. potions. Hein. Ah, c'est les Ça bouquins marche. du jeu, hein, je te dis tout de suite. Hein. Ben, elles sont peut-être mieux, hein. Ouais. Ah, Elles oui, sont c'est les vieux bouquins du jeu. peut-être. Je déteste ce personnage-là, du coup, je La l'adore. DA, la DA, la DA est bien fait là-dessus, j'avoue, parce que Mignon. les... Ils sont pas encore arrivés, le client, tu vois déjà, par exemple, le gros, le de gros poussin jaune là, tu vois déjà, il allait être chiant, et lui, sa tête même, quand il est arrivé dans le coin là, et on comprend Après, déjà là, qu'il va reste être Mido, mais un kappa. plus doué pour les nettoyer. Des fois, je C'est. viens qu'à passer dans One Piece, moi, dans l'Aquano en plus. Puis, bon, il ressemblait pas à ça, par contre, hein. Il était plus costaud. Doué pour le nettoyage, pour les relations humaines. Ils ont une fâcheuse tendance à subtiliser la nourriture qui passe à leur portée. Ne mange pas de chocolust. Empêchez-les de voler des plats. Il faut lui tirer dessus en plus. Quitte sa mère. Alors, je vais te laisser voir tester tout seul, mais après, si tu bloques, on t'aidera. Mais Ok. tu vas voir, c'est assez rigolo. Ils ont déjà des têtes d'enculés, quoi. C'est ouf. T'es langue! Eh ben, il vole vite! Putain, mais c'est un C'est rigolo. enculé! Alors, ouais. Mais. Bah, je te laisse gérer ce service et après, on t'aiguillera un peu si tu bloques. Et C'est comment ça qui est drôle aussi. t'as même pas le temps de. Ah, j'ai un autre ingrédient, j'ai même pas vu. T'es des minutes, hein? Priscas, Priscas! J'aurais dû tirer dessus là, non? Oh putain, j'ai plané. J'ai plané. Un gros lie. On va lui donner. C'est le plus chiant.
traduction créole du jeu quand même. Ce serait tellement cool. À vous. Ah oh bah oui, je pense qu'il faudrait. C'est encore même mieux si t'as des voix. Encore même mieux si t'as des voix. C'est clair, t'as des voix, c'est top. Mais les voix, en fait, le problème, c'est que c'est très cher. Très très cher. Bah, je pense vous connaissez Lionel Dary. Il y avait une fois, on l'avait en émission, et j'avais vu une des vidéos d'un vieux jeu qu'il a fait, tu vois. Ah, le gros, attends, il y a l'espèce de maître qui est revenu là. Et il avait fait un jeu, tu vois, où. T'étais sous, et tu devais rentrer ta case sans faire de bruit. Et il avait vu des voix créoles, ça me faisait trop rire, tu vois. Bah, ouais. Alors, si on l'a vu avant-hier. Un petit instant pub, parce que bah, Lionel, du coup, on le connaît très bien. Il fait partie du collectif aussi, on le voit assez régulièrement. En fait, ce jeu-là, moi, c'est un peu l'anecdote. Le gars qui a fait les voix, c'est un très bon pote à moi. Il s'appelle Stéphane Payette. C'est un acteur maintenant, il fait de l'infographie. Et il a fait. Maintenant, il est beaucoup plus dans le théâtre et dans l'acting. Et en fait, ce jour-là, en fait, Lionel t'es venu avec son jeu et il a dit bah écoute, si tu veux, je fais les voix et tout, tu vois. C'est lui qui a fait. J'étais chauffé en fait et il avait son matos et tout, hein, son micro et tout. Et le gars il a fait les voix du coup du jeu là, mais c'était tellement drôle, on n'a pas pu travailler de l'après-midi quoi, de l'après-midi, j'en pouvais plus quoi. Stéphane était en quête. Le chien et tout. Mais c'est exactement ça même que j'ai entendu. Je ne veux plus quoi, je te jure. Et ce jeu, je trouve que c'est dommage parce qu'il a pas eu beaucoup trop de visibilité. Mais putain, il était trop drôle. Ah, ça faisait rire. Tellement bon potentiel là. L'espèce de gars qui veut rentrer sans se faire opérer par sa tantine. Ça, c'est trop cool. Alors, quoi. Faire d'une pierre deux coups là, parce qu'avec avec tout le monde là qu'on a contacté finalement. Puis là avec le geek Ali qui arrive aussi, je veux dire pour remonter la mayonnaise sur le truc réunionnais. Il suffit pas d'une fois, ni de deux, ni de trois, mais au bout d'un moment, quand les gens ils ont vu un truc passer, revu un truc, puis au bout d'un moment ils disent ah tiens c'est vrai, il y avait ça, ça m'intéressait, mais j'étais pas forcément allé dessus ou quoi. Franchement ça ici, ça peut avoir du succès. Hein. Ça peut, Lionel, hein, il s'appelle Drunk Comedy, je crois. Attends, je vais le mettre dans le chat. Comedy, c'est ça qui répare le truc là, je m'en rappelle plus. C'est là qui répare le stand. J'avais vu des bouts, mais justement, tu vois, c'est que ça, j'ai complètement. Qui répare le stand, c'est le truc rouge, mais je crois que tu l'as perdu parce que le poussin, ce qui est chiant, c'est que quand il te tape le stand, il fait tomber tes items. Putain, mais c'est chaud. En fait, c'est chaud de viser. De... Oh putain, je peux y aller alors. Ah, le kit sa mère vient. Ah, il y a deux, putain. Deux chasses. Ah, donc je mets dans le stade à Drunk Comedy, je crois que ça s'appelle. C'est le jeu de Munzu là. C'est vraiment très drôle, je vous invite à tester. C'est gratuit, je pense. C'est pas grave s'ils volent du coup. Parce que. Bah ouais, ce qu'il faut faire, alors, t'es un petit peu, mais. Comme tu sais qu'ils volent les plats, en fait, tu peux servir l'autre sur la place de l'autre, tu vois. Donc tu peux regarder la recette et servir sur l'autre, quoi. Mais il y a un ingrédient que j'ai pas là, non ? Ouais, tu l'as pas pris. Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est un raté qu'on a aussi dans le design. Il fallait l'acheter avant ? En fait, il est gratuit, en fait, et donc il faut l'acheter. Et c'est vrai qu'avec Toto, on a remarqué qu'il y a pas mal de monde qui oublie de l'acheter, parce que comme les magasins sont un peu difficiles à naviguer dedans, ils oublient, en fait. Donc là, lui, tu pourras pas le contenter. Donc il y a assez peu de chances que tu survives à cette histoire-là. Je suis désolé. En fait, c'est marrant. Ouais, il y avait un YouTuber que j'avais contacté, du coup, puis je voulais faire un petit peu la surprise de sa vidéo quoi. C'est pas grave parce que c'est un presque journaliste en fait pour Nintendo tout ça, et il avait fait une vidéo du coup sur le jeu, puis quand j'ai regardé le truc, effectivement il était resté bloqué par ça dans sa vidéo, du coup bon, un petit peu dommage. Après, sur une demi-heure de gameplay, il avait quand même pu faire des trucs, c'était super sympa, mais après pour moi c'était la seule personne. Je crois que pendant le beer storming aussi, il y avait je sais plus si c'était Kali ou Linky qui à un moment. Peut-être Cassie qui avait eu mal avec Cassie, ça. Cassie, elle avait oublié de... Elle n'a pas pris. Hein. Cassie, donc là, dans les marchands, tu vas voir le marchand rouge, là, qui a un Oni. Et normalement, t'as des trucs qui sont à zéro, là, donc tu peux les prendre. Ça coûte pas. Et là, faut que j'appuie sur quel bouton, là, parce que... RB ou LB, pour bouger à droite et gauche. Ok, mais tu vois, ça, c'était pas écrit, du coup. Et c'est écrit en bas, en fait, bouger, mais ça peut pas assez clair. Non, en fait, c'est où tu aurais dû le mettre, le EABLB, LB, c'est à côté du mot marché et magasin. Comme ça, quand tu lèves les yeux et que tu vois le mot marché et que tu vois le bouton à côté, bah, tu sais que ça correspond à quoi. Mais ils sont pourris, ces magasins-là, ils sont un peu c'est pas très clairs, quoi. C'est l'œil de Sphinx qui est gratuit. Il y a un petit côté, moi je trouve qu'il y a un petit côté quand même vraiment RPG. Justement, tout le menuing, tout ce qui se passe en bas pour moi, là,
il y a un potentiel RPG et il y a déjà énormément d'ergonomie, quoi. C'est-à-dire que le côté, on s'en rend pas bien compte, mais rien que la façon de cuisiner, pour moi, c'est très proche des combats aléatoires un peu qu'on a dans les Final Fantasy ou les trucs comme ça. Sauf qu'au lieu de faire ça du tour vite. Par tour pur avec juste du menuing où on, voilà, où on sélectionne, boule de feu, machin, bah là, du coup, on le fait, mais vraiment essentiellement avec les joysticks et on effleure à peine les boutons pour faire des recettes, des trucs, donc c'est comme si c'était du temps réel aussi. Et pour moi, c'est hyper intéressant. Et le fait qu'on se retrouve avec un menuing classique aussi bah dans le shop, du coup, juste après, juste à la fin. Bon, ce menu-là demande à être un petit peu, à avoir une ergonomie au moins aussi fluide que l'autre. Ouais. Mais en vrai, pour moi, c'est déjà presque parfait, quoi. Il y a un autre truc aussi, par exemple, pour passer le jour, tu vois, tu dois appuyer sur X, parce que on voulait pas appuyer sur A, parce que A, c'est pour valider ouais. les objets. Mais en fait, ça, pareil. On a hésité à mettre hold, tu sais, genre laisser appuyer le X, tu sais, pour démarrer la journée. Parce que par exemple, il y a des gens, ils misclickent, quoi, tu vois. Ils misclickent, t'oublies d'équiper tes objets, par exemple, t'appuies sur X. Après, t'es baisé toute la journée et tu vas gagner le coup, tu vois. Et du coup, tu vas rager sur le jeu, en fait, tu vois, obligatoirement. Parce que, bah, c'est un peu de ta faute, mais bon, bah, c'est comme ça, quoi. Mais ouais, c'est marrant cette histoire de trucs de mec bourré, tu vois, genre avoir un micro-event un peu aléatoire qui pourrait arriver dans le roguelite avec, en fait, avec, tu vois, un peu comme le truc dans Cuphead, là. Comment ça s'appelle? Tu sais, le truc avec Calice, mais dans la version pas DLC, ce qu'il y a avant. En gros, un truc où le gameplay reste plus ou moins le même, ça utilise la même mécanique, mais d'une façon totalement différente. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Après, je sais pas, hein, si c'est... Il y a un micro-respi, mais concentré. Hein. Non, pas quand même. Concentré, parce qu'il est là. Ah, tu gères super bien, là, c'est bon. Hein. Ouais, mais en fait, c'est ça. Moi, en fait, je pense que c'est parce qu'il y a des... C'est parce qu'il y a des composantes, en fait, que j'avais pas pigé, en fait, tu vois. C'est que l'histoire de recettes de tout à l'heure, là, tu vois. Et puis, il y a le stock aussi, il faut regarder. Ce que tu disais tout à l'heure avec les composantes qui existent déjà, et ce que disait aussi Thomas, c'est que... le jeu, en fait, il est vraiment hyper original sur les mécaniques, ce qui peut être vraiment très cool quand tu la comprends, mais par contre, pour tout maîtriser, ben, tu repars des fois un peu de zéro, parce que c'est des trucs que t'as pas vu ailleurs, tu vois. À part les jauges, comme dans Overcooked ou ce genre de truc, mais il y a quelques trucs que tu connais pas. Ben, c'est vrai que j'ai pas joué de jeu, moi, qui ressemble à ça, en vrai. J'ai pas souvenir d'avoir joué à un jeu qui reprend ce gameplay-là. Après, je sais pas s'il y a des jeux qui existent du même genre, mais moi, j'ai pas joué, en tout cas. Mais moi je trouve que c'est essentiel justement de laisser des parts d'ombre en fait, des trucs compliqués. Pour moi la meilleure chose qui puisse arriver à la démo, c'est que les gens comprennent pas tout en fait. Parce que c'est beaucoup plus prometteur pour le roguelite d'avoir des mécaniques qui se développent et qu'on comprend sur le tard. Et qui crée un vrai potentiel de rejouabilité, wow, sans que pour autant ça soit impossible de gagner. Tu vois, là du coup, si tu fais que des excellents, si tu utilises bien globalement... les recettes, si t'arrives normalement sans objet, tu peux arriver à finir la démo. Mais du coup, arriver vraiment à avoir cette émergence et se dire au bout d'un moment, quand ça va devenir dur, il va falloir composer avec ça, il va falloir jongler avec d'autres trucs. Tu vois, c'est comme. Je suis d'accord. Hein, le roguelike, pour moi, si on devait comparer, c'est un peu comme le jonglage. Tu vois, le jonglage, au début, tu jongles avec 2 balles, après, tu jongles avec 3 balles, après, t'apprends à jongler à une main avec 2 balles ou avec d'autres machins comme ça, tu vois. Et ça reste des balles, tu vois. Ça reste des balles, c'est juste que tu les utilises pas de la même façon, et puis qu'au fur et à mesure, bon bah quand ça devient de plus en plus complexe, tu débloques aussi de nouveaux niveaux, peut-être de nouveaux ennemis. Dans Isaac, c'est ça, c'est une horreur, c'est au fil de ton Dead God, tu as des... À un moment donné, je me souviens, t'en as un, c'est Something Icky. Alors là, ça veut dire un truc dégueu, et c'est un boss. Bah le boss, il apparaît à un moment donné, et en vrai, il te pourrit tes runs pendant un certain temps, quoi. D'accord. À un moment donné, tu as je sais plus quoi, et vu le truc, t'as les chevaliers de l'apocalypse qui débarquent et qui remplacent certains boss de temps en temps. Et tout le temps, t'as un amoncellement de tout petits trucs qui arrivent les uns après les autres et qui se juxtaposent pour créer l'expérience de jeu finale. Celle sur laquelle les gens strickent le jeu et passent des milliers d'heures en fait. Il y a un truc que j'aime bien là, ce qu'il a fait Stéphane là. En fait, le poussin, il était à 2 doigts de l'attaquer. Et ça, c'est un truc qu'on a vraiment volontairement intégré, c'est-à-dire qu'il allait t'attaquer, et en fait, les animations d'attaque, elles sont vraiment volontairement longues, c'est-à-dire qu'elles prennent un temps pour charger, du coup, ça te fait monter la pression, ouais. Et quand tu arrives à cuisiner pile au moment avant qu'il t'attaque, et que tu te sors vraiment de la merde comme ça, c'est hyper, hyper satisfaisant, ça fait vraiment trop plaisir. Ça fait genre, c'est le timing de ouf.
Est-ce que ça a été implémenté récemment ou c'était déjà là quand j'ai... T'es hâte de voler Samir. Ça a toujours été là, ouais, ça a toujours été là. En fait, bon. Quand t'as testé... Ah, peut-être la première version que t'as testée, peut-être pas, je sais pas. Mais, je pense que c'est ça, parce que j'avais du mal justement avec certains trucs. Moi, c'était le in extremis. Parce que du coup, il y avait des moments où j'étais vraiment sur le fil du rasoir, tu vois. Voilà, j'arrivais à faire monter la barre, par exemple, jusqu'à 50%. Et à ce moment-là, le 50%, enfin, ça c'est un autre truc, mais le 50%, il était négatif. Et le mec était vénère quand tu lui filais 50. Alors que là, maintenant, c'est 50, c'est vert. Du coup, tu vois, t'as quand même le strict minimum. Ça passe. Et sinon, quand tu avais donc l'animation, donner un truc à la toute dernière minute, alors que l'animation était déjà commencée, moi, ça marchait pas, ça foutait le truc juste devant. Puis là, je dis ça, mais Stéphane, il vient de se taper deux crapulas et il a fait deux in extremis, mais trop tard, quoi. Donc, c'est aussi. Ça peut être aussi rageant, hein. Ça peut être aussi rageant, quoi. Moi, ce que j'aurais aimé aussi, c'est que ce côté in extremis, il fonctionne aussi avec les boissons. C'est-à-dire que si tu vois qu'il était trop dans la merde, tu fais un LT et tu leur files une boisson. Tu vois, et c'est un truc qui va aller hop, qui va aller bloquer pendant un petit moment. Mais le truc, c'est que ça arrive à la fin de la jauge, t'es mort. Mais le truc, c'est que des fois, en fait, t'es tellement à fond sur les recettes que t'as pas le temps de dire, allez, je vais mettre un objet pour le caler ou faire un truc, tu vois. Ça va peut-être m'arriver si je vois que la jauge est trop faible, mais t'es tellement concentré sur la bouffe que des fois, en plus, sachant que les objets, il faut aller dessus, puis à la roue plus directionnelle, des fois, tu dis, bon, je rush les aliments en premier, peut-être ça va passer, tu vois. C'est clair, c'est clair. Là, tu vois, le gros Tori, il t'a bouffé un oignon, tu vois, là. Je sais pas si t'as vu. Non, t'es bien. Il est en train de le mâcher, là. Ah, trop tard. Bon, là, j'avais un petit lag. Ça, j'ai jamais utilisé, par contre, les pistolets, là. Bah, je passais, là, non? Là, c'est bon, t'es passé, ouais. Mais en fait, il a réussi à te manger un petit personnage qui passait, en fait. Ça fait quoi, quand il bouffe un perso? Et bah, en fait, t'as moins de personnages qui ramassent l'or après, et tu en as un peu besoin, de ces petits personnages. T'as aussi moins de personnages pour recharger des ingrédients, aussi. Donc ça, c'est un peu embêtant. Faut avoir des yeux de caméléon, hein. Faut avoir des yeux de temps, un qui veille le truc et un qui veille en haut. Ouais, non mais c'est vrai que après, vraiment, t'en veux pas, hein, parce que c'est vraiment... Non mais c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui jouent pas les items, parce que t'es tellement pris c'est dans ça. Le train, genre, pour juste supporter la charge mentale de servir à manger à tout le monde, que t'as pas le temps de te dire, je prends l'énergie d'appuyer sur la gâchette, ah, c'est trop tard, tu vois. Ça, c'est un dératé, peut-être, du jeu. Mais après je dis pas ça genre comme un reproche, parce que moi je sais que c'est une bêta, tu vois, donc je sais qu'il y a des trucs à améliorer et des choses qui vont bien, des choses qui peut-être sont améliorées, et du coup moi je dis tout ça exprès, comme ça du coup ça vous fait des critiques et ça vous sert pour améliorer après, tu vois. Mais je suis conscient, parce que moi j'ai jamais fait de jeu. Enfin si, j'en ai fait un quand j'étais étudiant, on devait faire, tu vois, c'était à l'époque où on lisait encore Flash, tu vois, c'était encore super loin, ActionScript et tout et compagnie là. Et on avait fait un jeu, ouais, le TP, je crois, on devait faire un jeu ludo-éducatif, donc c'est pour les jeunes enfants. Et on avait fait un jeu pour apprendre à compter, donc j'avais fait tout ce qui est animation et visuel. J'avais mis des pièces de Kingdom Hearts dedans, et il y en a qui faisait de la prog. Et je sais du coup qu'on faisait le truc au début, et on était, nous, tu vois, on n'a pas 5 ans, on n'a pas 3 ou 4 ans, tu vois. Donc, du coup, on était dans notre truc, et après, on a fait tester par un enfant, et dit, ah ouais, putain, là, t'as le vrai retour. Tu dis, ah ouais, ça, c'est pas bon, en fait. Donc, c'est vrai que c'est cool d'avoir, tu vois, ces retours d'autres personnes qui sont pas dans la bulle, justement, et qui peuvent faire le. Ça, c'est super important dans n'importe quel projet multimédia. Donc, faut pas hésiter à les collecter, quoi. Et là, il y a de plus en plus d'items, je vois, en plus, là. Il y a une bouteille en plus, là. Une bouteille de piment chinois. Mais moi, ça m'aurait fait kiffer, tu vois. Imagine après, tu vois, ça peut, tu dis ça, mais ça peut vous aider, tu vois, comme vous voulez du financement aussi. Si le jeu il a beaucoup de succès, par exemple, tu vois, il y a deux émissions de ça, on avait reçu Stark, qui est un mangaka réunionnais, et tu vois, lui par exemple, il est en partenariat avec Limonade Côte, donc ils font un partenariat avec ça. Et tu vois, comme vous, c'est un truc sur la bouffe. Moi, franchement, je kifferais si un jeu, votre jeu, il a du succès, et que, je sais pas moi, celui qui fait les bouteilles de piment chinois ou je sais pas moi, notre aliment, il vous contacte et vous dit, ben voilà, ben mettez l'aliment dedans, et tu vois, ça, c'est cool parce que ça fait des clins d'œil dans le jeu, ça fait de la pub, ouais, c'est placement de produit, ça fait du fric, c'est cool, tu vois. En plus, le pire, c'est que nous, en fait, c'est une sorte d'administration des mondes, tu vois, donc en fait, c'est une sorte de monde un peu virtuel, mais... magique, on va dire, ou en tout cas pas réel, mais qui va administrer tous les autres mondes, tu vois. Donc en fait, ce serait totalement probable, en fait, de looter des objets du monde normal, de la Terre, tu vois, et d'autres choses, en fait, tu vois. Ça donc du coup, c'est super cool comme idée, tu vois, et clairement, le piment chinois, mais carrément, c'est que, imagine, c'est un item
Et en fait, si tu mets ton piment chinois dans ta poêle, en fait, ça transforme tous tes ingrédients en piment, en fait. Tu vois, genre, bah, tu ouais, j'avoue, c'est ça. C'est cool comme ça. C'est tu, peux faire, des frites avec plein d'aliments, tu vois, c'est cool. Après, en plus, aussi, quand les gens connaissent un petit peu le dev et l'étape suivante de la commu, je veux dire, après Twitch, on sait ce que c'est. L'étape suivante d'une commu sur un jeu vidéo et là où, où ça veut dire grosse dinguerie, ça y est, le jeu il est lancé, c'est quand t'as une communauté de modeurs aussi. Qu'est-ce qu'il y aurait pas du monde à la réunion qui voudrait, parce que voilà, là t'as fait le mode sur la fiche, donc il y a Rogue Eye Saucisse pour, je crois que c'est pour le Geekali. Je vais même pas attendre les modeurs, mon même pote. Hein. Bah, c'est ça, c'est ça. Voilà. D'abord finir le jeu, tu vois. Voilà, et après tu fais, oh bah, ils ont fait un mode avec du Rogue Eye Saucisse, dis donc. Dari, tu vois, et bam, pépété voilà, quoi. C'est ça. En fait, ça qui est cool, c'est qu'en plus, quand vous avez mis ingrédients sucrés, salés, pimentés, franchement, il y a moyen de piocher dans plein d'aliments, plein de trucs, et ça, c'est vrai que c'est cool, tu vois. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est quand on crée, quand il y a des projets qui se créent, et que les gens, quand ils font le squelette du jeu, ils le pensent pour que ça soit mis à jour facilement oui. Plus tard. Et ça, c'est ce que vous avez fait, du coup, parce que là, le niveau de base, tu vois, ça peut engendrer plein d'extensions, plein de contenus en plus, et ça s'emboîte facilement, tu vois. Ça, c'est cool. C'est un très bon point. C'est pour ça que nous, là, actuellement, on est un peu linéaire, tu vois. C'est vraiment comme un jeu avec une durée de vie limitée. Tu commences, tu finis, tu vois. Et c'est vraiment un des arguments pourquoi on veut passer un peu en mode roguelite. Parce qu'en mode roguelite, ce que tu dis, c'est vraiment à propos. C'est-à-dire que tu vas créer un nouveau personnage. Il va popper comme ça, tu vas pouvoir l'intégrer à ton univers, tu pourras créer des nouvelles recettes, tu pourras tout intégrer comme ça un peu plus facilement que sur un truc linéaire. C'est mort un truc linéaire, il faut recréer une autre histoire, une suite, ouais. Tu vois, ou un truc comme ça. Un DLC, c'est plus compliqué, alors que là, un DLC avec que des persos pirates, ça c'est un truc que je veux faire absolument, tu vois. On a une espèce DLC de bateau pirate avec tous les types de créatures qui sont déguisées en pirates dessus. Et ça, c'est un truc absolument que je veux faire, tu vois. Ils mangent que les trains pimentés et tout. Et ça, ça sera vraiment un truc. Avec du rhum. Mais et du coup, il y a un truc que je t'ai pas posé comme question, c'est le jeu qu'on teste là. Il est, ouais. Du coup, il est pensé pour PC, console, et après, tu veux le mettre aussi sur tablette, téléphone portable, ou c'est que console PC? Ouais. Nous, en fait, il est prévu pour PC et toutes les consoles qui existent, tu vois. Et nous, on a plein d'enfants. Moi, je fais des jeux aussi mobiles à côté un petit peu. Et le mobile, j'ai un peu peur. Parce que le problème avec les jeux mobiles, et je pense que tout le monde qui suit, ou même vous, je pense que vous savez ça. Le problème, c'est que les jeux mobiles, c'est souvent des modèles économiques un peu différents, tu vois. C'est genre, ah ben, tu veux un nouvel ingrédient? Ok, ben, regarde une pub, tu vois. Regarde une pub ou paye un peu un truc en in-app purchase pour avoir l'ingrédient. Et du coup, on a vraiment peur que ça détruise l'expérience complètement de jeu rajoutant cette couche, tu vois, de mobile. Donc, pour l'instant, pas de mobile. Mais si le jeu a un succès, évidemment, faire un portage mobile, c'est sûr. Moi, je croyais que t'allais dire que c'est le gameplay, genre, tu tapotes l'écran. Moi, je croyais que c'est ça que t'allais dire qui te faisait peur. Mais en fait, c'est même pas ça, c'est les pubs, vraiment. Bah, alors, le gameplay qui tapote l'écran, évidemment, il faut refaire tous les contrôles de gameplay. Donc, c'est un peu la merde. Mais ça, c'est pas le plus... C'est un peu long, mais c'est pas le plus difficile. Pour nous, c'est plutôt le fait de dénaturer l'œuvre, tu vois, plus que la technique, tu vois, on va dire quoi. Mais là, en fait, par exemple, le fait que ce soit pas encore un roguelite, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est encore une bêta fermée. On n'a pas lâché le truc à tout le monde, en fait. Tu vois, moi, à la base, je donnais vraiment à des gens que je connaissais les codes, qui étaient tous des affiliés sur Twitch et qui faisaient même pas forcément trop de vues. Là, on a réservé les partenaires Twitch pour le Beerstorming. Juste pour un événement, mais à part ça, c'est vraiment des gens qui n'avaient pas non plus énormément de viewers. On a fait en sorte de donner un peu de visibilité quand même au jeu, mais il fallait pas que ce soit trop non plus, que les gens se disent pas c'est un jeu solo. Et ça, c'est une volonté directe en fait du développeur, parce que pour lui, c'est hyper important, hyper essentiel que ça soit vu comme un roguelite et pas un truc linéaire. Tu vois, moi je le kiffe en tant que jeu linéaire, j'arrivais à voir en comment mes potos ils allaient s'amuser dessus et tout en tant que tel, mais c'est vrai que la composante roguelite, c'est quelque chose qui va vraiment faire émerger le jeu, et c'est ça qui va être son principal atout, même, j'ai envie de dire, au-delà de la DA de Rod, qui est son principal atout, je pense, pour l'instant. Après, la composante roguelite en termes de gameplay, c'est vraiment ce qui va faire que le jeu il va vraiment s'infiniser totalement, quoi. Vous savez, quand tu vois le visuellement, en tout cas, hein, quand tu vois, même si t'as pas testé le jeu, par exemple, tu vois juste des screens où tu vois le trailer, comme c'est très coloré, ça fait ça pète bien, tu vois. On peut penser, du coup, c'est du tout public. Donc, que tu vises un public très large, mais c'est vrai que si tu vas sur du roguelite,
Tu vois, c'est un peu comme les gens qui ont joué. Je prends un truc très décalé, mais c'est ça en gros. Hein. Les gens qui ont joué à Returnal sur PS5, il y en a plein, ils ont pas aimé le jeu parce que c'était style trop dur, tu vois. Et ils voulaient pas un truc trop difficile. Donc là, si tu me dis que ce que vous voulez attirer, c'est vraiment les gens qui ont ce côté un peu performant, j'ai envie de dire, parce que roguelite, c'est ça aussi, tu vois. C'est que tu retries, tu réessayes, et puis tu pousses le train à réussir. Tu réessayes tant qu'il faut, mais il faut que tu gagnes. Il y a des gens, des fois, ils n'ont pas la patience, et eux, peut-être, peuvent croire que c'est un jeu tout mignon, tout gentil, de 6 à, de 6 à, je sais pas moi, 6 à 50 ans. Et, C'est pertinent ce que tu dis, hein. C'est peut-être un des gros pièges qui nous attend, tu vois. C'est-à-dire que Et la après. DA, elle appelle à un tout public, tu vois. Et quand tu joues, même là, toi, hein, t'es arrivé au jour 4, tu sens quand même que là, il faut vraiment te concentrer, quoi. Là, non, faut Ben, réussir. j'avoue, j'ai même pas commencé, je suis là, ça va être chaud. Ça va être chose à merde. Ôte-moi d'un doute, il y a quand même, parce que bon, moi j'ai Mais il y alors aura des modes joué. faciles, je pense, hein, quand même, pour ça. Puis surtout, Mais là, j'ai c'est quand même calé sur joué. quoi? Là, c'est en mode normal, du coup, là, parce que j'ai rien touché. La difficulté, elle est en quoi, là, du coup? Vous avez déjà des On va niveaux parler de la difficulté, je pense. Mais là, c'est Non, considéré comme quoi en mode normal? oui, du coup. De c'est un mode facto, ouais, normal. ça. C'est le Plutôt mode facile. standard, en fait. Mais tu vois, t'as là Thomas, il Ça, parlait c'est. du. C'est un. Thomas, il parlait du côté un peu RPG tour par tour. Et c'est vrai, quand tu regardes les objets, bah, tu retrouves un peu cette constance des RPG. Hein. Quand tu vois les patients 100 poissons, goût critique 10 poissons, c'est des combats d'aller à Canslash, les RPG, tout ça. Donc ça se sent le petit côté RPG, hein, j'ai envie de dire. Je Dans pense que la Daniel DA Ilias. aussi est. Bon, nous, moi j'ai plein de retours positifs, donc ça c'est super cool que les gens ils aiment. Mais c'est vrai que c'est peut-être un contre-courant, quoi. Il y a ce côté un peu. Ah, c'est super mignon. Ah, putain, ah, bon, on va se faire plaisir, ça va être chill. Il y a des musiques sympas. On va servir des petits plats. Non, non, tu vas te faire défoncer, mon pote. T'as intérêt à Et t'accrocher, quoi, toi, tu vois. là, j'ai une autre remarque pour toi. C'est un détail, tu vois, mais je pense que ça peut aider aussi. Tu vois, dans le magasin, par exemple, moi, j'aurais trouvé cool que, par exemple, à côté des noms, que tu remettes le visuel de l'objet, mais en petit, en icône. Comme ça, tu vois, je sais que le saké, par exemple, c'est le truc en haut avec le kanji. J'aurais aimé qu'à côté du rhum, comme ça, l'icône, en fait, je reconnais tout de suite par rapport à ce que j'ai déjà ou pas. Et là, tu vois, s'il y a graines d'oignon, il y a des trucs. Mais j'ai pas mémorisé, moi, l'icône, ça correspond à quoi, tu vois. Donc ça aurait été cool. Marchand, il a dans la main en fait l'objet en fait. Ça, mais c'est vrai que Ah c'est ouais. trop Mais tu discret. vois. En fait, il faudrait faire les deux, t'as raison. C'est qu'il faudrait avoir une icône pour être sûr de ce que c'est. J'avais même pas Et en pu. plus, le perso, il le bouge dans la main, quoi. Ouais, Ouais, mais d'accord. j'avais même Mais il pas y a remarqué, tu peut-être vois. chargé, si tu veux par exemple préciser selon si c'est Ah un oui. passif ou un consommable. Si tu... C'est vrai qu'il y a une autre forme d'ergonomie à utiliser dans tout ça, ouais. Le truc Je du pense que tu passif, peux ça c'est mettre. clair. Mais je pense que tu peux mettre les deux, comme tu dis, tu laisses l'icône, et comme ça on a les yeux sur les deux, on voit en gros comment c'est, et puis on a au moins une idée de ce que c'est, tu C'est un super vois. retour, mais ouais, clairement, c'est des trucs d'ergonomie. Il faut ça fait partie. On a un cahier rempli de trucs comme ça, et ça, c'est un nouveau truc. Mais ouais, je pense qu'on va le faire aussi. Ça, c'est hyper important. Et même un autre truc, tu vois, c'est que, bon, après, juste un détail, tu vois, mais je sais pas si ça t'aide, mais tu vois, par exemple, dans le magasin, ce que je trouve, en fait, quand tu mets une police, ça je pense que vous connaissez bien parce que vous avez déjà posé des projets multimédia, la taille de la police et le contraste, ça joue beaucoup sur la lisibilité et la clarté par rapport au spectateur. Et tu vois par exemple, quand moi je vois les noms des articles, c'est OK pour moi, mais je trouve le x1 en parenthèse en vert, je trouve qu'il est trop gros par rapport au... Il prend beaucoup d'importance en taille par rapport au nom de l'objet, tu vois. Donc moi j'aurais même vu en petit le x1. Et pas forcément en gros comme ça, parce que niveau lisibilité, après, quand tu passes tes yeux dessus, je trouve que ça fait peut-être un peu moins clair, tu vois. Tu te concentres pas tout de suite sur le Tu nom de passes, tu l'objet. vois pas du tout, hein, je suis d'accord. Ça, c'est une histoire de contraste, je trouve, tu vois. Je te dis, je vais le mettre en gros, ça se verra mieux, tu vois. Mais en Parce fait, que le non, x1, c'est pas vrai, quoi, tu vois. parce C'est que relou. bah, c'est vrai que là, c'est vrai que le fait que tu mettes en gros. Moi, je vois, par exemple, les graines de nom, c'est du x10. Tu vois qu'il y a des trucs qui sont x10 et x1, mais je trouve que ça prend trop d'importance et ou peut-être c'est la couleur, je sais pas, mais Non, non, c'est les deux. Déjà, faut pas que ça soit en majuscule, je pense que t'as raison, complètement. Et il faut que ce soit en bleu peut-être, ou un truc qui contraste avec le jaune, ou un truc avec le blanc et le jaune, tu vois. Mais il y a aussi ce que disait Toto, qui est pas mal important aussi. Il faut absolument faire un rappel sur est-ce que c'est un consommable ou est-ce que c'est un passif, tu vois. Ça, c'est un truc, donc, tu vois, peut-être avoir un plus un passif, tu vois, ou tu vois.
Même si là, attends, c'est bizarre. Zen Fontaine, ça, c'est un objet que tu achètes unique. Tu vois, c'est un objet vraiment que tu mets et que tu n'en as qu'un seul dans tout le monde, en fait. Mais en fait, on a quand même un x1 à côté. Mais tu vois, c'est problématique parce que peut-être que tu bah, crois moi, que tu peux en acheter plusieurs des fontaines Zen, tu vois. Ok, ouais. Ça, c'est... Et je pense que tu as raison. Je t'invite très fortement à l'acheter d'ailleurs, ça va te calmer les crapules. En fait, je suis en train de penser à un truc là. Ouais. Tu sais, traditionnellement, dans les roguelites, c'est vrai que tu perds tout ton stuff, mais que ce soit les passifs, que ce soit les activables, que ce soit les consommables, etc. Mais, et si on faisait un truc où il y aurait l'aspect légendaire, si tu veux, d'un objet, l'aspect goldé d'un objet, c'était ce qui faisait qu'on pouvait le garder au fil des runs. Ouais, c'est... Imagine un peu ça. Rendre, brainstorming. On fait du brainstorming. Bah, mais... Je te dis par exemple la fontaine machin, genre qui est une itération extrêmement rare, mais extrêmement rare, tu vois, où genre faut atteindre un certain seuil dans le jeu pour pouvoir débloquer la possibilité de pouvoir récupérer ça. C'est-à-dire quelque chose qui va en fin de compte ralentir les ennemis, ou peut-être pas le faire pour non plus tous les objets, j'en sais rien. Mais qu'en fait il y a une version qui fasse que tu puisses récupérer cet objet-là, soit pendant quelques runs, soit en fait ad vitam, tu vois. Mais juste pour quelques objets. Si avant là on bosse en fait, on t'empêche de jouer. Non, mais c'est cool parce que c'est pas que je joue pas. C'est pas que je joue pas, c'est que en fait je trouve que t'as raison parce que c'est pour ça que je reste sur cet écran-là parce que je trouve que t'as dit un truc tout à l'heure et là maintenant que tu l'as dit, je trouve ça vraiment pertinent parce que tu vois, tu parlais de la couleur tout à l'heure et je pense que c'est ça le souci en fait. Regarde bien, là tu as le texte en blanc, tu as les quantités en vert, tu as les prix en jaune. Quand tu regardes en haut, le mot liqueur est en bleu, le mot hâte est en orange. Je trouve qu'il y a trop, en fait, il y a trop de couleurs. C'est ça, je pense, qui fait que ça embrouille. Et je pense que tu as raison là-dessus. Je pense qu'en fait, il faut que vous preniez, peut-être grand max, 2 ou 3 couleurs. Et que, du coup, qu'on sache juste une couleur, c'est un truc important. Et l'autre couleur, voilà, tu vois, c'est bon. C'est les trucs de base. Et je pense que c'est le paquet de couleurs, en fait, dans les textes, qui fait que ça peut-être embrouille un peu au début. Ça, je pense que c'est pertinent. Et ça, moi-même, on me l'a déjà dit des fois dans des projets où, par exemple, il faut pas, des fois sur des maquettes ou des trucs où il y a beaucoup de texte, pas mettre trop de couleurs parce que ça embrouille, on n'arrive pas bien à lire. Et je pense que la couleur, c'est vraiment quelque chose que juste déjà enlever le vert, je pense, ça pouvait mettre en blanc et laisser le moins de couleurs possible dans les textes, et je pense que ça sera beaucoup mieux déjà. Moi, ce que tu disais aussi, Toto. C'est une super idée, mais en fait c'est vrai que actuellement il y a pas d'intérêt dans un jeu linéaire, mais dans un jeu à composante rogue, en fait il y a un vrai intérêt à avoir beaucoup de types de fontaines, tu vois, et d'avoir même des fontaines communes, des fontaines rares, des fontaines légendaires qui elles du coup vont pas se casser, ou bien elles vont avoir un pourcentage de chance de stun à un client vraiment beaucoup plus élevé, quoi. Alors par contre, t'as pas équipé la fontaine. Peut-être pas le style légendaire. Peut-être pas avoir tous les styles de racé, mais avoir juste. Tu vois, dans Isaac, par exemple, il y a ça. Pas. À un moment donné, tu débloques le Golden Trinket. Ça veut dire que c'est une babiole, donc un objet que tu portes, qui fait l'effet d'un passif, mais que tu peux en posséder qu'un à la fois, et que tu dois échanger si jamais t'en trouves un autre par terre, etc. Et en fait, la babiole, des fois, quand elle est dorée, elle fait deux fois l'effet qu'elle est censée faire. C'est-à-dire, par exemple, t'as. Et vole pas ça! Un truc qui va te donner plus 10 de luck, bah là ça va te donner. Ah, fichier! C'est un peu ce que tu fais là. Et c'est juste soit t'as le normal, soit t'as l'autre. Après, je suis pas convaincu que faire un truc genre rare, épique, truc. Je trouve que le jeu il a mieux à apporter que ça. Je trouve que c'est quelque chose de. Genre, on n'est pas dans Genshin Impact, quoi. On n'est pas dans Diablo, on n'est pas dans Genshin Impact. Je trouve pas que le jeu il soit. Après, c'est vrai que il peut y avoir différents niveaux de rareté, mais le côté. Moi, j'aimerais pas voir les écritures, justement, comme dit Stéphane, justement, j'aimerais pas retrouver ce côté bleu, jaune, mauve, orange. Juste ça, en fait. Après, c'est-à-dire que qu'il y en ait plusieurs, des raretés, oui, des niveaux de rareté de fontaine, etc., mais qu'on trouve notre propre truc, tu vois. C'est-à-dire faire des graphes différents avec des fontaines plus ou moins jolies, bon marché ou endommagées, tu vois. Genre une fontaine un peu cassée, une fontaine toute neuve et puis une fontaine vraiment de luxe, tu vois. C'est vrai que le code couleur, moi je suis plutôt contre. Et comme disait Stéphane, il y a beaucoup trop de couleurs déjà dans ce jeu, on comprend plus rien là. Il faut et dans le texte, mais c'est que dans le texte, hein. Mais c'est que dans le texte, hein, en vrai, dans les images, ça me dérange pas, moi, quand tu parles des couleurs.
C'est que le texte, en oui, fait. Oui, mais c'est vrai, c'est qu'il faut, faut un équilibre pour tout, et comme il y a déjà beaucoup de couleurs à l'écran, peut-être justement fluidifier la lecture dans les menus avec quelque chose de plus austère, c'est pas, ça, ça pêche pas, quoi. On peut se le permettre, du coup. Parce que l'arrière-plan, il est cool, je trouve. Hein, là, tout ce qui est dessin, je trouve ça cool, moi, du coup, ça me dérange pas visuellement, ah ouais, ouais. Mais... Salut, Cinderelle. Je vais prendre un petit verre d'eau, je reviens, les gars, 2 secondes. Et... Ok. Le gars Ninja, moi, MJ, comment ça va, Sin? Bon, là, les deux chiens s'arrivaient, là. Et là, si j'aurais pris le petit thème, il m'aurait pas volé les trucs. On va lui donner ça, et il va voler. Si tu prends la fontaine, ouais, c'est ça. Mais j'avais même pas pigé qu'il fallait. J'avais même pas pigé qu'on pouvait équiper, tu vois. Mais c'est typiquement eux à qui il faut que t'envoies des bugnes avec ton petit feu, là. Avec R, mais c'est pas évident. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, c'est clair. Franchement, c'est pas facile, ça. J'ai trop hâte. Enfin, franchement, j'ai eu le game design du roguelite entre les mains à relire avant les angles. Enfin, il y a eu des démarchages qui ont été faits avec un game design un petit peu amélioré dernièrement. Et ben, on charme quand je me suis un peu occupé de ça. J'ai vu ce qui va être ajouté. C'est tellement goldé, quoi. C'est vraiment super sympa. Après, franchement, pour une bêta, je trouve ça va. Hein, ouais. C'est cool, hein. J'ai pas eu trop de bugs, moi. J'ai pas eu trop de bugs, en tout cas. En fait, on dit bêta. Ouais, puisqu'il y a quelques bugs qui restent. Mais pour moi, la raison pour laquelle ça s'appelle encore une bêta, c'est parce qu'effectivement, le style de jeu est amené à changer. Donc, c'est pas vraiment ça qu'il y aura après. Mais pour moi, c'était une démo quand même assez complète déjà. Ah, mais Colucci a de super la vie. Il perd de la patience. Oui. De la patience, pas. Quoi, vas-y. T'as bien bah, mange tout, tiens. Ah bah tu vois, t'as dit qu'il y avait pas de bug, tu vois, bravo quoi. Ah, j'ai fait bugger le truc là. Là il a bugué. C'est un bug qu'on a eu aussi une fois. Ouais. Oh fuck. Un mec il se barrait pas. Ouais, il se barre pas. Et là, attends, bah, si je fais exploser, attends. Finis-le pour voir là. Mais je pense pas. Non, je crois que là il est Superman là, c'est mort. Donc faut que je recommence, faut que je retraille. Donc là en fait tu peux quitter le, tu fais start. Et tu fais quitter, et tu reviens sur le menu principal, et tu fais continuer. Normalement, ça va trop faire commencer la journée, au début de la journée. Là. Ben, je pense depuis tout à l'heure, les bugs qu'on a, en fait, c'est quand peut-être je fais des actions trop vite, et que des fois, ben, peut-être le jeu ne suit pas. Pensez ça, non? Ce qui est bien, là, c'est que tu vas pouvoir équiper la... Tu pourras racheter la fontaine. Ouais, tu vas équiper ce coup-ci. Ça prend bien moi chier, je pense. Mais tu vois, depuis tout à l'heure, j'ai pas réussi une fois à genre tirer avec la lampe, là. Et à kiner le kappa là. Alors je vais te dire, le type c'est que bon, y a, le kappa il a plusieurs façons de jouer en fait. C'est à dire que déjà la première façon c'est de le servir à côté, de regarder sa recette, de regarder ce qu'il demande, le servir à côté, tu vois, et au moins tu fionnes un peu le gars. Bah, c'est ce que j'ai fait au début. Après, le deuxième truc que tu peux faire c'est. Peut tirer dessus, sauf que ça c'est une erreur de notre part, je pense qu'on a eu quand même plusieurs fois ce retour, c'est que tout le monde attend que le gars vole pour tirer, tu vois. Mais si tu attends, c'est trop tard, le gars est trop rapide, tu vois. Ah ok. Alors soit c'est moi, je dois faire une animation plus longue, tu vois, pour que tu aies le temps de tirer sur lui, ou un slow motion ou un truc comme ça. Ou même pas. Ou en fait ce que tu fais c'est que au début du jeu, quand t'es encore dans le tuto en fait, tu nous fais confronter au kappa et tu nous fais un tuto exprès sur un PSO, tuto kappa ouais, par exemple. Comme ça on s'entraîne déjà. Comme ça on est en train à lui tirer dessus, tu vois. Et là, je pense que c'est mieux. Du coup, là, le kappa, là, pour que tu le saches, tu peux, dès qu'il arrive, tu peux lui mettre une petite gommette dans la tête, là, et ça va le calmer direct, il va pas voler, en fait. Tu vois, genre, ouais, les voleurs, là, stop, tu vois. Ouais, mais si tu me dis que ça fait baisser sa patience, c'est pas bon? Bah, tu fais baisser sa patience, mais tu es sûr qu'il va pas voler le plat, quoi, avant que tu serves, quoi, tu vois. Et c'est la technique plutôt. Et sinon, bah, tu achètes la fontaine qui coûte un peu plus cher, mais là, t'as l'argent pour le faire. Et là, pour le coup, ça va les droguer, les gars, quoi. Ils vont être tout faciles, quoi. Mais pareil, du coup, là, je savais même. J'ai pas vu de phrase, moi. Bah, c'était au début. C'était au début, en fait, c'est vrai. Dans le tuto, en fait, quand tu ouvres le rouleau, en fait, il te dit tu peux les empêcher de voler en tirant. Mais en fait, tu les empêches de voler en tirant, mais en fait, tu dois quand même. Comment dire? Ça, la plupart des gens ils vont tirer direct dessus, tu vois. Non, il faut que tu tires potentiellement quand il va voler ou un petit peu avant, tu vois, un truc comme ça, quoi. Et en fait c'est ça, il y a une anime assez longue où tu le vois qui est juste en train de baver sur le plat à côté, et du coup c'est pendant ce moment là que tu dois le faire. C'est pas le moment où il sort sa langue, parce que sinon bah, effectivement je peux équiper que 4 objets à la fois, en fait, c'est tout. Exactement, et tu les vois, ils sont visibles sur le truc après.
Mais t'as des icônes un petit peu de rhum, un petit peu de rhum, la hâte, je sais pas du coup ce que ça vaut, la fée c'est bon. Alors le rhum c'est assez puissant aussi, quand tu sers du rhum à un client, ça le ralentit, c'est que du coup il va, sa jauge va venir bleue, il va être super lent. Par contre, en fait, il peut s'énerver aussi, tu vois, il a une chance de s'énerver, d'être plus en colère un peu. Mais du coup, faut que j'achète aussi les œufs là, ou je me puisse... Alors là, c'est date à tous les ingrédients. Mais ils sont, ça c'est pour augmenter tes caisses. C'est que t'as un certain nombre d'ingrédients que tu refiles à chaque fois. Si tu as assez d'argent, tu peux acheter d'autres ingrédients pour augmenter les caisses en fait. Je garde minimum 100 parce que Nazan est posé quoi quand même après. Je me passe le truc, donc. Je ne peux pas garder toujours 100. Ah, le gars est prévoyant quoi. Ah ouais, allez, t'es capable. Alors, tu veux quoi toi? Allez, dis-moi ta recette. Bleu, rose. Hop. Bah, le Kapala, hein. il a un statut, tu vois, qui fait que il est tout ralenti, tu vois, donc il va pas voler en fait, tu vois. Ah, il a pas volé, putain, mais un plané alors. Ah putain, la stratégie est pas bonne. Je croyais aller voler quand même. Mais c'est vrai qu'il est super lent par contre. Hein. Là-bas, il commence bataille. Hein. Ah bah du coup j'ai pas l'année. Et là, il vole plus du tout alors. Bah là, non, il est lent, ouais, donc il volera pas là, je pense. Je fume un joint, du coup, il est stun. Alors. C'est clair, les gars. Voilà. Et en plus, il a les yeux du stunner. Et mais frère. Ouais, alors par contre, ça empêche pas que tu as pas trouvé la recette qu'il voulait, mais du coup, ouais. Il est pas. Ça fait ça, en plus. Pareil, ça... ça faisait deux combinaisons en plus. Donc, parce que ouais. Camille a deux. Mais ça, après, ça change du coup. Imagine, je retravaille. C'est toujours c'est scripté au niveau des recettes ou ça peut être aléatoire même... En fait, ils ont un pool de trucs qu'ils te demandent. Soit ils te demandent des ingrédients comme ça, soit ils te demandent certaines recettes bien précises en fait. Tu vois. Donc, plus tu joues, plus tu peux découvrir les recettes. Oh putain, lui, il a bouffé ton truc là. Il a bouffé ton truc. j'ai même pas le temps de remarquer, tu vois. J'ai même pas le temps de remarquer qu'il a bouffé. C'est trop tard là, il a. Ça. En fait, tous les personnages là sont un peu des moucates en fait. Après, tu penses ce qu'il fait aussi, c'est que comme tu vois tes yeux sont rivés sur la poêle qui est en bas, donc sur le bas de l'écran. Bah, du coup, ta vision elle est focalisée sur le bas de l'écran. Enfin, moi, c'est vrai que l'écran est un petit peu grand devant moi, c'est pour ça. Et du coup, ça fait que je vois pas moi quand il bouffe un truc. Je fais pas attention. En fait, le bon exemple, tu vois, d'un jeu que j'adore et qui a un peu ce problème potentiellement, c'est Cuphead. C'est le jeu de le shoot'em up là. J'ai déjà testé, ouais. C'est merveilleux, mais t'es tellement en train de regarder les graphismes que c'est trop beau. En fait, Cuphead, si tu veux être bon à Cuphead, il ne faut pas regarder les animations. Quoi. Il ne faut pas regarder les animations. Il faut vraiment que tu regardes, que tu louches sur les projectiles qu'on te tire et que tu ne profites pas du spectacle, tu vois. Et on a un peu ce délire avec Test of Heaven. Alors, c'est peut-être pas une bonne chose, hein, je sais pas. Mais les animations sont plutôt sympas, tu vois. Du coup, tu pourrais les regarder, mais en fait, t'es tellement en train de gérer le flux avec la poêle et les recettes que les trains, tu vois pas du tout toutes les animations, quoi. C'est vrai que chaque personnage, là, ils ont au moins une quarantaine d'animations uniques à chacun. Mais en fait, ça se voit quasiment pas, en fait. Cuphead, je pense que pour les streamers, pour les viewers, tu vois, ouais. Ça peut être plutôt cool, en fait, tu vois. Parce que les gars, ils doivent quand même pas mal regarder l'écran pendant que toi, tu rages, tu vois, et t'es concentré. Eux, ils ont pas entendu rager, ils en ont regardé. Ah ouais, le mec, t'as vu, c'est beaucoup un oignon. C'est un truc, tu sais qu'en plus, nous, tu vois, en fait, sur la chaîne en général, je mets en avant plus les jeux en coop, tu vois. Mais putain... Et du coup, le Cuphead, on l'a fait en coop et c'est beaucoup plus dur d'avancer en coop qu'en solo. En solo, je suis parti super loin. En coop, il faut être vraiment synchronisé. Il faut que les deux ils soient dans le rip, tu vois. Et c'est encore plus dur en coop. T'as pris les DLC là ou pas? DLC, j'ai pas encore pris. Mais le 1, je crois, j'ai même pas fini. Je suis dernier niveau. Mais après, j'ai pas fini encore le. Mais en solo, c'est plus simple. J'ai joué avec un pote, tu vois, et j'ai tellement gagné le coup avec lui, j'ai dit non mais c'est bon gars, laisse tomber. Et en fait j'ai fini le jeu tout seul, quoi. Je dis tout seul, ça va en fait, mais à deux, putain c'est chaud, quoi. Ouais. C'est quoi qui redonne la vie encore, c'est ça? Là tu peux redonner la vie à gauche là, ouais. Bon, ça c'est pareil, ça il manque les effets. Et il a pété lui?
Et ouais, attends, putain, là, je... Il va me bouffer mes oignons, là, le kit sa mère, là, si je prends ça, là. Et après, aussi, moi, il y, y a un truc que j'adore, mais c'est... Enfin, justement, on parle de ça, les... Qu'est-ce qui fait qu'un roguelite va permettre d'infiniser le gameplay et vraiment d'avoir envie d'y revenir et toujours de plus en plus et que ça soit, à quelque part, un peu addictif, mais que ça soit vraiment, que ça t'y ramène tout le temps. Que ça soit répétitif, mais que tu prennes plaisir quand même. Alors voilà, c'est, exactement, ouais, c'est exactement ça. Et ben, y a un truc, c'est vrai que... qui est l'essence en fait, bah pour moi le roguelite de toute façon grammaticale, le Tintin des roguelites, tu vois, c'est ce que celui qui est au roguelite, ce que Tintin est à la bande dessinée telle qu'on la connaît, par exemple, pour moi, bah c'est Isaac. Bon, après t'as Rogue Legacy, on peut dire ça, mais pour moi c'est Isaac. Et Isaac, Rogue Legacy, en fait, il y en a qui disent... Ouais, mais le comment il s'appelle Edmund McMillan, qui a fait le jeu, il dit bon voilà, le jeu en fait il a bien marché parce que il y a des dégueulasseries de partout, il y a du sang, il y a du caca, il y a des proutes, il y a des trucs, et qu'en fait les gens ils ont envie de pouvoir jouer à un truc débile qui a un exutoire comme ça. Alors bon, pour lui c'était pas faux, mais franchement la version Flash, ce qui fait qu'il a eu du succès aussi au départ, c'était avant même que le jeu soit un roguelite. C'était un, comment on appelle ça, un truc où tu peux mettre différentes skins, c'était un simulateur de skins en fait. Tu des mets modes, des... Hein, une sorte de mode, non, bah, juste pour avoir des éléments qui se juxtaposent sur la tronche de ton personnage. Ouais. Tu vois, par exemple, les oignons, bah, Allium, à un moment, il a la tête croquée. Bon, bah, tu imagines que là, par exemple, c'est il a obtenu le passif, la morsure du... Non, XX, on va pas donner le nom parce que sinon on spoil. Celui qui a des lunettes, du coup, ça peut être la double vision. Il obtient un truc qui permet de faire ça, et qu'en fait, visuellement, du coup, tu es le truc. Un gasplosif. Et les passifs, t'en as près d'un millier dans Isaac, du coup, vont tous avoir un effet direct sur l'apparence du personnage. Ce qui fait que le perso, il ressemble plus à rien à la fin, tu vois. Mais c'est des synergies de trucs qui se mettent les uns par-dessus les autres. Ouais, c'est du skin, hein. C'est tu skin le perso un peu. Au runtime, ouais. Quoi, tu vois, et c'est ce qui se passe avec les persos de Tales of Eon, hein, c'est qu'ils sont dessinés à la main, mais ils sont buildés sur des squelettes, en fait, et potentiellement, moi, je peux faire des centaines d'oignons, si je veux, quoi, je peux leur mettre n'importe quoi comme accessoire, je peux vraiment en faire plein, et ça, je pense qu'on va développer ce côté-là, si on part sur du roguelite, hein. On va avoir un truc spécial pour la pêche, hein, tu vois, ils vont avoir tout plein de trucs, quoi, tu vois, c'est sûr. Ah, mais des oignons pimpés qui ont des effets particuliers, et que du coup, tu vois... sur un roguelite qui vont te donner des effets de strat, en fait, que tu puisses créer ton build, en fait, d'oignon, tu vois. Exactement. Que tu puisses créer ton build, c'est comme, tu vois, enfin, aujourd'hui, t'as des... Alors, c'est presque devenu un peu tarte à la crème dans certains jeux de gacha, genre Dokkan Battle ou des trucs du style, où tu vas voir que t'as ton équipe, mais il va y avoir des passifs qui vont être associés à ça. Et en fait, ta façon de jouer peut vraiment dépendre. Par exemple, les Namek, ils ont des trucs de régénération, ce qui font que tu te fais moins laté. Tu peux te faire laté, peut-être tu fais moins de dégâts, mais au moins tu peux survivre un peu plus longtemps ou récupérer des points de vie, etc., etc. Et du coup, d'avoir va effectivement des oignons qui feraient ces petits effets-là, ça peut être trop bien. Mais du coup, j'ai une question là, pour le gars qui prend les impôts. En général, quand tu finis une mission... c'est que t'as forcément plus que 100 pièces. Donc du coup, la constante avec les impôts, elle influe en quoi du coup sur le gameplay? Alors, je sais pas si elle restera au final dans le rogue. En tout cas, elle va peut-être changer un peu. Mais actuellement, en fait, c'est vraiment... tu peux très mal jouer et avoir peu d'argent. Mais disons que si tu joues très bien, tu auras de grosses recettes et du coup, tu... pourra t'acheter de bons ingrédients, quoi. Parce que mais là actuellement c'était quelque chose qui était censé être une sorte de comment dire de truc de survie un peu, c'est à dire que tu dois faire un minimum d'argent sinon le gars te recale, en fait, tu vois. C'est une façon en fait de pouvoir régler la difficulté un petit peu du niveau. Tu verras que quand tu passeras de niveau après, il va te dire que ça coûtera plus cher, tu vois. Ouais. Ce genre de choses, en fait. Parce que c'est ça de base, quoi, en fait. Parce que là... le mec il fasse que des trucs mal, tu vois, ouais. Qu'il arrive à servir plus les clients comme il faut, mais qu'il joue mal et qu'au final il passe au jour suivant. Parce que là, comme c'est obligé, quand tu gagnes un joueur, t'es obligé d'avoir plus que 100. Donc du coup, là, tu sens pas la pression des impôts. Moi, ce que je retrouvais cool, tu vois, c'est peut-être une idée qui va te servir, hein. Tu vois, lui, à la base, c'est un collecteur d'impôts. Donc il vient te taxer à la fin. Mais moi, tu vois, j'aurais kiffé faire la bouffe,
Et genre que des fois on le voit passer à un moment aléatoire. Et si tu chopes en train de faire un truc, ben là il vient te taxer. Il te taxe du fric, mais en direct. Si par exemple, je sais pas moi, il te dit, ben, au joueur du, c'est le joueur ou pas de piment. C'est la loi. Ou un truc comme ça, tu vois. Putain, super. Et tu vois, le gars il passe, et s'il te saisit en train de faire ça, au moment où il passe, il te taxe direct de l'argent, tu vois. Et là, j'aurais vraiment eu le côté pression, tu vois, où je suis putain. En plus, il a un design, tu vois, où dès que tu le vois, il a l'air d'être chiant. Donc dès que tu le vois passer en arrière-plan, il se déguise en client, tu vois, genre. Ah putain, ouais. En fait, ça pourrait être un crapula avec des cheveux noirs, ou alors un gros tori avec des yeux. Ah, ouais, avec gars, tu fais ça, c'est cool. Derrière, tu vois. Tu fais ça, c'est cool, tu vois. En fait, il se transforme, tu vois, c'est un morph, mais en fait, il a toujours le même petit chapeau, en fait, tu vois. Ouais. Tout le temps, en fait. Ou tu sens vraiment que le gars, en fait, il veut te faire plein de coups de pute. Juste pour fermer ton magasin. C'est ça qui c'est très cool. Si vous arrivez à jouer là-dessus, et genre, comme tu dis, le gars se déguise. Bon, notez en fait, tout ça. Ce qui était prévu pour ce personnage-là, à la base, parce que, comme je te disais, l'attaque temporelle, c'était pour pouvoir avoir une sorte de, voilà, de passage à la caisse où t'es sûr que le mec, il a assez bien joué pour passer au jour suivant, tu vois. Mais ce qu'on voulait en faire de ce personnage-là pour le Rogue, c'est d'en faire une sorte de fossoyeur, en fait. C'est que tu vas le voir quand t'as plus d'argent et il te prête de l'argent. Ah, ça c'est possible. Quand tu lui prêtes de l'argent, en fait, il vient te voir et il te demande des intérêts, tu vois. Et pour le coup, tu vois, ce que ton idée, ça, on n'y a pas du tout pensé, mais le fait qu'il vienne en loose day dans ton resto pour dire visiter, pour te faire chier, tu vois, ça pourrait être vraiment cool. Et ce qui pourrait être sympa même, c'est genre, tu sais quoi, écoute, tu sais quoi, je te passe de 500 balles, tu vois, pas de problème. Par contre, t'as pas le droit d'utiliser tel ingrédient, quoi. Sinon, tu vas prendre. Et en fait, reprends. Avec le chat, là. Et même avec que tu. Ah bon, on l'a pas vu encore, donc je vais pas spoiler en fait. J'allais même te dire, en fait, tu reprends les mêmes choses qu'un restaurant, il vit. Par exemple, un restaurant, qu'est-ce qui peut le faire attaquer? C'est l'hygiène. Donc, ça aussi, tu peux jouer dessus. Par exemple, tu peux avoir un client, lui, il mange vraiment cochon, tu vois, il tâche ton. Enfin, je sais pas moi, il te tâche ton. Ben là où il mange, en fait. Et du coup, si tu nettoies pas. Les crapulas, ils aiment bien que tout soit propre et tout. Du coup, le crapula, il est vénère et ça lui enlève des points de satisfaction. Ouais, ça peut être cool. Ouais, après, tu vois, quand il voit que il passe et il voit que c'est sale, ben il te fait. Ben, c'est pas. L'hygiène est pas bon. Hein. Bon, après, je sais pas si le fait de mettre tout ça, du coup, ça fait pas trop niveau gameplay. Est-ce que le jouet va pas se perdre? J'ai l'idée qu'il y a du détail de partout. Je sais absolument pas à quel point c'est réalisable ou pas, mais je trouve que la force du roguelite, c'est d'avoir. Des denrées qui se périssent, je sais pas moi, tu vois, des denrées. En fait, le truc, tu vois, si tu veux avoir des idées, ben frère, fais-toi une session de cauchemar en cuisine, hein. Tu regardes ça, tu chopes toutes les idées que je sais fait là, et puis tu dis, ah ouais, ça c'est. Et ça fait des. Je pense après, tu peux avoir. Mais après, voilà, je pense qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre entre. Tu mets tout. Comme ça, ce qu'on peut appeler des micro-mécaniques, tu vois, entre guillemets. C'est, pour moi, c'est vraiment ça qui donne une émergence en fait supplémentaire. Et justement, moi, je me suis vachement penché là-dessus sur les endgame de repentance que je streak en fait assez souvent, tu vois. Donc je meurs sur des trucs des fois tout bêtes quand je tente des builds parce que les associations entre, toi, tu vas avoir une synergie qui va créer un effet totalement inattendu alors qu'en fait c'est systématiquement cohérent. Donc par la narration, bah t'obtiens quelque chose de logique comme ça. Comme Pierre, exactement ce que tu dis. Si Pierre était là, il vous aurait parlé de son idée de faire des combats de vaisselle là. En fait, au début, on voulait faire un système au moment où les gars, en fait, tu dois faire la vaisselle au bout d'un moment, tu vois. Et si tu fais pas la vaisselle, en fait, t'as un golem de vaisselle qui se crée dans ton resto et tu dois bataille contre le golem, tu vois, pour faire la vaisselle. Il avait un délire comme ça. Mais ce que tu dis lui aussi, Stéphane, sur le fait de salir le stand, ça pourrait être vraiment bien et pertinent parce que on a des persos, comme tu verras un peu, il y a les chats et tout. Oui, même il y a le poltergeist de base. Au début, moi, je voulais le faire un peu vomir, tu vois. Mais on n'arrivait pas à trouver d'intérêt à le faire gerber, en fait. Parce que, tu vois, ça aurait pu être de la gerbe un peu corrosive, tu vois, qui va venir brûler un peu ton restaurant. Donc, ça fait un peu de dégâts. Mais en même temps, c'est sale, tu vois. Et c'est vrai que, là, je n'avais pas capté, mais quand Toto en reparlait, le fait que les crapulas soient hyper... hygiénique, tu vois, et que même s'ils sont dégueulasses sur eux, ils aiment pas, tu vois, se sentir sale, et ben ça serait tellement à propos, tu vois, tellement à propos. Et donc, franchement, c'est super. C'est vraiment un micro truc que quelques personnes seulement capteraient, tu vois. Mais le streamer qui découvre ça, qui dit, mais attends, mais là, il y a ça et tout comme ça, puis d'un seul coup, what?
tu vois. C'est comme, alors par exemple, t'avais, enfin je donne un exemple sur Isaac, il y avait Mister SLVN qui est passé sur un des lives. Il a découvert à un moment donné qu'en fait le moment où la caméra commence à se déplacer quand tu fais un truc géométriquement, ça correspond pile poil à l'emplacement des salles secrètes quand tu dois poser une bombe pour essayer de les découvrir, tu vois. Et ça paraît être un détail, tu vois, mais en fait ça a été pensé. Et c'est vraiment juste dans l'art de trouver des, enfin comment dire, par exemple tu as un truc où ça va être des bombes spécifiques avec et t'as la bombe dorée qui te donne une infinité de bombes. Et bah, le truc avec les cluster bombes, ça va faire plein de petites bombes mais dorées, du coup tu vas avoir une apparence qui va changer et avoir comme ça des, mais c'est une espèce de régie, comment dire, de, je pense que c'est ça par contre ça va prendre un temps monstrueux, quoi. Mais ouais, mais après, c'est des détails, tu vois. Mais autant que le gameplay, ouais, mais et typiquement, tu vois, et nous, il faut qu'on se focus sur une version. Mais après, l'idée, c'est que si le jeu marche, tu vois, tu peux avoir des petites équipes annexes, tu vois, qui s'occupent de ce genre de trucs, tu vois, et qui rajoutent du contenu. Parce que c'est ça qui fait qu'un jeu vivant aussi, c'est ça, et tout. Donc, c'est complètement une bonne idée. Mais après, ce qui est dangereux, c'est qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, tu vois, c'est toujours pareil, quoi. Et rester et garder un cahier des charges, même si, du coup, le truc, ça finisse totalement. Et ouais, c'est clair. Mais faut que ce jeu devienne de toute façon quelque chose, un truc qu'on retrouve un peu dans les serves Delicious. Je connais pas la ref, ça je suis parti voir là, ça a l'air cool. Je connais pas. Même ce que tu avais dit sur la vaisselle, je crois que dans The Cook il y a aussi la gestion de la vaisselle et laver les assets, tout ça. Ouais, ouais, mais ça, mais c'est pas pareil. De base, quoi, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas pareil parce que le gameplay est très différent, je trouve, du vote. Là, ce que je trouve qui est cool en fait, c'est que vous avez vraiment les clients. Ce qui est original là, si je la compare au The Cook, c'est les clients vraiment différents qui arrivent et ils ont une personnalité, ils ont un style à eux. Et au Vercook, t'as plus une grande salle, en fait, il faut se servir le plus rapidement possible et c'est plus de l'organisation. Putain, mais ouais. Combien de bébêtes que... On a vraiment envie de, à terme, tu vois, que les gens, ils se posent des questions sur le personnage, qu'ils apprennent à le connaître, genre, attends, mais non, lui, il est vraiment relou, il vole des plats, qu'est-ce que je peux faire pour, tu vois, pour l'aider. Ah, et comme tu disais, Doto, ah ouais, putain, lui, en fait, il veut pas manger si c'est sale, donc en fait, je vais pas en avoir si c'est sale, donc ça peut être aussi un trick, tu vois, de servir ton restaurant pour pas te taper les gars casse-boule. Des petits détails visuels, mais en fait, de rentrer le plus possible dans le détail, tant que ça reste. Après, c'est ça, il faudra pas oublier, du coup, de rester quand même dans la. Dans le côté respect absolu du cahier des charges, tu vois, et de faire évoluer le truc ensemble, tu vois. Mais c'est vrai que le. Moi, c'est une question que je me pose, mais depuis que vous m'avez dit que c'est un roguelite, et vu que c'est mon style de jeu préféré, c'est celui. Voilà, j'ai passé plus de 1000 heures sur Isaac, tu vois, c'est comment en faire un truc qui dépasse, tu vois, Isaac. Ouais, ça on dépasse pas Isaac, mais par contre, bah, avoir un truc. Comment ça évolue. Un jeu de. Moi, je dis qu'il y a moins. Roguelite. Parce que ouais, regarde, le Roguelite il évolue sur plusieurs années, c'est-à-dire c'est pas un jeu qui sort en cartouche et ça bug tout à l'heure. Et c'est pas dire genre Sonic c'est mieux que Mario ou Mario c'est ça mieux bug, ça bug, ça bug, les gars. Sonic, quand un jeu Mario ça sort, c'est fini. Et les gars, j'ai eu un bug. Un jeu comme ça, il évolue. Mort, ouais, pas... Non, j'ai eu un. J'ai... Non, c'est pas que je mange, j'ai eu un bug. J'ai appuyé sur croix, mais il y avait plus de fouachette. C'est pas un bug. Ça dont je te parlais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y avait un truc qui restait, une utilisation des oignons, que je voulais pas spoiler. Une des raisons pour lesquelles c'est important d'en avoir beaucoup, c'est que dans cette phase de jeu-là, en fait, t'as tous tes oignons qui sont sur ton sac à dos. Et du coup, c'est eux qui lancent les fourchettes. Et si t'en as plus assez, bah du coup, tu lances plus qu'une ou deux, tu vois. Non, mais là, ça lançait plus du tout. Il y a quand même un bug visuel, c'est-à-dire que tu peux toujours appuyer sur X alors que t'as plus d'oignons qui lancent des fourchettes. Ah, c'est ça, d'accord, donc ça reste... Ouais. Ça reste quand même un simili bug, c'est vrai. Ça reste un problème, tu vois. On devrait dire, oh non, j'ai plus de bug, tu vois. Ou devoir laisser toujours une dernière fourchette, même si t'as plus d'oignons, tu vois. C'est le minimum. Ouais. Mais je sais pas si t'as remarqué, à chaque fois que tu te faisais attaquer, tu perdais un oignon, il tombait au sol, en fait. Donc, Et il y a un truc aussi, je trouverais cool, tu vois, si tu gardes cette constante APG aussi, que vous avez déjà mis un peu dans les objets. Moi, je kifferais, par exemple, tu vois, on commence avec le cuisinier et que l'équipe s'agrandit, tu vois. Qu'il y ait des persos féminins, masculins ou un peu autre chose, tu vois. Mais qui viennent augmenter l'équipe du restaurant. Peut-être pas des serveurs. Sacha, ou... Sacha Rose, quand tu joues avec elle, tu peux la débloquer comme personnage. Ah, ouais, et elle, en fait, c'est dans sa pâtisserie. Enfin, elle est dans sa pâtisserie à côté. Ou alors d'avoir effectivement une annexe avec les personnages. Mais après, là, on envoie
on fait des plans sur la comète, quoi, mais c'est vrai que ça, c'est... moi j'adore faire ça. J'essaie de pas trop faire ça, parce qu'après, Rod, j'ai peur que ça le tournis, quoi. Moi, ça me filerait tellement le tournis, tu vois, avec des gens qui vont... Parce qu'ils voient ce que ça représente après, forcément, en termes d'investissement. Ah, moi en vrai, ça m'excite, tu vois. Et puis juste derrière, après, ça me donne toujours dans les pommes, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que imagine avoir une annexe avec, du coup, certains PNJ, comme par exemple Sacha, tu vois, puis qui serait sur le côté, tu vois, dans le fameux truc noir, la partie noire où tu vois ça. Et où, du coup, elle prépare, du coup, certains gâteaux, tu vois. Puis genre, pendant ta run... Dans certaines phases, t'aurais des trucs à faire avec des gâteaux qui impacteraient de façon presque obligatoire sur l'issue de ton service, quoi. Alors tu vois, on avait, c'est bien que vous parlez de ça. On avait un item qui est plus du tout dans le jeu, qui était vraiment super balèze et super cool. C'était le gâteau. En fait, c'était un gâteau un peu spécial. C'est-à-dire que quand tu servais le gâteau, c'était un peu comme un amuse-gueule, en fait. Ça servait le gâteau sur tous les personnages, en fait, du stand, en fait, automatiquement sur tous, tu vois. Et ça pourrait être un truc qui pourrait à tout moment revenir dans le jeu, c'est-à-dire quand tu débloques Sacha Rose, moi de temps en temps en fait, elle prépare un apéro et tu vois une petite icône sur le côté genre qui charge et quand c'est prêt, elle passe, tu vois, et elle dépose des apéros à tout le monde, tu vois, genre des petits gâteaux à tout le monde, tac 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 comme ça, et du coup ça te met un buff de temps à tout le monde et du coup ça pourrait être vraiment très cool. Mais après dans la gestion même, on restera sur le cuistot. Alors c'est un cuistot là, mais c'est un perso un peu asexué. C'est un perso qui du coup est accompagné des oignons. Donc après il y a aussi le build des oignons qui va être important. Mais ouais, non, c'est, il y a trop de bonnes idées ce soir là, les gars. Arrêtez, il faut qu'on le fasse. Je t'en rajoute d'autres si tu veux. Tu mets les livraisons. Tu mets des livraisons. Tu mets des livraisons. Tu mets un genre d'Uber Eat. Tu mets des barraquettes. Tu mets plein de trucs. En fait, en gros, tu peux mettre plein de trucs dedans, tu vois. Mais il faut vraiment trier les bonnes idées. Non, mais en fait, c'est toutes des bonnes idées. C'est juste qu'il faut. Ne pas les mettre trop tôt parce que tu vois là, ça va dénaturer le jeu de base, mais après ça va être super quoi. Il y a un truc dont il faut qu'on parle, et là par contre il faut qu'on en parle sérieusement, c'est-à-dire qu'en termes d'état de l'art et de cahier des charges sur un roguelite, il y a quand même un truc dont on n'a pas encore du tout parlé, et j'ai pas l'impression de l'avoir vu dans le game design, donc bon, voilà, peut-être je me suis gouré ou pas, mais c'est le concept de Devil Deal en fait. Tu vois de quoi je parle ou pas? C'est ce dont je parlais avec le Loan Shark, c'est-à-dire le prêteur sur gage, non? C'est ça? Je sais plus, c'est possible, mais qu'en gros... Ouais, alors non, c'est plus ce dont toi tu parlais effectivement avec le prêteur sur gage, mais plutôt que... un truc fin... qui te donne un malus aussi derrière, quoi. Ouais, en gros dans Isaac, c'est qu'à la fin de chaque niveau, tu augmentes un pourcentage de chance de faire popper une salle spécifique dans laquelle il va y avoir des objets qui font partie d'une pool unique. Et du coup, cette pool d'objets, ça va créer des synergies totalement dingues et ces objets très puissants. C'est soit le Devil Deal. Si tu prends un objet en Devil Deal, tu fermes toutes tes chances d'obtenir plus tard une Angel Room, c'est-à-dire là où tu as une autre pool d'objets encore plus puissants, etc. etc. Et du coup, ça, c'est ce qui dynamise traditionnellement le roguelite. Donc tu le retrouves sur Rogue Legacy, sur... Isaac, moi je l'ai vu aussi du coup sur Helmut, sur Hunter the Gungeon, et je crois que c'est vraiment tous les roguelites, ça. C'est presque systématique en fait que t'as ça. Bonne idée, c'est pas. Ce qui aurait pu être intéressant, tu sais, c'est de. Il y a un truc qui est pas encore développé, qu'on voulait développer mais qu'on a abandonné parce que pareil, beaucoup trop de trucs, donc on essaie de trier un peu. Mais c'était la poêle que tu utilises en fait. C'est-à-dire que la poêle que tu utilises, tu vois. Tu pourrais avoir une poêle un peu démoniaque, tu vois, qui fait tout cuire en grate, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, ça te permet vraiment de gagner sur la cuisson, tu vois, ou genre un peu la poêle, un peu la poêle bénite, tu vois. Tous les trucs que tu fais en grate. On a le Devil Deal, c'est ça. Pareil, hein. En fait, il y a un marchand qui peut popper. Si t'as bien fait, enfin si t'as fait par exemple tant de Taste of Heaven dans ton truc, tu augmentes tes chances qu'il y ait un mec qui vienne te voir, genre, et qui te fasse remporter un prix par exemple, tu vois. Je dis ça au pif, tu vois, il te donne un petit prix culinaire, et le prix qu'il peut te donner, ça peut être différents trucs, et ce qui implique que ça. Et en fait, la récompense, c'est une casserole. Ouais, du coup tu comme l'item un peu de base que tu vas pas bouger, c'est un item un peu spécial quoi.
Genre, au début, t'en as un qui te propose un bakchiche ou je sais pas quoi, il te propose un truc malhonnête. Et lui, si tu refuses sa proposition, après, t'as un autre gars qui vient qui, lui, est vraiment guide du routard. Quand il te pose un truc sur ton stand, c'est genre gros bœuf, quoi, tu vois. Mais en pareil, là, c'est un truc qu'on peut pas faire dans une histoire linéaire. Mais dans un roguelite, avoir ce côté notation et des étoiles par rapport à ton restaurant, c'est complètement à propos, quoi. Parce que tu vas recommencer ta run, ok, bah non, t'es connu pour être du 2 étoiles, tu vois, et du coup, ça peut être aussi une sorte de progression en méta qui peut être. Ah oui, ça peut bien marcher. Ouais. Franchement, du coup, Stéphane, excellent, parce que là, tu vois, ça, c'est des moments qu'on a pas beaucoup en ce moment, je te cache pas, puisqu'on est dans le rush de la com et tout ça, mais vraiment. C'est trop bien de pouvoir en fait brainstormer. Se remettre à réfléchir à ces questions-là, tu vois, en discutant entre nous. On l'a pas beaucoup fait, je trouve, dernièrement. Non, mais moi je suis passé en mode politicien. Là. C'est beaucoup. Je vais vendre ma cab à tout le monde. Ah, venez jouer, c'est incroyable, venez voter. D'ailleurs, on l'a pas mis aucun lien derrière. Faut pas qu'on oublie. Faudra le rappeler à la fin de l'émission d'ailleurs. N'oubliez pas de voter pour nous, les gars. De toute façon, je pense que là, c'est ma dernière game. Vu que là, il est, je sais pas quel il est, mais je pense que. Pas une neveu là, non ouais. Pas quel il est. Donc, je pense qu'après cette game-là, on fera la partie pour les votes. On remettra bien le lien et tout pour que les gens voient où on va voter. Et après, on va arrêter là. Et en tout cas, franchement, hein, c'est vrai qu'au début, quand tu vois le jeu, tu penses pas qu'il y a toutes ces mécaniques-là. Et là, de toute façon, là, en jouant, je vois tout le taf qu'il y a. Et même ça a quelques bugs, hein. Putain, le nombre de vous avez mis dessus, ça se voit. Hein. Ça se voit en tout cas. C'est totalement legit. En matière de bugs, j'ai vu des jeux finis sortir avec plus de bugs que ça. Hein. Là, j'en ai fait un récemment, mais qui est trop bien d'ailleurs. Hein. C'est un jeu pareil, honnêteté intellectuelle qui crève le plafond. C'est un truc de Ace Studio. Alors, Ace Studio, je sais pas si tu connais, c'est des gens de chez Atlus. Atlus qui est un studio édité par Sega. Et qui est, Atlus, c'est eux qui font les Shin Megami Tensei, les Persona, tout ça. Mais pas de combat aussi. Studio, c'est un truc hyper indé, hyper machin. Et ils ont fait du coup un roguelite pareil dans lequel j'ai découvert des trucs. C'est à la Smash Bros en fait, tu vois. Tu te balades dans un univers, t'as des combats qui se déclenchent sur la Smash Bros. Et le jeu, il est incroyable, il est vraiment trop bien. Puis tu vois qu'il y a énormément de potentiel, mais le jeu, il est buggé. Le jeu, il a pas eu de succès, il est pas connu parce qu'il est buggé. Il a trouvé le Ramsès là, ça fait plaisir. Ouais, j'ai senti le coup de pute en fait. Vous mettez exprès le petit orange là, et ça vous fait croire en fait qu'il faut prendre le petite graine. Et en fait, j'ai dit non, ben, ça reste du orange. Donc c'était peut-être un petit bluff. Mais je sais pas si t'as vu là, le truc que t'as équipé, excuse-moi, je t'ai coupé Toto. Hein. L'œil du Shinigourmet gourmet là, donc ça te révèle une partie des ingrédients. C'est pour ça que j'ai acheté ça. C'est vraiment important au début. Quand tu parce que en vrai, ça fait beaucoup de combinaisons. Parce que tu vois, même la recette qu'on vient de voir là, la recette avec. Tu peux faire. Tu peux, vu qu'il y a deux ingrédients orange là, je crois, ça fait déjà plein de combinaisons différentes. Donc le temps que tu testes tout. Là, t'as fait esprit, je pense, de mettre trois fois le même orange, mais c'est vrai qu'à un niveau. C'est vraiment du retry et de mémoriser les recettes après quand tu recommences au niveau. Par contre, il y a des trucs qui pourraient être perfectibles, tu vois. On pourrait montrer que c'est le même ingrédient fois 3, tu vois, par exemple. Tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc. Ça mangerait pas de pain, tu vois, à faire, et puis ça aiderait vraiment, quoi. Ah, pas mal. Du coup, là, t'as il révèle deux ingrédients quand même, c'est pas mal. Ah, c'est bon, on dirait. Nébula Choco. C'est vrai que l'œil du Shinigourmet, moi, il me déçoit un petit peu cet objet pour une raison toute bête. C'est que, en fait, tes énigmes visuelles, du coup, on les voit plus, quoi. Ah, il y a quand même encore des énigmes, je trouve. Hein. Il y a quand même des énigmes parce que tu dois trouver le reste. Non, mais quand tu vois déjà un fruit sur les deux, ouais, si. Tu as le. Par exemple, tu as la vague, machin, tu comprends que, du coup, c'est tel ingrédient qui va avec. Et si l'autre, par exemple, la noix est révélée, du coup, tu sais juste quel autre ingrédient tu dois mettre. Non, mais le problème, en fait, c'est quoi ? C'est que, en fait, on voit pas les recettes. On n'a pas le temps. En fait, t'es tellement dans le rush de gérer les clients. C'est ça. T'as pas le temps de regarder. Donc, en fait, c'est un peu une erreur de design. Il faudrait presque arrêter le temps, regarder un peu la recette. Et voilà. Mais après, peut-être qu'en rogue, ça passera peut-être. Voilà. En rogue, ce qu'on prévoit, en fait, c'est de garder les recettes, c'est-à-dire que en rogue, en fait, tu vas commencer, tu auras que dalle, en fait, tu vas débarquer, il va te dire vas-y fais-moi ça, tu vois, et puis à un moment, tu vas réussir à trouver une recette, et quand tu vas mourir et tu vas recommencer ta run, et t'auras la bonne recette, en fait, ton carnet de recettes va rester comme il est, tu vois,
En fait, il va s'étoffer au fur et à mesure. Clairement, ça peut être super cool. Et puis le fait qu'il y ait des micros, en fait, il faut putain, habituer les joueurs à avoir des micros découvertes dans leur gameplay pour qu'en fait ils communiquent aussi tout simplement. Sur Isaac, ça c'est hyper important. Les gens ils sont là comme ça. Hey, tu savais d'ailleurs qu'on, quand tu fais ça en fait là, et des gens ça fait 500 heures qu'ils jouent au jeu, puis ils sont là quoi ? Pourquoi tu peux faire ça et tout ? Puis t'es là, leur esprit ça fait mind blown quoi. Ça, ce qu'il faudrait, c'est qu'à ce moment-là, il faudrait des recettes cachées quoi, que tu sois jamais dans ton livre. T'es un dark book, tu vois. Et en fait, tu as des recettes cachées, un peu vraiment, un peu violentes, tu vois. Ça va venir, Le Necuisimicon. Non, attends. Le Necronomicook. Oh, le Necronomicook, mais oui, oh, il est parfait. Ah, magnifique, putain. Le Necronomicook. Ok, bon, je l'annonce là. Oulala, c'est trop content. Les gars, ils sont en brainstorming sérieux, tu vois, pour l'année. Ah, c'est énorme. Necronomicook, oh là là. Après, c'est quand tu discutes même que t'as les meilleures idées. C'est quand tu discutes même que t'as les meilleures idées, c'est comme un même. Ouais. Des fois, c'est pour ça que l'autre coup, quand tu m'as parlé de. En plus, j'ai pas pu venir du coup parce que j'ai encore un truc à finir. Et tu vois le truc du biastorming là, vous avez fait. Des fois, c'est quand tu. Des fois, c'est même pas quand t'es en train de taffer, tu vois. Des fois, c'est quand t'es dans un moment festif ou quand t'es entre potes et tu discutes de quelque chose, c'est là que t'as les meilleures idées. Tu fais ah ouais, mais putain, mais c'est ce que tu dis, c'est trop cool, tu vois. Donc, moi, il y a plein d'idées que j'ai eues comme ça en tout cas. Hein. Que dans des moments où c'était pas le taf. Non, c'était avant-hier, pardon, mais c'était une dinguerie en termes de. Quand tu voyais. Bah, en fait, là, c'était spécial parce que c'était l'émergence du jeu en multi, quoi, tu vois. C'était une race, donc t'avais 4 joueurs qui étaient là en même temps. Et du coup, le fait que ce soit Twitch, le multi-Twitch, ça faisait que les gens jouaient d'une autre façon, en fait. Ouais. Et c'était original, franchement, c'était. Je trouvais ça cool. Juste la cinématique passée. Il y a une meuf en capa, putain. Après, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, ça, de Rod, honnêtement, le côté multi. Enfin, des gens qui jouent à plusieurs sur un mode basique où tu reproduis simplement un écran. Super, t'as une sorte d'émulation qui est vraiment super, quoi. Après, bon, c'était galère à mettre en place techniquement, tu vois. D'ailleurs, ouais. On aurait été peut-être trop gourmand et tout, mais ouais, non, c'était super, c'était incroyable. Vraiment, voir tout le monde en même temps, partir au même moment, tu sais. Et continuer leur race et dire attends, mais comment tu fais ça? Et ils s'entraidaient un peu des fois. Oh non, mais il faut que tu prennes ça absolument, ça marche pas. C'était vraiment cool, tu vois. Non, c'est parce que le fait de. T'imagines faire ça en couch gaming, genre quand c'est sur Switch, les gens ils peuvent faire ça en écran scindé. Franchement, moi quand j'étais à Videodrive, c'était dingue. Les gens ils étaient toujours à demander des jeux multi. T'étais là, voilà. Le 1 à 2 joueurs, c'était le GOAT, quoi. Tu vois, des fois tu vendais des jeux, mais qui étaient. Juste parce que t'avais marqué que ça jouait à deux, quoi. C'est clair. Mais non, bien c'est meilleur à deux, ça aussi. Ah, ils ont une Switch. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. Plus c'est multi, mieux c'est, quoi. Je veux dire, en général, bah ouais, bah enfin, après, tu vois, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà dit souvent. Déjà, c'est même pour ça, d'ailleurs, que je reprends beaucoup de jeux multi sur les lives qu'on fait. C'est que, tu vois, moi, j'ai connu l'époque où, tu vois, les jeux. Bah, ouais, déjà les LAN, mais tu vois, tout ce qui est jeu en ligne maintenant. C'était pas sur console, je parle, hein, c'était pas aussi développé que maintenant. Donc à l'époque, tu faisais quoi? Ben, t'allais chez des potes ou les potes venaient chez toi, t'avais deux manettes devant un seul écran et tu passais un super moment, que ce soit les versus fighting. Il y a des jeux que je te jure, je jouais avant, des FIFA, des NBA, il y a plein de jeux que je jouais juste parce que c'était du multi et qu'on était à deux devant l'écran. Et que maintenant, le même type de jeu qui est beaucoup plus beau, ben, de me dire je vais être ma case tout seul et à jouer en ligne contre quelqu'un, ça me botte pas, tu vois. C'est con, hein. Donc Twitch Discord, ça crée un petit patch, une petite rustine à ce problème, mais pas tout à fait quand même, quoi. Mais c'est vrai. Tu vois, là, ouais. je vais prendre encore un exemple super récent. Il y a pas longtemps, on a testé la bêta anticipée de Multi Versus. C'est le Smash Bros de Warner. Et tu vois, eux, ils ont fait un truc qui est génial, c'est-à-dire que t'as le jeu en ligne, donc c'est bien dosé parce que tu vois, ça te force à tryhard beaucoup de fois pour acheter tes persos et avoir de l'argent. Et ils ont mis un mode local. Donc, c'est-à-dire que le jeu est gratuit. C'est-à-dire que je fais une soirée chez moi, par exemple. J'installe le jeu qui est gratuit. Je prends 4 manettes, je branche sur mon PC ou ma console. Et on peut se faire une partie à 4 des un seul écran. Ça, c'est génial. J'ai jamais vu ça, moi, d'un jeu gratuit, en tout cas. Et c'est comme si c'était un Smash Bros. Gratuit. Et tu peux jouer à 4 des un seul écran. Avec tous les persos débloqués. Ça, je trouve ça génial, tu vois. Donc, Mais à mon avis, ils vont ça va cartonner. Il y aura un retour sur investissement qui viendra après. Le business plan, il est sur autre chose, en fait. Il y a déjà, ils ont. C'est les skis, ouais, il y a du pay to win, c'est sûr. Il y a des gars, ils vont acheter pour débloquer les PSO, tout ça.
Bon, je laisse cette scène passer, je regarde un peu ce qui se passe, et après, parce que ça c'est un petit peu original comparé à ce qu'on a fait, et après qu'on revient un peu à la scène où on doit vendre, faire des plats, là je pense qu'on terminera sur les votes et on fera un tour sur le site, et après on va clôturer le live. Pas de la castagne. Qu'est-ce que tu fais que tu viens fouiller dans le coin? Me balade, c'est pas un problème. Mais en vrai, pensez à... passage là-dessus. Je sais plus si ça vient de Pierrick ou de moi, le fait de leur faire parler de Zozo. Ice Fight, tu vois. Ils disent. Non, Stuffage. Des F à la place des S. Et ça, en fait, pour moi. Enfin, j'avais fait des trucs comme ça déjà sur Phenotopia, en référence, du coup, en hommage, et donc toujours pas en plagiat, hein, justement. Stuffage. À Zelda. Ouais. Parce que. Je crois que Pierrick, il avait fait aussi un. Les persos qui parlaient un peu n'importe comment, là, j'ai l'impression. Ouais, bah alors, en fait, j'avais dû agir dessus d'une certaine façon, peut-être systématiser le truc un petit peu plus ou quoi. Une tare. Effectivement, ouais. Parole, ouais. Il y avait déjà. Ah, attention, voilà le chat dont je parlais tout à l'heure. Hein. Faut bien regarder les chats. Il y a. Ah, des chats là ? Il y a la blague que je disais. Trop dans le rush avec tous les oignons de merde là, à taper. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, non, les chats, ils sont dans le décor. Il y a beaucoup de monde. L'animation est l'animation est cool quand tu kiffes bien le petit courri de l'oignon. Et donc, enfin ouais, pour juste conclure là-dessus, c'est que les textes en fait où tu entends la prononciation dans la façon dont c'est écrit, c'est très très, très endémique de Miyamoto ça. Il fait beaucoup ça dans les Zelda et puis même dans les Mario, tout ça, t'as vraiment beaucoup de trucs comme ça. Un coup de balle du chat. Et tout de balle, du chat peut pas aller. Tout de balle sur 20, ouais. Ça, c'est le plaisir de faire des jeux indépendants. Hein. Pas de problème de contenu. Ouais, j'avoue. Ouais, les détails. Mais après, mais du coup, tu viens de dire, en tout cas, pourtant, là, comme c'est un jeu aidé, que vous avez quand même beaucoup plus de liberté. Après, quand vraiment, imaginons, le jeu devient super populaire et que après, tu entres dans une autre phase du jeu. Est-ce que vous avez des contraintes genre à respecter après au niveau du politiquement correct? Bah, des... si on est édité par un éditeur, il peut avoir des contraintes, mais maintenant les éditeurs ont très bien compris que le jeu indépendant c'est un business aussi maintenant. Les éditeurs, ils ont très bien compris que laisser la liberté créative aux auteurs, ça a garanti des jeux de meilleure qualité. Ils ont testé, sur plusieurs années, de bloquer le contenu un peu sensible de certains jeux, et ça va pas, quoi, tu vois. Alors qu'il y a des polémiques sur les nouveaux persos, tu vois, de... Je sais pas, c'est quoi le dernier en date, là le perso, la Catherine Rasta, je sais plus dans quel jeu, là, tu vois. Donc en gros la détresse, donc appropriation culturelle, des blagues et tout comme ça, c'est n'importe quoi, mais c'est souvent des polémiques liées avec des grosses entreprises, tu vois, qui ont des gros deals, tu vois, avec des beaucoup de joueurs, tu vois. Mais en général, les jeux indépendants, c'est très accepté, que tu vois, que ce soit par contre, il y a des vrais trucs qui ont un impact en fait sur le PEGI, et je vois ce que tu veux dire. Mais en gros, par exemple, dans le précédent jeu, moi j'ai un exemple classique, enfin qui était incroyable. C'est le développeur, je lui avais dit, j'étais en train de créer des expressions, des jurons pour un personnage en fait, parce qu'il avait un cuisinier français en anglais et comme personnage, et du coup c'était un gros stéréotype, donc j'avais dû réécrire tout le personnage pour que pour les Français ça soit un petit peu plus percutant, pertinent. Et je lui avais fait dire des jurons. Et donc il y avait un juron, c'était par le cloaque de la reine des harpies. Parce qu'en gros, tu vois, tu veux dire par le cul de la reine des harpies, mais c'est une harpie, donc c'est un oiseau. Et les oiseaux, ils ont pas un cul, ils ont un cloaque. Tu vois, donc c'était une espèce de vanne un peu bidon comme ça. Et là, je dis, comme à chaque fois que je crée du contenu par rapport, je lui dis, voilà, cloaca, machin. Il me dit, attends, j'ai un problème avec ça. Et je lui dis, il me dit qu'en fait, son éditeur, comme la plupart des éditeurs, c'est ok de parler de trou de balle à 1000%, tu le fais autant que tu veux ça. Par contre, les parties génitales, c'est du 18+, presque systématiquement. C'est vrai, ça. Il y a des trucs comme ça un peu qui sont spéciales. C'est ouf en fait, tu vois. Et du coup, c'est devenu par le croupion fleuri de la reine des harpies, ce qui est mieux en fait en plus, tu vois. Mais c'est incroyable quoi. C'est incroyable. T'as des trucs auxquels il faut faire attention en politiquement correct. C'est plus de l'étiquette que du politiquement correct. Politiquement correct, c'est un peu... Ça change très rapidement, le politiquement correct.
C'est aussi ça le problème, c'est que ce qui était drôle il y a 10 ans devient interdit maintenant, quoi. Bien sûr, bien sûr. Oui, je vous propose qu'on passe, qu'on revienne un peu sur la GameCube du coup et votre participation pour ce jeu qu'on a testé assez long. Bon, là, je sais pas si on l'a fait 2 heures, on avait testé le jeu quand même. Et du coup, alors, est-ce que déjà vous pouvez nous dire c'est jusqu'à quand qu'on doit voter, c'est quoi la date butoir pour voter déjà? Ouais, je peux expliquer un peu rapidement. Alors là, il y a plusieurs phases de vote. Donc il y a une phase de vote en juillet, il y en a une autre en septembre. Et après, il y a un live qui est le soir des restitutions des prix, en fait, où on doit voter par téléphone, en mode Miss Réunion, quoi. Ah ouais. Mais clairement, donc il y a plusieurs phases de vote. Et la première phase de vote, elle se termine demain. Donc là, nous, on est le 30 juillet. Donc elle se termine le 31 juillet. Okay. Donc là, tous ceux qui n'ont pas voté, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez soutenir la production à La Réunion, et puis de soutenir Taste of Heaven, un petit jeu de manger comme ça, et ben il faut foncer et voter sur le site de la Game Cup. Donc c'est pour... alors je rappelle le lien, donc c'est lagamecup.com. Yes. Vous arrivez dessus et puis vous allez dans finaliste, je crois, finaliste. Ouais. Vous allez dans catégorie newbie. Je sais pas si ça fait. Attends, on va faire tout le chemin comme ça, les gens ils vont voir. Donc finaliste. Là, vous êtes voir les finalistes newbie. Ça va ouvrir un nouvel onglet. Et là, vous avez 4 jeux. Donc, Taste of Heaven par Chromatic Dream. Donc, c'est ici. Et pour cliquer, pour voter, donc c'est sur ce bouton-là. On va mettre un petit vote. Allez, hop. Là, c'est rapide. Très rapide. Merci à faire, en plus. C'est très rapide, ouais. Pas d'inscription. Il n'y a pas de mail, il n'y a pas de compte à créer, rien. Donc, vous voyez, c'est super rapide. Yes. Et après, du coup, n'essayez pas de spammer le truc, hein, parce qu'il y a moyen, du coup, mais il y a un bot derrière qui voit. Donc, si vous prend l'IP, il regarde l'IP. Bon, peut-être il prend l'IP. Voilà, c'est juste par IP, en fait. Donc, c'est-à-dire que si vous votez avec votre téléphone sur votre 4G, ça va prendre un vote. Si vous votez sur votre Wi-Fi, ça prendra un autre vote aussi. Mais par contre, s'il y a 10 camarades chez vous qui sont connectés à la Wi-Fi et qui votent, ça sert à rien. Ou c'est jusqu'à demain, ce vote-là, c'est du coup jusqu'à dimanche minuit, ouais, jusqu'à comme ça. Dimanche 31, et après, okay. Nous, on va faire un peu de préparation pour préparer la deuxième phase, qui est du 12 septembre au 25 septembre. Donc là, on a quand même fait une bonne campagne, j'espère que ça va continuer jusqu'au dernier jour. Ouais. Il y a quand même pas mal de monde qui nous ont tenus. Merci encore pour tous ceux, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous ont déjà soutenus. Merci à vous. Okay. Là, le but, ça va être maintenant de durer, hein, parce que c'est 3 phases de vote qui sont pondérées. Alors, pondéré, j'ai appris la description pour l'occasion, parce que je connaissais pas. Mais alors, je peux dire une connerie, mais voilà, clairement, c'est des phases de vote qui sont vraiment séparées et qui vont définir. Donc, ils vont avoir tous les votes, voir qui gagne la première phase, ça va faire un point, qui gagne la deuxième phase, qui gagne la troisième phase. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à remporter les 3 phases, en fait. C'est vraiment hyper important. Ok, ben, en tout cas, les gars, GG, franchement, ça fait plaisir de voir que. Tout le taf là. Là, en fait, moi, là, je sais pas si ça c'est vu, en tout cas, mais moi, en fait, en testant le jeu là, et en plus l'interview qu'on a fait, là, moi, j'ai en plus, tu m'avais dit, ça fait 4 ans que vous êtes dessus. Moi, je vois vraiment le taf, et en vrai, il y a du potentiel dessus, hein, franchement. C'est pas genre un petit jeu. En fait, tu vois, il y a des jeux où, moi, c'est ça que j'aime pas, en fait. C'est que des fois, t'as des jeux où tu joues, et tu sens vraiment le côté recyclage, tu vois. C'est genre, au bout de la deuxième, troisième game, tu as commencé à te saouler déjà parce que c'est vraiment du recyclage, il n'y a rien de nouveau. Et là, plus tu avances et plus tu as vraiment plein de mécaniques qui arrivent. Tu as même des mini-jeux entre les phases que je trouve cool aussi. Et moi, j'aime bien en tout cas. Il y a des petits bugs, ça s'est arrangé, c'est sûr, mais c'est des petits détails, tu vois. Mais le gameplay lui-même, il est cool, hein, franchement. Yes, bah écoute, ça me fait plaisir que tu me dises. En plus, toi, avec ton œil un peu éclairé, qui connaît un peu les produits un peu multimédia et culturels, alors clairement, c'est... merci beaucoup en tout cas. Non, franchement, ouais. Après. Avis, quoi. Et puis là, il y a eu les idées qu'on fleurit là. Franchement, la prochaine fois, je refuse hein, de faire un truc avec toi parce qu'il y a beaucoup trop d'idées qui volent. Et après, c'est plus possible. Moi, j'ai envie d'arrêter. Là, j'appelle ma femme. Je dis non, je rentre pas à la maison, je travaille. C'est pas possible. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que de toute façon, là, ce qu'on a fait aujourd'hui, moi, je remets la VOD. Là, de toute façon, je vais même pas faire de montage. Je vais mettre le rush tel quel. Je vais le remettre sur YouTube. Donc, vous aurez la VOD sur YouTube. Donc, je republierai ça après sur la page demain. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent voter demain, ben, fait péter. Et puis, ben, j'espère qu'à. Ouais. En tout cas, moi, j'espère que vous aurez au moins ce soit la première ou la deuxième place.
ça serait cool. On va faire le maximum. Et puis après, au-delà de gagner la Game Cup, voilà, nous on essaie aussi d'avoir des retours de tout le monde, ce que, les retours que tu nous as donnés, ce que ça a engendré aussi comme questionnement et comme idée, ça c'est hyper important pour nous. Mais ce qui est aussi important, c'est voilà, les wishlists aussi. Donc si vous êtes sur Steam, si vous jouez sur Steam, n'hésitez pas à taper Test of Heaven Steam, vous tombez sur le jeu, sur la page Steam. Et n'hésitez pas à wishlist, parce que plus on a de wishlist, et plus potentiellement vous pourrez être au courant des prochaines updates. Parce que bien sûr, on prépare la prochaine version qui va être, je pense, Rogue. Donc en tout cas, c'est pas encore dans le marbre, mais c'est bien parti pour. Donc n'hésitez pas à wishlist, nous ça nous aide. Et moi, vous serez au courant si le jeu il a du nouveau des actus sur lui. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse le mot de la fin. Après, on va clôturer le live. Donc je vous laisse. S'il y a peut-être des trucs encore qu'on n'a pas dit. Camoulox. On va arrêter ce démo parce que merci pour les follow et les petits clics. Alors, j'ai pas su mon chat bug. Moi, j'entends les clics, mais je vois pas les follow, les trucs. Donc, je sais pas s'il y a des follow ou des trucs, mais si, s'il y a des follow ou des subs. Et comme je dis, je vous laisse le mot de la fin conclure et après, on laisse là. Et en tout cas, moi, je me suis bien amusé. C'était cool. Écoute, merci encore. Merci encore pour le test. Merci à tous d'avoir suivi le stream. Et puis, pour ceux qui vont regarder la VOD, voilà, n'hésitez pas à voter. N'hésitez pas à rejoindre. Le Twitch de Réunion Gaming Crew et puis leur chaîne, parce que franchement là, moi je connaissais de nom un peu de loin, mais là je vais vous suivre parce que c'est vraiment très 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 cool là. C'est très cool d'échanger avec toi et puis merci. Et avec votre contenu, donc voilà, merci en tout cas à tous. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez soutenir un jeu de la Réunion, vous savez où est-ce qu'il faut aller. Allez les amis, merci Thomas, merci Rodolphe, et du coucou à Piri qui va peut-être regarder la vidéo. Et écoutez, on n'a pas vraiment entendu musique, mais ouais. Qui a fait un super taf aussi. Et moi, je voulais juste dire du coup que, en fait, voilà, donc nous, on s'était vu un petit peu avant. Je connaissais ton travail déjà parce que on avait partagé une expérience. Thomas, je connais déjà. Je ne me trompe pas, mais qui montrait que tu étais quelqu'un de très dévoué dans ce que tu fais. Ah, ça va être très bizarre ce que tu dis là, par contre. Je sais que tu es vraiment à fond dans tes vidéos, et j'ai vraiment, voilà. Forcément, ça pouvait pas se faire sans toi. Pour moi, dans ma tête, quand on a commencé à communiquer sur le jeu, c'était déjà logé là. Je savais de toute façon que j'allais te demander. Et forcément, on est vachement satisfait. Je pense qu'après, on aura d'autres projets. Il y aura d'autres projets après. Super bonne ambiance. C'était vraiment très, très cool. Et je te remercie infiniment, du coup. Vraiment. Merci. C'était le mot qui conclut la fin. J'espère qu'on aura le sujet d'inscription à 10 000 dos dans le chat. Ouais, moi aussi, hein, parce qu'eux, ils ont stonks. Hein. Oh, punaise. Yes. Merci tout le monde et on vous laisse. Passez de bonnes soirées, bon week-end et allez voter pour ce magnifique jeu. Allez, Navi.